à toutes et bonjour à tous. Et bienvenue sur le test de Devs Door, un jeu indé qui nous faisait particulièrement de l'œil. C'est clair. Sorti le 20 juillet 2021, c'est déjà sur PC et Xbox, et le 23 novembre de la même année ensuite sur les consoles PlayStation et sur Switch. C'est un jeu qui est édité par Devolver Digital, donc qui fait partie de leur label et qui est développé par Acid Nerves. On va en reparler. Ouais. On aura largement l'occasion de parler de tous ces petits détails-là, mais Acid Nerves, on les connaît parce que c'est les développeurs de Titan Souls. Voilà, à la fois le petit jeu qui était sorti en... comment dire, En Game Jam, et puis après le vrai jeu, que je suis le seul à avoir fait les deux, je crois. J'avais fait les deux. Donc moi, j'avais fait juste le jeu Game Jam. Moi aussi. Et en préparant ce test, je me suis chauffé pour faire le jeu de base, parce que il dure que 3 heures. Oui, il est très court. Et ça m'a bien chauffé, mais il y a eu d'autres priorités. Il y a toujours d'autres priorités. donc je ne l'ai pas fait, mais voilà. On saute une étape, on arrive directement à Death Door, parce que là, on s'est enfin penché dessus 2 ans après sa sortie, peut-être un peu plus quand le test sort. Quand il est sorti, ce jeu, il est sorti sous une pléthore de bonnes notes. Donc déjà, son style artistique très particulier dont on reparlera, nous faisait de l'œil, le style de jeu, enfin voilà, c'est le genre de jeu qui typiquement pouvait nous plaire. Donc on s'est enfin penché sur la question. Il avait vraiment créé une méga hype, et puis 2 ans plus tard, il a encore vraiment respecté, les gens le citent très souvent. Et puis quand je lisais un peu les trucs sur Tunic notamment, que moi j'aime vraiment beaucoup, enfin on l'aime tous pas mal sur ce canapé en moyenne, et les gens disaient, le comparaient énormément à Death Door. Sur plein d'aspects. Et du coup, j'étais en mode purée, ça, et j'avais oublié ce jeu, parce que tu sais, c'est 2 ans quand même, un an et demi, enfin peu importe. J'avais oublié ce jeu, et j'ai oublié qu'il était si bien, et en fait, en voir autant de gens qui comparaient les deux, ça m'a aussi donné envie de le faire, et on s'est saisi de l'opportunité qui soit offert via le PS Plus pour se lancer dans D'autant plus qu'on avait un ami commun qui l'avait quand même bien kiffé. En plus. Voilà, donc. Liquide. Ah, d'accord. Liquide et aussi Sylvain. Ok. Bah, effectivement. Et puis, en fait, moi, c'est juste après avoir fait Alan Wake pour la petite histoire. Et je me rappelle avoir dit à Greg, je veux un jeu avec un bon gameplay. Donc, c'était pile le bon moment pour se lancer dans Death Door. Et donc, on va se poser la question, Death Door est-il aussi immanquable qu'il y paraît? Pour savoir la réponse, il faut liker la vidéo, s'abonner. Et on est parti. Sinon, on ne donne pas la réponse. Hein. Donc, allez-y, on vous regarde. Donc, il va quand même. C'est bon, t'as liké, on peut y aller. Donc la première partie de développement, j'ai appelé ça d'une game jam à l'E3 en 6 mois, l'histoire de Acid Nerves et de Titan Souls. Mm-hmm. C'est Acid Nerves, il n'y a pas de S, faut que... Donc il y a 2 personnes qui composent Acid Nerves, c'est juste 2 personnes essentiellement. C'est David Fenn et Mark Foster. Donc on va beaucoup parler d'eux, je vais les appeler Mark et David, hein, ça se venu mes potes au fur et à mesure de l'affiche. Donc au début des années 2010, ils se rencontrent lors d'un événement de jeux vidéo à Nottingham, parce que c'est des développeurs anglais, où ils font la queue pour voir un talk de Phil Fish, le créateur de Fez. C'est-à-dire si c'était il y a longtemps, parce que c'était à l'époque où Phil Fish était encore dans le jeu vidéo. Donc, et respecté. il ferait un talk de nos jours, ça aurait du succès aussi. Oui. Clairement. Le retour de Phil Fish. Il a complètement quitté le jeu vidéo, pour rappel, suite à des problèmes de toxicité qu'il y avait autour de... Et puis la production qui n'a pas fonctionné de Fez de la fin d'histoire. Voilà. Ah oui, c'est vrai, ça aussi. Ouais. Donc en fait, ils discutent et découvrent qu'ils sont tous les deux créateurs de jeux habitant à Manchester, donc au Royaume-Uni, et ils commencent alors à se voir pour participer à des game jams locales, parce qu'après, il y a une grosse scène de game jam à Manchester. Donc très rapidement, ils s'entendent très bien, et ils sont notamment rapprochés par leur amour mutuel du polish et de l'attention au détail. Dès le début, c'est vraiment un truc qu'on peut tout de suite faire en reproduction, et qui les rapproche, alors que pour le temps, les game jams, normalement, c'est plutôt du quick and dirty, on appelle ça. Donc l'idée, c'est d'avoir un concept, et tu essayes de faire ça rapidement, d'avoir un truc qui fonctionne. Vite et sale. Voilà, vite et sale. Si c'est comme ça, que... jamais jeux vidéo. Tant que c'est les jeux vidéo, tout va bien. Donc là, c'est tout le contraire de ces jeux qui sont généralement rudimentaires. Ils expliquent que quand ils faisaient leur game jam ensemble, souvent ils passaient la moitié du temps de la game, parce que c'est timé aussi. Hein, c'est 48 heures en moyenne. 72 heures. Et imaginons que ce soit 48 heures, ils passaient la première journée à faire le jeu et le deuxième à le polish. Donc c'est assez rigolo. Et du coup, comme je dis, on verra que c'est une tendance qui transparaît vraiment aussi dans Death Door, vu que c'est un jeu qui regorge de détails. Donc ils font ces game jam ensemble, et le premier jeu qu'ils réalisent, c'est un jeu flash qui s'appelle Leave Me Alone. On est alors 1 an ou 2 avant Titan Souls, et c'est leur premier vrai jeu commercial, parce que pour eux, ils sont un peu payés pour le développer un peu plus après. Mais bon, à mon avis, c'est un peu sous le manteau.
Et en décembre 2013, il y a du coup trois développeurs, donc ces deux-là plus un autre, qui se réunissent pour participer à la Game Jam Ludum Dare, qui est une des Game Jams les plus célèbres, je pense, de, dans l'industrie. Ouais, avec celle de Game Maker's Toolkit maintenant, c'est oui, en tout cas, la Ludum Dare, c'est, ou Dare, c'est la première qui a vraiment percé, j'ai l'impression, ouais. Avant que ça devienne cool, quoi. Oui, bon, c'est ça. En tout cas, clairement, c'est une, très réputé, et donc c'est Marc et David. Et Andrew Gleeson, qui lui est un artiste australien. Et donc tous les trois, ils se réunissent voilà, pour faire la Game Jam. Donc le thème de la Game Jam, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était « You only get one », ce qui signifie « vous n'avez le droit qu'un seul », en gros, quoi. Donc ça a conduit l'équipe, l'équipe à développer un jeu. Du coup, tu te demandes la question, enfin tu dis tu n'en as qu'un, et du coup tu dois créer un jeu qui voilà. Se repose sur le concept. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir comment tous les gens qui participent font un jeu à partir de ce concept-là, et quelles sont les différences, comment ça peut, un seul thème imposé peut t'inspirer de différentes manières. Et voilà, et eux, du coup, c'était quoi leur idée? Et bien, leur idée, c'était de faire un jeu de combat de boss, où chaque boss n'a qu'un point de vie, mais le joueur n'a qu'un point de vie aussi. Et qu'une seule flèche que tu dois ramener à toi quand tu l'attires. Effectivement, donc en fait, il n'y a que un de tout, quoi. Enfin, sauf que... Il n'y a pas qu'un boss, mais... Il y en a quatre en tout, peut-être un cinquième, je ne sais plus, mais je sais qu'il y en a, dans quatre. Dans la version Game Jam, ça, ouais. Je ne sais plus, par contre. Donc, ouais, effectivement, nous, on l'avait fait à l'époque, il y avait un concept cool. Pourquoi Titan Souls? Parce que mélange entre Shadow of the Colossus, oui. Pour le côté un petit temps, et Dark Souls pour Souls. Eh bah, ben non. Ah ouais? Pas du tout? Eh bah, ben non, c'est... Le nom, il est... Enfin, bon, si, le Souls, ils l'ont cherché, c'est Dark Souls. Ah. Mais, enfin, ça, ils le disent pas, mais voilà. Par contre, non, pour le nom, ça vient de l'anime... l'anime slash manga très populaire, Attack on Titan. Ah ouais, ouais. Déjà à l'époque? Ouais. Oui, oui. Donc... Bah, Attack on Titan, ça date de 2010, hein, ouais. Je crois. Ah ouais. J'aurais vraiment pensé que c'était Shadow, parce qu'en plus... Leur inspiration principale est Shadow of Colossus. Ah oui, voilà, parce que... Mais le titre, okay. Le titre, c'est pas le titre Titan, ça vient de Attack on Titan. Mais du coup, c'est... Voilà. Ça fait sens. Oui, parce qu'il n'y a pas Titan dans Shadow of Colossus. Shadow of Titan. C'est ça. C'est Colossus Souls, sinon ça aurait été. Bon, du coup, on ne fait pas le test de Titan Souls, donc on saute directement une étape, mais vu que le jeu il est fondateur pour le studio, on va quand même revenir un tout petit peu dessus rapidement. À l'époque, le jeu il fait pas mal parler de lui, il devient vraiment viral sur Internet, et il est joué par environ 100 000 personnes. Donc c'est quand même assez balèze. Ouais, sais que nous, c'est le concept qui nous avait parlé, ouais. Donc on y avait joué pour cette raison, tu vois. Ouais. Totalement. Et puis, c'est qu'il a buzzé si on était tombé dessus. C'est ça, il a buzzé. Il y a pas mal de développeurs inconnus comme Rami Ismail qui en ont parlé, en fait. Donc sur les sphères Twitter, à l'époque, etc., ça a fait vraiment beaucoup parler. Et donc, il y a beaucoup de gens qui y ont joué. D'autant plus que c'était gratuit, c'était juste un fichier à télécharger. Et voilà, c'est ça. Et comme tous les jeux de jam. Hein, oui, bien sûr, mais bon. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, en fait, à ce moment-là, sur Twitter, il y a Devolver Digital qui répond à leur message en mode « ça vous dit, on discute ». C'est vraiment littéralement comme ça que ça s'est passé. Donc, ils font « bon, bah... » Je me rappelle en plus de ce truc. Ils font « bon, bah, ok ». Et en fait, 6 mois après, ils étaient à l'E3 dans le segment Devolver Digital de la conférence Sony. Ah, c'est ouf. Donc, c'est quand même vraiment en 6 mois, genre, ils ont fait un petit jeu comme ça, et puis boum, d'un coup, ils sont édités par Devolver. Et ça, donc, c'est quand même une success story assez fulgurante. Et Mark Foster est déclaré à l'époque, nous avons créé un jeu lors de la Game Jam, avons travaillé un peu dessus, et ensuite la première chose que nous avons faite, c'était aller à l'E3. C'était assez fou. Tu parles d'une ascension. Du coup, l'E3, ça marque une autre étape assez importante pour le studio, parce que c'est jusque-là, ils n'avaient jamais tous les tours, trois étaient dans la même pièce. Parce que vu que l'artiste, il était australien, il ne se connaissait que depuis le net sur le net. Quoi. Ah oui, d'accord. Donc les deux autres, ils s'étaient rencontrés dans une file d'attente, donc ils s'étaient déjà vus, mais les trois dans la même pièce, c'était à l'E3, la première fois. Et du coup, Marc, il disait qu'il a, voilà, il dit, je connais Andrew via Twitter, et bon. Donc, comme quoi, hein. Ouais. Et il dit... Il a fait un jeu. C'est ça, et pour comment il a ramené Andrew, il lui a dit, ouais, lorsqu'on a voulu faire la jam suivante, après la jam de Leave Me Alone, je lui ai envoyé un email pour lui demander s'il voulait aider, il est venu sur Skype et il a participé, et voilà, maintenant on travaille ensemble. Comme quoi, hein. Ouais, il en faut pas plus, hein. Bah, c'est ça. Et visiblement, le rôle de Devolver, du coup, il a été vraiment essentiel au cours du développement. Ils nous disent « Devolver nous a aidés avec tout. Le jeu n'aurait pas existé sans Devolver. Nous l'aimions, nous voulions le développer, mais nous n'avions ni l'argent ni le temps pour le faire. Lorsque Devolver s'est impliqué, ils ont financé le jeu dès le début et nous ont fourni tout le soutien marketing dont nous avions besoin. Les gars, ils ont aimé le prototype et ils ont pensé qu'on pouvait faire quelque chose de bien. » Et je rappelle, quand on discute, ils sont là en mode « Ouais, ils nous ont demandé si on voulait de l'argent. » On s'est dit «
Probablement, mais mais on veut quoi comme argent, on sait pas. On connaît pas quoi. C'est ça. En même temps, quand tu sors d'une game jam, après on te dit bon bah ça t'intéresserait de faire un jeu. Oui, quand, comment, pourquoi et du coup. Et puis aucun des deux n'a bossé dans l'industrie avant. Oui, en fait, c'est ça. En même temps, ils ont de l'expérience parce que c'est des développeurs de game jam, de temps perso, etc. Mais sinon, c'est pas des développeurs professionnels. C'est ça à ce moment-là quoi. Donc voilà. Et là, comme beaucoup de développeurs indépendants, ils ont dû créer une structure pour pouvoir être payés. Et donc là, par Devolver, et donc cette entreprise, c'est donc Acid Nerve. Et alors, est-ce que vous pouvez deviner le nom de Acid Nerve ? De quoi ? Le nom ? D'où vient Acid Nerve, plutôt ? Ouais, non, toi tu pourras pas, c'est parce que ça vient de Titan Souls. Ah oui, d'accord. Donc en fait, quand David il raconte, l'un des premiers boss que nous avons prototypé pour Titan Souls s'appelait Acid Nerve. Ah ouais, je me souviens. Bah, en fait, c'était le même boss que le boss Sludge Heart dans le jeu, donc la limace, le cœur limace. Donc il décrit que c'est une sorte de cœur dans une masse de boue qui laisse des éclaboussures de boue sur le sol pour te ralentir. Ah oui, oui, oui. Okay. Et voilà, et en fait, dans le premier prototype, sauf qu'au lieu d'un cœur, c'était un nerf, et au lieu de la boue, c'était de l'acide, et ça tuait immédiatement. Il dit que c'était ridiculement difficile, donc on a dû faire des changements, mais le nom Acid Nerve était toujours cool. En fait, le boss Acid Nerve n'était plus vraiment dans le jeu, il a été... Le concept du boss est resté. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc pour eux, c'était une belle façon de faire perdurer un de leurs premiers boss dans l'entreprise. Et voilà, et enfin, évidemment, comme on l'a dit, bien que Titan Souls est très fortement inspiré à la base par le thème de la Game Jam, leur inspiration, la grande inspiration, c'est le classique de la PS2, Shadow of the Colossus, qui était sorti en 2006. En fait, initialement, Titan Souls, c'était même un remake de Shadow of the Colossus. Ouais. Voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'ils le décrivent. Et ouais, c'est plutôt cool comme concept. Ouais, ça se voit, en fait. Ouais, dans le concept, l'affiliation est évidente. Donc Titan Souls il sort le 14 avril 2015 après 2 ans de développement, donc quand même pas tant que ça non plus. Et moi je l'avais beaucoup attendu, j'y ai joué à sa sortie. Ouais. Attends, je parle de la réception après. Ouais, la réception était relativement. En fait, il est globalement quand même assez bien reçu par la critique comme par les joueurs, mais en fait, t'as quelques avis qui sont excellents et d'autres qui sont plus mitigés. C'était très polarisé, c'était pas moyen, enfin tu vois, genre c'était pas tout le monde est d'accord pour dire que c'est moyen. Il y avait plein de gens qui adoraient le jeu et plein de gens qui vraiment mouif bof quoi. Et toi, oui, voilà, plutôt de cet avis là. En fait, le truc c'est que, alors moi, c'est un jeu que je garde toujours en mémoire, même ça fait bientôt 10 ans, bordel de merde, c'est un jeu que je garde toujours bien en mémoire parce que c'est un concept fou. Mais la réalisation du concept n'est pas toujours à la hauteur de l'idée, ouais. Dans le sens où c'est un jeu qui parfois est pas aussi précis qu'il devrait l'être. C'est un jeu qui peut être aussi extrêmement frustrant sur pas mal d'aspects. Étant donné que en fait, t'as qu'une seule chance quoi. C'est ça. Et étant donné que t'as qu'une seule chance, ça peut aller très vite dans ton sens. Et il y a des boss qui sont beaucoup mieux designés que d'autres. Mmh. Et le truc aussi, c'est que en fait, tu renais toujours à un point précis du jeu. Et parfois, du coup, tu mets 30 secondes à aller jusqu'à un boss pour que, en un coup, genre sur son premier pattern, il te défonce et du coup, tu remets du temps pour y aller. Et il y a le temps que tu meurs, etc. Donc, en fait, en termes de rythme, pour peu que tu ne te démerdes pas bien, je dis ça entre gros guillemets, évidemment, le jeu peut être extrêmement punitif et donc assez rageant. Je pense que tu as bien résumé, effectivement, pourquoi c'était polarisant. Je pense qu'il y en a bien, il y a des gens qui ont beaucoup aimé cette expérience très... qui était une vraie proposition forte, et d'autres, il y a beaucoup de gens qui ont été très frustrés. Et du coup, malgré tout, c'est un jeu que je garde énormément en tête, qui a une fin assez marquante et des boss aussi assez marquants. Okay. Et on en reparlera, il y a pas mal de choses de Titan Souls qui sont encore dans ce jeu-là. Effectivement, l'occasion d'en reparler. Et du coup, j'ai trouvé aucune info sur les ventes du jeu à l'époque, mais bon, on suppose qu'il a quand même assez bien marché parce qu'il a financé la suite du studio. Je crois qu'il a surtout beaucoup marché en bundle, puisque justement, je me souviens qu'en fait, ils avaient dit qu'ils étaient assez déçus des ventes de ce jeu-là. Non, parce que dans une interview de 2021, il a toutefois dit que le jeu... Ah ouais, mais 2021, c'est longtemps après quand même. Ouais. Il dit que le jeu, il a été joué par 1 million de personnes. Alors, il dit pas 1 million de ventes, je sais pas s'il était dans des abonnements, dans des trucs et tout, mais en tout cas... c'est quand même un très beau succès indépendant parce que 6 ans après sa sortie, 1 million de personnes ont joué, c'est quand même beaucoup. Peut-être que c'était moins que ça. En fait, comme je te dis, je pense beaucoup de bundles, puisque là, on était aussi dans la grosse période des bundles. Et surtout, après, il était vraiment à pas cher. Il était à pas cher du tout, donc c'était un jeu que tu pouvais prendre très facilement. Et effectivement, il s'est retrouvé, si je me souviens bien, effectivement, dans des abonnements et autres. Mais je me souviens qu'à l'époque, le jeu, en termes de vente sur les premiers temps, avait été assez décevant, surtout parce que, en fait, il s'attendait
bah, un peu au même succès que la Game Jam, décuplé à la hauteur de Devolver, mais que du coup, bah, ça n'avait pas eu cet impact-là. Okay. En tout cas, critique au moins, je pense, il y a ça aussi. Ouais. Oui, enfin, critique en termes de vente, tout ça, il y avait... Bon, c'était pas non plus désastreux. Non, non, mais dans tous les cas, au final, c'est un succès, quoi. Oui. Et... En tout cas, Marc, ce qui est marrant, c'est qu'il affirme que tout ça, ça aurait jamais été possible, évidemment, sans la participation au Game Jam, parce qu'il dit « Lors des Game Jam, vous pouvez essayer des idées folles en un jour ou deux, et si elles sont mauvaises, vous pouvez les abandonner. Mmh. Vous n'avez rien perdu, vous avez acquis de l'expérience sur certaines choses, mais vous avez acquis de l'expérience sur certaines choses en développement. » Donc je trouve ça intéressant, ce point de vue des Game Jam, parce que nous, c'est un milieu qu'on ne connaît pas trop, au final. Non, mais dont on parle souvent. On en parle souvent, mais... À chaque fois qu'on fait un jeu indé, 90% du temps, c'est « Donc la Loom Doom d'arrêt 2015 !» 90% quand même. Ensuite, on a une deuxième petite partie de développement qui s'appelle du coup de Titan Souls à DevDoor. Comment on passe de l'un à l'autre, évidemment, c'est une question que je me suis posée. Ouais, surtout qu'il y a 6 ans de dev entre les deux. Hein. Bah, il y a 6 ans d'attente. C'est ça, et totalement. Ouais. Donc si vous avez liké la vidéo, vous aurez droit à la réponse. après Titan Souls, David et Marc, en fait, ils bossent sur un petit jeu indé d'abord sorti sur iOS qui s'appelle Telepaint, histoire de faire une pause et un projet avec moins de pression. Voilà, ils voulaient décompresser un petit peu, quoi. Donc c'est un projet qui est totalement inconnu, franchement, même... Jamais entendu parler. Je suis tombé dessus après avoir fait plusieurs jours de recherche sur le studio, notamment il cachait le truc. Ah oui. Et ils font aussi quelques projets dans leur coin, par exemple, David, lui, il fait... donc il est aussi compositeur, on en reparlera, mais il fait l'OST du jeu Moonlighter, sorti, qui est un jeu indé sorti en 2018. Ouais, ça oui. Donc voilà, ils font un peu des projets de leur côté, donc c'est pour ça, tu vois, ils font pas DevDoor tout de suite. Une fois leur pause terminée, ils sont prêts, ils se réunissent à nouveau pour la suite du studio. Et après le succès de Titan Souls, ils veulent vraiment passer à la vitesse supérieure. Ils veulent prendre Titan Souls et ils veulent aller plus loin. Marc, il dit « Nous voulions prendre une idée plus traditionnelle, comme la formule Zelda, et en faire quelque chose de personnel. C'était l'essentiel de ce que nous voulions faire lorsque nous avons commencé le jeu. Nous voulions prendre l'ADN de Titan Souls et en faire un vrai jeu, entre guillemets. » Alors je trouve que c'est un peu rude comme expression. Ils disent eux-mêmes qu'ils veulent faire un vrai jeu. Oui, oui. Et en fait, je pense que par là, c'est on veut pas faire une succession de boss. On veut faire un truc avec du lion au milieu. Il s'explique. Il dit « Titan Souls était une expérience très épurée, limitée par beaucoup de contraintes que nous nous étions imposées. Ça nous a forcé à être créatifs dans notre approche de la conception de jeu, mais cela nous a aussi beaucoup appris en général. DevDoor vise à prendre ce que nous avons appris et à l'appliquer à un jeu plus grand et plus profond avec moins de limitations. Mmh. » Voilà. Donc tout simplement, forcément, vu que c'était un jeu à concept, là, ils veulent vraiment faire... Bah, ça se voit, de toute façon, DevDoor, c'est... Oui, et puis en fait, quand ils jouent, et si t'as joué à Titanfall... Enfin, à Titan Souls, pardon, pas tout à fait le même jeu, tu vois clairement que les inspirations de l'un abondent et permettent clairement la création de DevDoor. Donc ils font plusieurs prototypes avant de trouver la bonne formule. Il y en avait un par exemple qui était à la troisième personne, il y en avait deux qui étaient des top-down, qui étaient au niveau top-down, donc voilà. Ils testent des choses et en fait ils disposent de pas mal de temps pour expérimenter parce qu'ils n'ont pas spécialement de pression. Et ça leur permet aussi du coup de passer du pixel art, parce qu'on l'a pas dit, mais Titan Souls, c'est un jeu qui est un pixel art, à la full 3D. Et ils aboutissent finalement à une première version de DevDoor qui n'a pas du tout de corbeau encore et qui est très axée sur les boss. Et par contre, dès le début du développement, il y a une porte qui vous emmène à un endroit différent à chaque utilisation. Donc il y a vraiment le concept de porte qui est déjà là. Et l'idée vient du château ambulant de Miyazaki, qui est sorti en 2004. J'allais dire 2005, dommage. J'allais dire 2005, justement. Bon, voilà, c'est pas loin. Du coup, peut-être qu'il est sorti en 2005 chez nous, je sais pas. Peut-être, disons. Allez hop. Et du coup, après un certain temps, ils arrivent à un prototype de combat assez simple qui les rend heureux et auquel ils ajoutent un corbeau un peu grossier. Et voilà, la porte est vraiment venue en premier et les corbeaux et le reste, c'est venu après, quoi. À ce moment-là, c'est qu'une ébauche, mais ils sont dessus depuis assez longtemps et ils se disent qu'en fait, ils doivent vraiment qu'ils la présentent à Devolver parce que sinon, l'éditeur, ils vont les oublier, quoi. Mmh. Ils vont les oublier. Et en fait, pas du tout, parce qu'ils contactent Devolver. En fait, Devolver, ils attendaient avec impatience de voir ce qu'ils allaient faire après, quoi. Genre, ils étaient là, ah, trop cool. Et tout. Bah, remarque, on le voit souvent avec les développeurs qui sont passés par Devolver, ils ont tendance à y retourner. Bah, ouais, c'est-à-dire que j'ai l'impression. En tout cas, quand ils ont fait un succès, quoi. Voilà, oui, oui, forcément, mais si tu veux, j'ai l'impression qu'il y a quand même un assez gros contrat de confiance entre les développeurs et Devolver. Quand ça matche plutôt bien, forcément. Oui, oui, totalement. Je pense qu'en tout cas, quand tu as fait un jeu qui a déjà été un succès, qui a déjà été un concept, qui a bien participé à la marque Devolver, en tout cas, ils te re-signent pas forcément automatiquement, mais en tout cas, ils te proposent... voilà, ça peut éventuellement être le cas, quoi. Marc, il dit « Je pense qu'ils ont dit « Enfin, bon sang, nous attendions que vous nous proposiez quelque chose. Allez, voyons ce que vous avez, quoi. » Et David, il rajoute
avant de leur envoyer le pitch, on était vraiment nerveux. On se disait, oh là là, et si Devolver, ils étaient passés à autre chose? Parce que nous, ça fait quelques années, et peut-être que maintenant, ils sont complets, quoi, ils n'ont plus de place pour nous. Et puis, on leur a envoyé le pitch, et on y a vraiment mis beaucoup d'efforts dans ce pitch, donc on peut vous afficher la vidéo du pitch, parce que vous verrez que c'est quand même vraiment, effectivement, il y a beaucoup d'efforts dans cette vidéo de pitch, ça se voit. Et c'est déjà hyper polish, hein, on était super surpris. C'est déjà très très polish. Et il y a Nigel Lowry de Devolver qui leur répond juste en leur envoyant un gif d'un mec qui croule sous l'argent. Et du coup, il fait, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire qu'ils aiment ça? Ça veut dire que... qu'est-ce que ça signifie? Moi, je suis trop riche pour toi. T'imagines, t'envoies la vidéo de proto, t'es hyper stressé, le mec, il t'envoie un gif. C'est le gif de Homer Simpson qui rentre dans le buisson. donc voilà. Ah! Oui, le A de Denis Brogniart. Merci. Donc, pour Death Door, l'équipe, elle change un petit peu. Déjà, il faut dire que le duo, il est très très polyvalent, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur le jeu, Marc, il est programmeur, designer, écrivain et animateur. Ça va. Tandis que David, il est producteur, designer, compositeur. Designer. Donc, en gros, ils font tout quasiment à eux deux. Le seul truc qu'ils font pas eux-mêmes, c'est la partie artistique. Ok. C'est quand même vraiment balèze. Hein. C'est archi balèze, quoi. Et on avait dit, c'est Andrew Gleason qui a fait la partie artistique de Titan Souls, mais lui, il est plus de la partie, probablement parce que sa spécialité, c'était le pixel art, même si c'est pas dit. Et pour Death's Door, il y a trois artistes qui travaillent dans l'équipe, deux concept artistes et un modélisateur 3D. Okay. Donc ça reste une toute petite équipe, quoi. C'est les deux personnes principaux plus trois artistes, quoi. Le jeu, il sort donc le 21 juillet 2021 sur PC et Xbox, et il rejoindra les consoles PlayStation et Switch que 4 mois plus tard, le 23 novembre. Et donc c'est une exclue Xbox à sa sortie. Et d'ailleurs, il est toujours sur le Game Pass aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que c'est un des jeux qui n'a pas quitté le Game Pass. Si, si, mais il n'y était pas à la sortie. Oui, non, mais je veux dire, il était, tu vois, sur Xbox au départ, et puis maintenant, Game Pass, et il est toujours, ça n'a pas bougé. En fait, c'est ce que je dis, il n'était pas dans le Game Pass à la sortie, il le rejoint en janvier 2022, donc pas très longtemps après, quand même, mais genre 6 mois plus tard. Et a priori, tout ça, par contre, c'était géré directement par Devolver. Oui, oui, ça. Mais Marc, il déclare que ça a été de plan dès le début, ça a toujours été d'en faire une exclusivité Xbox, en tout cas. D'accord. Je pense qu'ils ont eu probablement un peu de financement de la part de Microsoft. L'accueil commercial du jeu a de très très loin dépassé leurs attentes, parce qu'il y a eu 100 000 ventes au cours de la première semaine. En fait, comme tu dis, il y avait une grosse attente, on l'a dit plus tôt, hein, mais clairement, les trailers et tout vendaient un jeu qui semblait loin, enfin qui faisait de Titan Souls limite un prototype pour ce jeu-là. Et les gens étaient moi, en mode. Je savais même pas que c'était les mêmes développeurs. Je l'ai appris vachement plus tard. Oui, qui savaient pas forcément, mais disons que dans la presse spécialisée, tu vois, il y avait des gens. C'est pas du tout. Qui étaient en mode. Un autre niveau, quoi. C'est comme il disait, ils voulaient vraiment amener le truc à un autre niveau. David, il dit rien n'aurait pu mieux se passer. C'est comme si nos attentes les plus folles avaient été satisfaites. Et Marc, il dit, il semble que les gens soient prêts à acheter un jeu en 2021, ce qui est une bonne surprise. Un peu plus cynique, mais... La bonne surprise aussi, c'est que l'accueil critique, il n'est pas en reste. Ah non, il est très bon. Il y a 85 sur Metacritic et quasiment que des super notes. Le succès, il est vraiment retentissant. Je crois que la pire note, c'était genre un 6, tu vois. Ils nous disent que... je suis même pas sûr que c'était 6, mais peut-être. Ils nous disent que Titan Souls a beaucoup plus divisé, plein de gens l'ont adoré et plein de gens l'ont détesté. Death Door a touché beaucoup plus de gens beaucoup plus vite et était beaucoup plus apprécié universellement. Les retours n'ont été quasiment que positifs. Et quant à la suite du studio, alors à l'époque en 2021, ils se donnaient le temps pour y réfléchir. David, il disait, en termes de notre parcours en tant qu'entreprise, c'est un succès énorme et écrasant. C'est définitivement le jeu le plus réussi que nous ayons jamais fait. Donc à ce stade, on est juste épuisé par le lancement et tout le soutien post-lancement, etc. Et Marc, il disait, maintenant que tout est terminé, il s'agit simplement de réfléchir à ce que nous voulons faire ensuite et d'essayer. Peut-être que je ferai une sorte de post-mortem sur le jeu, parce que je ne suis pas vraiment sûr de ce que je dois en retirer encore aujourd'hui. Cela a juste été une expérience vraiment positive pour nous, et c'était étrange de travailler sur quelque chose que personne ne connaît pendant 3 ou 4 ans, puis soudainement, boum, c'est là, et puis les gens, ils peuvent y jouer, ils l'apprécient. C'est super gratifiant pour nous. Donc voilà, tout ça, c'était aux alentours de la sortie, donc maintenant ça fait... C'est vrai que Titan Souls, ils l'ont fait rapidement au final. Ouais. Oui, oui. Contrairement à en 2 ans. Ouais, 2 ans pour Titan Souls, et là, 3-4 ans, quoi, tu vois, finalement. Donc, c'est quand même... C'est
assez costaud, mais c'est pas non plus. Bah, c'est surtout qu'en fait, entre ces deux jeux, on voit énormément l'évolution du studio. En termes de polish, en termes de finition du jeu, d'ambition et en termes alors ah bah, ouais d'ambition, même si à son échelle Titan Souls est ambitieux, mais c'est juste que en termes de réception critique aussi, tu passes d'un jeu où c'est mitigé à d'un seul coup tout le monde est en mode putain mec, ça tue ce que t'as fait. Et bah, du coup on va pouvoir expliquer pourquoi on est arrivé, d'où comment on arrive à cette différence là, parce que bah, et on va commencer en parlant du jeu dans la première partie que j'ai intitulé scénario et ambiance. Voilà, parce qu'en fait, on vous a beaucoup parlé de la jeunesse du projet, mais un truc qu'on n'a pas du tout encore signalé, c'est l'importance de l'histoire et de l'univers dans Death's Door. Ce qui était beaucoup plus une évocation dans Titan Souls, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était raconté, mais la fin était vraiment cryptique pour pas grand-chose. C'était aussi un des trucs qui faisait que la fin secrète de Titan Souls était un peu décevante. Si tu terminais le jeu, t'étais qu'est-ce que ça raconte, et on verra que potentiellement... Ça, c'est la vraie inspiration Dark Souls. Voilà. Mais et en fait, le truc, c'est que... un peu ici pareil, mais voilà. Ne saute pas trop d'étapes s'il te plaît. Non, mais du coup ça fait que tu faisais tout ça et t'arrivais à la fin et tu faisais et pas compris. C'est même un jeu où t'es presque étonné qu'il y ait du scénario ou Titan Souls en vrai, pour être honnête. Donc avant qu'on parte sur scénario, vite fait, juste parce que t'as dit que c'était une exclusivité Xbox, pressant qu'on est juste sur PS5 actuellement. Enfin, j'ai parlé de PS Plus tout à l'heure, mais c'est peut-être que l'exclu n'est pas resté. Oui, mais je l'ai dit plusieurs fois, il était sorti 4 ans après, t'inquiète. Maintenant il est disponible sur toutes les consoles. Donc scénaristiquement parlant aussi, l'équipe a souhaité vraiment aller beaucoup plus loin qu'avec Titan Souls. L'histoire et le script, ils ont principalement été écrits par Mark et ils ont été édités par Graham Goring, qui est un narrative designer anglais freelance, un ancien de TT Games. Telltale, voilà. Donc du coup. Non, TT Games, c'est ce qui sont les jeux Lego. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est Traveler's Tales à la base. Ouais. Ah oui, c'est ça, ok, très. Et donc lui, il s'assurait que le tout avait du sens et que ça sonnait correctement, corriger éventuellement des incohérences entre histoire et des personnages. Je pense que vu qu'ils avaient un peu la tête dans le guidon, ils étaient contents d'avoir une relecture. Au début du projet, Graham il les a également aidés à construire un peu la base narrative du jeu. Donc on a quand même un petit corbeau, donc voilà, on peut le voir. Qui n'a pas de nom. C'est un faucheur. C'est un faucheur, il travaille comme... En fait, c'est un faucheur, c'est son travail. C'est un peu comme si tu t'appelais le dev test. Programmeur. Donc c'est un faucheur, et donc en fait le rôle de faucheur, on est un peu fatigué, c'est de collecter des âmes pour le siège de la commission des faucheurs, qui est une sorte d'administration de l'au-delà, en gros, tout simplement. Faucheur, quoi, comme la mort, quoi. Oui. Ça, c'est ça. Faucheuse. Oui, bah, totalement. De toute façon, le siège dans l'au-delà, donc c'est... la mort, quoi. Hein, totalement, la mort, on verra, est un thème, ben, on va le voir tout de suite d'ailleurs. C'est le titre du jeu, quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai, qui veut dire la porte de la mort, quand même. Donc, pourquoi un corbeau? Ben, en fait, la mort, ça a toujours été une thématique du jeu, mais les premiers prototypes, comme je l'ai dit, ils avaient un personnage plus humain, et ils trouvaient qu'il manquait vraiment quelque chose sur le jeu. Du coup, c'est que quand Marc s'est pointé avec l'idée du corbeau, que ça a vraiment transformé le jeu. Ça a permis d'aller beaucoup plus loin dans les thématiques. Marc, il dit, les corbeaux sont une représentation parfaite pour ce jeu. Ils sont mignons, mais avec un côté sombre et souvent associé à la mort. Ça peut paraître évident. C'est un mauvais présage, un peu dans l'idée. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est un peu genre les sorcières. Ah, c'est vrai que d'habitude, ils sont pas trop mignons les corbeaux, mais là, dans ce jeu, ils sont mignons. Ça dépend des corbeaux. Hein. Ouais, non, bien sûr, mais les faucheurs, franchement, la commission des faucheurs. Dans Brisby et le secret de Nîmes, le corbeau, oui. Très mignon. Quoi. Ouais. Donc, concrètement, le faucheur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller achever des âmes dont l'heure, elle est arrivée, mais qui refusent de laisser la mort les prendre. Et ensuite, ils doivent récupérer leur âme et voilà. Et leurs âmes deviennent corrompues aussi. Pas tout de suite, mais ça peut. Oui, mais ça le devient. Au bout d'un certain temps. L'âme grandit et en fait, voilà, ça. En gros, l'idée, c'est l'idée assez classique dans la littérature de quand ton temps est venu, il faut te laisser partir. Et en fait, il y en a qui refusent. Et donc, en fait, c'est là que les faucheurs rentrent en scène pour aller faucher ces âmes-là. Donc, le jeu, il commence alors qu'on doit aller, on l'a vu, alors qu'on doit récupérer une âme imposante. Mais après avoir achevé son propriétaire. Tu es mort. Mais après avoir achevé son propriétaire, son âme nous est volée par un mystérieux personnage, le vieux corbeau. Le problème, c'est que celui-ci a envoyé l'âme de l'autre côté de la porte de la mort, donc la fameuse Death's Door. Qu'on verra juste après avoir battu le boss. Bientôt. Donc ce qu'il voulait faire, lui, parce qu'on peut dire, c'est chelou, mais... Ce qu'il voulait faire, lui, c'était forcer la porte pour aller voir derrière. Voilà. Parce qu'en fait, a priori, si tu utilises une âme, enfin sa théorie, c'est que si tu utilises une âme très forte, tu vas pouvoir forcer la porte de la mort. Alors pourquoi il veut faire ça exactement, on ne sait pas trop, là on comprend pas trop, c'est un peu mystérieux. Mais on comprend bien sa motivation. Bon, le problème c'est que ça n'a pas marché.
Il dit à notre petit corbeau qu'il va lui falloir 3 âmes bien plus puissantes pour forcer la porte. Heureusement, il connaît 3 personnes. dont tout indiqué. Tout indiqué pour ce truc-là. Mais alors, on peut se demander pourquoi on irait l'aider. Enfin, le mec, il vient de nous mettre dans la panade. Il nous a volé notre âme et en plus on irait faire le larbin pour lui. Ah, c'est pas trop chaud en fait. Et bah voilà. Si on veut récupérer notre âme, il faut bien ouvrir la porte. Pourquoi c'est important de récupérer notre âme? C'est parce qu'en fait, les corbeaux de la commission des faucheurs, ils sont immortels. Sauf quand ils chassent une âme. Et en fait, tant que la porte est ouverte, ils vieillissent et ils sont mortels. Elle n'est pas ouverte la porte. Mais c'est que tant que. Je pense que c'est un bon truc du droit du travail des faucheurs. C'est tant qu'ils sont en mission et qu'ils n'ont pas récupéré leur âme, effectivement, ils vieillissent. Le temps s'écoule vraiment pour eux, ce qui les encourage forcément à être très efficaces pour vieillir le moins possible. Et avec son âme qui est de l'autre côté d'une porte qu'il ne peut pas ouvrir, il est condamné à devenir mortel, quoi. C'est simplement. Ça. Lui qui se faisait l'idée d'être immortel, on imagine, puisqu'il dit rien. Cela dit, de la façon dont on nous parle au début, j'ai l'impression que tout le monde nous prend un peu pour genre le gros noob, tu vois, c'est genre méga débutant en mode service, quoi. Bon, t'as l'air un peu nul, écoute, on t'a filé une âme facile, là, va là-bas, et toi, t'as l'air un peu pâteau dans ton truc. Même s'il ne parle pas, il y a quand même des animations, des expressions, on va dire, visage. Enfin, si tant est, l'animation de corporelle, quoi, qui font que tu arrives quand même à lire ce qu'il pense à peu près. Et ça, je trouve, c'est d'ailleurs un assez bel aspect du jeu. Ouais, totalement. Et effectivement, du coup, ça n'empêche pas du tout. Il y a des dialogues dans le jeu, effectivement, avec les différents personnages, mais c'est les personnages qui vont te parler. Et un peu comme dans Zelda, en fait, au final. C'est pareil. Dans Zelda, enfin, Link, il parle jamais, quoi. Enfin, dans les vieux Zelda, en tout cas, qui sont des références de cela, les suivants après, je sais pas, mais les premiers Zelda, en tout cas, Link ne parle jamais. Par contre, on lui parle, quoi. Donc c'est un peu dans le même style. Un dialogue à sens unique. C'est ça. C'est ça. Du coup, à partir de là, le jeu va nous emmener d'histoire en histoire à la recherche de ces personnages qui refusent la mort. Donc, par exemple, le premier, on le verra dans le test, c'est une sorcière. C'est une sorcière qui, dit-on, s'arrangerait elle-même avec le maître des portes pour tromper la mort. Le maître des portes, en gros, c'est notre boss, c'est celui qui fait bosser tous les faucheurs et qui contrôle les différentes portes qui font le lien entre la commission et le reste du monde. Voilà, c'est comme ça qu'ils se déplacent, en gros, les faucheurs. C'est le CEO, quoi. Ouais, c'est voilà, le PDG, c'est la grosse entreprise. Mais bon, son nom LinkedIn, c'est Maître des Portes, donc c'est quand même plus stylé comme nom. PDG de la mort, je trouve ça plus stylé. C'est ça, et donc a priori, voilà, la sorcière, elle a des sombres bails avec ce mec-là. Enfin bon, c'est une petite histoire de corruption, rien de bien... Rien de bien méchant. Rien de bien méchant. Et voilà, et donc on va aller lui rendre visite. Et donc, il y a 3 âmes, on sait dès le début. Donc en fait, il va y avoir un peu 3 arcs narratifs dans DevDor. En plus de l'arc narratif global. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Chaque donjon, en gros, a sa propre histoire. Ouais, chaque donjon a sa propre histoire, ses propres personnages, et va raconter ses propres trucs. On rencontrera aussi de nombreux personnages qui sont tour à tour drôles, touchants et mémorables. Franchement, les personnages du jeu, globalement, je trouve que c'est vraiment une réussite. En général, on trouve 1 ou 2 personnages par monde qu'on visite, qui resteront un peu cantonnés à ce monde, d'ailleurs. On peut en retrouver certains un petit peu si on se balade, mais voilà, c'est vraiment une histoire par monde, en plus de l'arc narratif global, c'est comme ça. Tu disais. Je pense que vous avez pour les personnages secondaires, en fait, j'arrive pas à me souvenir de tous les personnages secondaires, dit comme ça, tu vois. Moi, je me souviens surtout du personnage secondaire du monde de la sorcière. Ouais. Voilà, parce qu'avec le chaudron. Celui qui a une... Un chaudron sur la tête. Oui, ah oui, oui. Une tête de chaudron, c'est pas un chaudron sur la tête, c'est une tête. Un chaudron à la place d'une tête. Moi, j'ai surtout retenu. Mais il n'est pas lié spécialement à un donjon au chef cuisinier, là. Il y a le chef cuisinier, il y a aussi les autres corbeaux de la commission, en fait, avec qui tu peux discuter souvent. Avec leur personnalité. Qui ont tous leur personnalité propre et du coup qui vont évoluer au fur et à mesure de l'histoire. Ça, c'est super sympa, quoi. Même si les dialogues restent très simples, du coup, c'est assez cool. Donc voilà. Et voilà pour les personnages, je sais pas si vous avez autre chose à rajouter. Pas spécialement, puisque c'est pas un jeu qui est porté par ses personnages, jeu qui est beaucoup plus porté par son univers. Oui, mais du coup, ils font partie de l'univers. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai pas beaucoup plus à dire. Ils sont cool, et c'est même assez sympathique de leur reparler pour avoir des nouveaux dialogues en plus, etc. Parfois, j'aurais aimé que ça aille un tout petit peu plus loin pour certains. Tu as envie de retourner en parler, que ça évolue, mais que ça bouge plus. Oui, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a des... En fait, généralement, en fait, à chaque fois qu'il y a un événement majeur, par exemple, t'as battu un boss,
Là, les dialogues, ils vont changer. Mais en fait, ils changent pas au sein d'un même monde si ils retournent, par exemple. Pour moi, c'est ce... peut-être un peu l'acte manqué, c'est le gros corbeau qui te file tes upgrades. Ouais. Comme lui, ça a l'air d'être un peu le chef manager de la commission. Lui, tu vois. Parle pas, c'est vrai que... J'aurais bien aimé que lui, justement, ça aille un petit peu plus loin. De toute façon, on verra que c'est un truc assez récurrent dans Death Door, c'est que... il fait tout très bien, et, ou presque, on verra, mais avec un gros niveau de polish. Et il n'y a pas trop, en tout cas, ça c'est sûr. Et donc peut-être des fois, on aura pour avoir le sentiment peut-être de ne pas avoir assez, au contraire, on n'est jamais content. Ça. Et, ah bah, mais, nous, jamais. Jamais. Mais voilà, donc l'idée c'est pareil, les personnages, en fait, il n'y en a pas tant que ça, mais ils sont tous vraiment bien, et effectivement, clairement, ils auraient pu sûrement en avoir un peu plus, mais ils ont choisi, là encore, l'efficacité. Mm. Chaque truc fonctionne, quoi. Il n'y a pas de trop, comme souvent dans les jeux de nos jours, il y a plein de personnages qui ne servent à rien. Oui, mais ça va de pair avec des jeux qui sont trop longs aussi. Voilà, tu vois. Mais là, tu vois, par exemple, le corbeau. Ouais. C'est le genre de la mort. Hein, ouais. Le corbeau en question, là, lui, j'aurais bien aimé que ça aille un tout petit peu plus loin. Ouais. Hein, ah, le corbeau gris, je n'ai pas vu le corbeau. Ouais. Son histoire est cool, ouais. Son climax d'histoire est cool, mais j'aurais bien aimé que ça aille un peu plus loin. Tu as expliqué que tant que tu chasses, tu es mortel, et d'ailleurs, c'est pour ça que lui, il veut ouvrir la porte. Ouais. Parce que du coup. Il est mortel actuellement, parce qu'il a perdu une âme là-dedans. Oui, c'est ça aussi. Et du coup, il est vieux. Voilà, ouais. Exactement. Et du coup, bah, il veut pas mourir. C'est un peu ça le thème du jeu. Quoi. Oui, de toute façon, voilà, comme vous l'avez remarqué, effectivement, la question de la mort est un peu importante. Je vais en reparler un petit peu après. Donc, pour les personnages, un fait amusant, c'est qu'une grande partie du projet, elle est issue de dessins et de gribouillis que Marc il avait fait. Et attends, juste pour terminer sur le personnage, juste pour dire l'humour du jeu, je passe en parle. Si, j'en parle après. Parce que ça va un peu avec le personnage, mais. J'en parle juste après. Effectivement. Du coup, il avait fait des gribouillis et tout, et pour les personnages comme le reste, et du coup, il s'est juste référé à des nombreux concepts qu'il avait fait lui-même par le passé, inspirés par d'autres jeux auxquels il avait joué ou des idées qu'il avait eues comme ça. Et parmi ces personnages, effectivement, il y a Pothead en anglais, alors, je sais pas c'est quoi son nom en français, le type éminemment sympathique qui possède un pot à la place de la tête. Et donc, il raconte un peu la jeunesse de ce personnage. Il dit Marc, Pothead provient des. Gribouillis que j'ai mentionné plus tôt. J'ai regardé dans ce livre et il y avait un personnage à tête de peau. Il y avait juste écrit tête de peau en dessous. Avant même que nous ayons un protagoniste corbeau, je savais donc qu'il y aurait un personnage appelé tête de peau, ce qui est vraiment bizarre. En fait, cela a été repris dans le jeu principal, car nous avons eu l'idée idiote d'avoir une zone sur le thème des peaux, inspirant la sorcière des urnes. C'est un exemple de la façon dont ce genre de choses se développe organiquement à partir d'une seule idée. Nous pouvons extrapoler tout le monde à partir de cette idée. Et je trouve ça hyper intéressant quand il dit ça, parce qu'en fait, c'est vrai que tu te rends compte que l'univers de Death Door, il est quand même des fois un peu classique, des fois très atypique, et la zone du manoir des urnes, c'est sûrement un préféré du jeu, parce qu'elle est vraiment très perchée, mais super originale, et vraiment hyper bien foutue. Ouais. Et donc en fait, c'est comme ça, quoi. En fait, ils ont réussi à créer un univers où tu peux avoir un truc un peu perché comme ça, et ça passe. Bah, en fait, il y a deux jours dans un test, on parlait de l'humour british, et ben je le retrouve beaucoup plus... ici, tu vois, de cet humour british, du décalage, en fait. Tu vois, du on en parle après, encore une fois. Voilà, mais non, du truc qui, d'un seul coup, fait « Ah !» Tu vois, ouais. qui sort de l'ordinaire. Ah bah oui, toi, mais clairement, c'est vrai que ce personnage-là, c'est aussi humoristique, en fait. Ouais, les univers qui sont très tranchés aussi dans le jeu font aussi partie de ce côté décalage. Tout fait sens dans l'univers, même si tout est très différent. Totalement. Bah, c'est le côté compartimenté permet ça aussi. Oui, vu que chaque porte mène à un monde différent. C'est ça. Mais le monde, il est quand même relié de manière organique. Oui. C'est-à-dire que... dans la zone centrale. On est dans la zone centrale, mais en fait, tu peux rejoindre toutes les autres zones depuis cette zone-là. Mm. C'est ce qui est assez cool aussi. Donc les personnages participent fortement à l'appréciation de l'univers et à l'ambiance du jeu. Et l'ambiance, parlons-en, parce que le jeu est très fort en narration environnementale et raconte beaucoup de choses via ses niveaux, ses directions artistiques, ou encore sa musique exceptionnelle, on aura l'occasion d'y revenir. Et le jeu il se dévoilera petit à petit, nous donnant des indices sur des choses pas très nettes qui se passent dans cet univers. Alors on comprend quand même la commission des faucheurs, il y a des trucs louches, je sais pas, comme je disais, il y avait l'histoire un peu de corruption avec la sorcière, tu sais pas trop. Donc en fait, petit à petit, il va te mettre des petits indices comme ça, et tu vas un peu en apprendre plus, et tout au long du jeu, jusqu'à ce qu'il y ait une intrigue qui va aller jusqu'au bout. Hein. Et sans être le meilleur scénario auquel vous aurez jamais joué, moi je trouve que l'histoire de Death's Door, elle est quand même vraiment prenante. On a vraiment envie de voir le bout et de savoir ce qu'il en sera. Je sais pas ce que vous en avez pensé. C'est pas ce qui m'a drivé le plus, je vais pas te mentir. Ouais. C'était assez classique, je m'attendais un petit peu à tout ce que le jeu avait à proposer à ce niveau-là, donc c'était sur des rails. C'était jamais désagréable.
Mais c'était jamais non plus surprenant au point où j'ai eu un moment de... Ah. J'ai pas dit que c'était surprenant, j'ai, j'ai dit que t'es vraiment quand même porté plutôt... Moi je dis plutôt que t'es porté par le truc et j'avais quand même... Enfin, c'est pas non plus ce qui m'a le plus porté, mais j'étais bien dedans et j'avais bien envie de voir vers là où il allait aller, tu vois. J'étais curieux, mais c'était pas ma force motrice principale. Okay. Et toi, moi, bah, j'ai beaucoup aimé l'univers en vrai. Ça va avec le scénario totalement. Et ce qui fait que... bah ouais, ça m'a charmé immédiatement quand j'ai lancé le jeu, parce qu'au final je connaissais pas grand chose du jeu quand j'ai lancé. Et quand tu lances, quand tu arrives dans ce bureau avec tout le monde qui travaille dans un environnement super austère, dans des conditions qui paraissent un peu à l'ancienne, etc. Et il y a un charme désuet tout de suite du bureau de la mort, etc. qui est très très chouette, très très marquant. Et en fait, tout va avec un certain charme, un certain humour dont on parlera. Et donc du coup, t'es plutôt porté par la curiosité de découvrir plus de cet univers tout le temps. Et du coup, c'est un peu, d'ailleurs, quelque chose qui marche aussi chez moi dans les Zelda, c'est que j'ai toujours envie de découvrir le donjon suivant. Mais là, en plus d'un donjon suivant, tu vas découvrir un univers suivant, des personnages suivants. Ouais. Et du coup, ça, c'est vrai qu'en soi, ça a été une motivation de dire, ok, bah, j'ai fini ce monde-là, c'était cool. Ça va être quoi le monde d'après, etc. Ouais. Et comment ça relie tout ça? Je veux dire que la trame, en général, elle est un peu prévisible. Mais elle est cool, elle est plutôt bien faite dans cette prévisibilité. Ouais, puis c'est assez développé. Enfin, t'apprends plein de choses sur l'univers, sur comment c'était fait, avec le maître des portes, comment ça fonctionne. Et tout cet univers, en fait, il fait sens à la fin. Et, mais... et effectivement, le déroulé est classique, mais je pense que c'est bien que ce soit classique. Parce que du coup, en ayant un truc un peu convenu, ça permet vraiment de développer l'univers qui, lui, est assez atypique. Exactement. Parce en fait, ça sert à rien d'aller trop loin dans la trame pour rien. Je dirais que d'autant plus, il fait sens parce qu'il cherche pas à s'expliquer plus que nécessaire. Bah, il n'a pas besoin parce qu'il est clair en fait. Il est pas critique. Oui, non, mais je veux dire, il est clair, mais il est clair si tu veux dans son propre délire. Oui, bien sûr. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas passer d'un monde à l'autre juste en, tu vois, là, t'as traversé vite fait un truc, t'as pris un ascenseur et boum, d'un seul coup, t'es sur autre chose. Et en fait, comme le jeu cherche pas à aller plus loin que ça pour t'expliquer que, en fait, le monde a été créé en deux années, truc, machin, non, là, il dit, c'est comme ça. Et du coup, toi, ta suspension d'incrédulité, c'est bon, c'est comme ça. C'est un monde et puis t'es dedans, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais justement, c'est une des forces du truc de pas vouloir s'expliquer plus que nécessaire et de dire, écoutez, moi, c'est comme ça, acceptez-le, acceptez-le pas, c'est pas. Voilà, Pour revenir sur le scénario un peu plus précisément, je dirais que ce qui m'a manqué quand même, parce que le soir se suffait bien, en plus t'as des petits retournements de situation à certains moments, relativement convisibles certes, avec des éclats qui portent et qui ont leur dose d'émotion. Le jeu, c'est quand même, il arrive à procurer certaines émotions, un peu d'épicness parfois, de la tristesse, de la mélancolie, et ça marche vraiment bien, je trouve que ça m'a beaucoup plu. Par contre, je trouve qu'il manque un dernier acte. Et ça va scénaristiquement aussi, parce que du coup, quand tu termines, c'est la fin, très vite. Ouais. Et il y a un dernier acte, mais il est très... très rapide. C'est pas un vrai niveau, quoi. En fait, le moment... Il y a un moment charnière dans le jeu. Au moment où tu l'atteins, en fait, 20 minutes plus tard, t'es à la fin. Et du coup, c'est effectivement un peu dommage. J'aurais bien aimé un développement de ça, parce que c'est un peu ce que j'attendais, au final, de la conclusion de cet intérêt pour le scénario qui me dévoile plus sur les grandes machinations dans un dernier acte qui, au final, n'arrive pas. Bah, disons qu'on te l'explique, mais l'explication est peut-être un peu trop classique par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Par rapport au reste de l'originalité. Bah, en fait, si tu veux, l'univers est relativement barré, etc. Et en même temps, bah, ce que ça te raconte est très classique. Donc, il manque peut-être ce côté... Omar Mitt. Ok, j'ai oublié qu'il s'appelait comme ça. La traduction française. Oui, donc là, on est face à Pothead dont on parlait tout à l'heure pour ceux qui sont en podcast. Et le mec s'appelle en fait Omar Mitt. La traduction française est incroyable. Ouais, ouais. Ils ont fait un excellent taf pour. Je sais pas quels sont les jeux de mots initiaux, mais franchement, là, ils ont fait un super taf pour faire rire en français. Ouais. Mais donc voilà, je pense qu'il manque un espèce de côté un peu plus pop, décalé à la fin qui aurait. Qui aurait permis de me marquer un petit peu plus justement sur ce scénario parce que ça n'a pas trop été parce que la fin auquel le jeu a un humour etc mais c'est quand même assez sérieux dans son arc final et ce qui s'est centré autour du thème de la mort dont on va parler juste après et en fait c'est vraiment à ce moment-là je ne pas que ce soit décalé personnellement à la fin enfin ça aurait pu l'être mais de manière où tu traites ça quand même sérieusement parce que ça reste oui parce que c'est ce que fait le jeu de toute façon même en général il est drôle il est sérieux oui c'est Oui, il y a un des trucs vers la fin du jeu qui m'a fait beaucoup rire et c'est un moment
qui est marrant parce qu'il est en complet décalage et en même temps le jeu traite ça sérieusement parce que pour lui c'est dans son univers et basta. C'est un des trucs, encore une fois, de l'humour british, de dire bah écoutez c'est comme ça, accepter. Okay. Je sais pas trop ce qu'ils auraient pu faire comme, comme dernier acte, mais je vois l'idée de, qu'on aurait pu vouloir que ça se développe dans un truc. Enfin, j'en parlerai après, mais dès le début le jeu est très clair sur le fait qu'il a une intro, trois chapitres, une conclusion quoi. Et du coup, bah, en tout cas c'est pas une surprise quoi. Bah si toi du coup tu disais que t'étais un peu surpris, que tu pensais que ça allait durer un peu plus longtemps. Oui, parce que même s'il est clair sur le fait qu'il y a trois actes avant d'arriver à la fin. On peut penser que ça va être un peu plus long quand même, je suis d'accord. Bah parce que souvent dans ces jeux-là, justement, on dit qu'il y a trois actes et une fin. Et en fait, à la fin du troisième chapitre, entre guillemets, on dit bah tiens, un truc supplémentaire pour aller à la fin. C'est que c'est tout ce qui permet de débloquer le donjon final dans l'idée, et là il n'y a pas de donjon final quoi. C'était plus ça quoi. C'est la fin. Bah il y a un donjon final, mais c'est juste un boss quoi. En gros. Donc voilà, il y a aussi une fin secrète qui permet d'aller plus loin un peu dans la compréhension de l'univers. Alors oui, mais j'ai déjà oublié. Non, en fait, la fin secrète, au contraire, je la trouve un peu ratée dans le sens où extrêmement cryptique pour pas grand-chose. En fait, mais elle rejoint celle de Titan Souls et elle permet d'expliquer relativement la fin secrète de Titan Souls. Je pense que c'est apprécié a priori par les fans de Titan Souls. A priori, c'est ce que j'ai entendu. Moi, je trouve que c'est un peu accessoire et que ça fait un peu rentrer aux chausse-pieds la façon dont c'est fait. C'est pas un fan de Titan Souls, c'est pour ça. Bah, j'aime bien Titan Souls, au contraire, tu vois, c'est un jeu que j'ai encore envie de voir. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, a priori, moi j'ai eu la même chose que Gag, en gros, c'est que si les gens qui kiffaient vraiment un peu le lore de Titan Souls, ils étaient hyper contents de voir les deux reliés, etc. Tu vois, donc ils trouvaient pas ça aux chausse-pieds. Bon, moi j'ai pas fait Titan Souls, donc ça ne m'a rien évoqué. J'ai rien compris, après c'était pas non plus. C'est un peu cryptique, mais c'était quand même une cinématique sympa, après tu l'oublies quoi, très facilement. Et au terme d'un endgame qui est somme toute assez long, on en parlera. C'est un peu dommage que ce soit juste ça en fait. Ouais. Après, de toute façon, dans ces jeux-là, on va pas se mentir, dans 95% des cas, les fins secrètes c'est décevant, c'est un peu pourri. Donc en vrai, bon, c'est pas Death Door qui change la donne à ce niveau-là. Quoi. Donc voilà, donc Death Door il va quand même plus loin que sa simple histoire et il développe le thème attendu de la mort. C'est un thème qui est vraiment pas facile d'aborder en jeu vidéo comme ailleurs hein, d'ailleurs. Et pourtant ici je trouve qu'il est vraiment abordé de manière très intelligente. Et en fait, pour autant qu'il s'en rappelle, dès le premier prototype il y avait le thème de la mort. C'est vraiment un truc qui était central. Et le jeu il développe ce thème autour de ses personnages parce qu'il y a ceux qui refusent la mort, bien sûr, on en a parlé. Ça va vraiment être un thème central. Et il y a ceux qui ne peuvent pas mourir. Voilà, il y a aussi ceux qui la cherchent sans la trouver du fait de leur immortalité. On a vu par exemple tout à l'heure le Fossoyeur, qui est un personnage qui dit « j'aimerais bien mourir, est-ce que tu peux essayer de me tuer ?» Alors c'est en plus hyper intelligent parce qu'il dit « tiens voilà les différentes façons de me tuer » et c'est un tuto. C'est un tuto de et c'est super intelligent, tu vois, la façon dont c'est fait parce que... Il dit, attends, teste comme ça, teste sous cet angle-là. Et en fait, ça marche pas. Il dit, fais chier, t'auras essayé comme tous les autres, mais bon, ça. Non, parce que du coup, ça m'a rappelé cette attaque-là que j'ai pas utilisé tout le jeu. Enfin, oui, celle-là. Moi qui est pas hyper. Je l'ai pas trop utilisé non plus. Et du coup, en fait, les uns comme les autres, donc ceux qui cherchent la mort et ceux qui la refusent, ils seront tous les deux, enfin, tous mis à nu au cours de l'aventure. Et on va en dévoilant leur motivation, leur raisonnement personnel, etc. Et ça invite forcément notre petit corbeau à réfléchir et nous-mêmes par la même occasion parce que c'est vrai que je trouve que c'est intelligent la manière dont ils traitent le sujet. T'as tous ces personnages qui veulent pas mourir et à côté t'as ceux qui cherchent et en fait personne n'est jamais content. Et en fait je trouve qu'à la limite le corbeau là-dessus il est plus un simulacre, c'est-à-dire qu'il dévoile pas grand-chose en lui-même parce que il parle pas, il a pas forcément énormément d'émotions par rapport à ça. Le corbeau et le joueur quoi. Voilà, c'est le joueur. Par contre je trouve que tu disais il y a les deux thématiques de ceux qui cherchent la mort mais qui n'arrivent pas à mourir et ceux qui ne veulent pas mourir. Je trouve qu'il arrive même à dégager une troisième voie à partir de là avec un personnage notamment. On ne l'aurait pas parce que ce serait un peu dommage de vous gâcher la surprise. Mais où justement il dégage une troisième facette à ce niveau-là. Et sur celle-là, c'est celle qui m'a le plus surpris et le plus touché. Tu peux dévoiler la facette ou le personnage? Non, je ne veux pas dévoiler ni la facette ni le personnage parce que ce serait dommage étant donné que c'est quand même une belle surprise. Je ne sais pas quand tu parles. Voilà, non mais je sais de. Voilà. Je sais, tu sais de quoi tu parles. Je sais de quoi je parle et potentiellement. En tout cas, je n'ai pas non plus. Mais bon, du coup, tant mieux si tu trouves que c'est encore plus poussé que ça. Il y a aussi le thème du devoir qui est assez central également, parce qu'en fait le devoir de notre corbeau c'est d'aller faucher des âmes pour l'éternité, le devoir du maître des portes c'est de faire tourner la commission, le devoir du secrétaire c'est de remplir toute la paperasse administrative. En apparence en fait tout le monde a son devoir quoi, mais envers qui en fait? C'est un jeu très administratif. Et pourquoi? Et en fait c'est des questions qui sont simples en apparence mais qui peuvent aussi entraîner forcément des parallèles avec notre monde réel quoi. Ouais, un côté satirique de la société, en général, de...
le travail qui est qui est aliénant, etc. Et puis soudainement c'est plus si simple quoi, t'es là quand tu te fais ils font ça, mais en fait pourquoi ils font ça? Et tu fais le parallèle avec le monde réel, et en fait tiens on fait tourner les trucs, et des fois tu fais pourquoi mon travail ils ont du sens hein. Quand t'es médecin tu te poses pas la question. En fait le truc c'est que cette question elle arrive pas on te met pas le nez dedans. Non, pas du tout. C'est plus que ça arrive au fur et à mesure de la compréhension de l'histoire, etc. Parce que là fondamentalement la seule raison pour laquelle on va chercher la sorcière c'est parce que notre pote en fait, notre pote qui n'est pas notre pote, tu vois, il nous met un peu le couteau sous la gorge en mode mec t'as besoin de faire ça pour moi parce que sinon t'es dans la merde comme moi. Il peut pas le faire lui-même parce qu'il est trop vieux. Voilà c'est ça, et du coup tu vas avoir toute cette réflexion et cette ironie qui va arriver au fur et à mesure de, c'est un petit peu comme le faisait Shadow of the Colossus où l'ironie de la chose et la dramaturgie qui s'en dégageait arrivait au fur et à mesure de ta compréhension de ton univers, de l'univers autour. C'est pas aussi important que dans Shadow of the Colossus. Bien sûr, mais je dis la façon dont c'est amené dans le scénario. J'aurais pas pensé, mais oui. Donc je trouve que c'est un deuxième thème vraiment intéressant qui est développé un peu en filigrane pendant le jeu, mais tout en étant vraiment central quand même. Et du coup, la mort, c'est un thème pesant, mais pourtant le jeu, il ne l'est jamais. Et ça, c'est dû non seulement à une écriture, c'est dû à une écriture très fine qui mêle la gravité avec un humour justement qui fait souvent mouche, on l'a déjà mentionné, on en a brièvement mentionné, mais le jeu est souvent drôle. Il y a même des moments où il est vraiment très drôle, comme par exemple l'introduction du boss crapaud, mais... Hilarant. Mais... J'ai pris un screenshot juste pour le relire, et vraiment c'est très drôle. Et... Par exemple, il s'en prend un peu même dans sa manière de dire « tu es mort », je trouve. Aussi. Il y a à côté... Ça prend vraiment tout l'écran, c'est et après c'est hyper dramatique, mais c'est tellement surjoué dans la dramaturgie que ça donne un côté drôle. Un côté un peu comique. Oui, parce que c'est tellement too much par rapport à, à la petite mort que t'as eue, quoi. Mm-hmm. C'est, le décalage, il est super fort, quoi. Puis, donc par exemple, il y a ça, mais dans les dialogues, il y a plein de trucs. Enfin, tout à l'heure, un corbeau, il parle, il dit « je crois que... » c'est un peu nul, mais c'est drôle. En fait, c'est drôle parce que c'est en décalage avec ce que ça te raconte à côté. Oui. Et c'est pour ça aussi, je trouve que l'humour marche bien. C'est parce que non seulement ils en font pas des tonnes là-dessus, c'est-à-dire que... C'est grave dans l'univers, en fait. En fait, chaque phrase n'est pas un espèce de placement de punchline pour essayer de faire rigoler. C'est pas un jeu qui essaie de faire rire. C'est juste que s'il y a un personnage à un moment qui veut faire rigoler, il va sortir sa blague. Et basta, en fait. Ouais. Et la blague n'est pas traitée comme étant « Haha, on sait que c'est pas drôle ce qu'on raconte », tu vois. C'est genre, la blague est dite premier degré, et puis c'est une blague. Ils essaient parfois d'être drôles, ils essaient pas d'être drôles, je dirais même. C'est juste qu'ils sont drôles, quoi. Oui, en plus. C'est juste qu'ils disent des trucs qui sont un peu bizarres, et ça donne un résultat qui est comique, et qui marche vraiment, vraiment bien. Pour moi, c'est ce décalage vraiment avec l'univers qui fait que ça fonctionne. C'est ce truc de, comme on disait, on parle de la mort, on parle de tout ça, et en même temps, tout le monde dans cet univers est un peu en mode « Bon, écoute, comme ça, quoi, tu vois. » C'est ça, une sorte de mélancolie, en fait. De résignation, enfin, normal, en fait. De façon, la mélancolie, on en parlera, mais elle se voit aussi à travers les couleurs. Les couleurs du décor, c'est-à-dire que les couleurs sont jamais vraiment chatoyantes, t'as toujours cette espèce de filtre un peu gris, qui est jamais complètement morne, tu vois. Mais en même temps, tu sens que le monde, en tout cas là, c'est pas joyeux. Alors que ça pourrait l'être, t'es dans des jardins, tu pourrais avoir des couleurs automnales magnifiques. Oui, c'est beau, mais mélancolique. Voilà, et c'est accompagné en plus par une musique qui joue sur cette mélancolie-là, complètement. Et du coup, ça fait totalement partie de l'ambiance du jeu, cette mélancolie et ce côté-là, effectivement. Mais avec cet humour qui, effectivement, fait que t'as jamais envie de te tailler les veines quand tu joues à Death Door, même plutôt le contraire, c'est plutôt... T'es plutôt content, ouais, mais bon, il y a des jeux, tu vois, qu'on n'a pas fait, genre par exemple, je pense à The Wreck, tu vois, parce que il a l'air bien, mais vraiment, à moins d'être dans une forme olympique au niveau mental au moment de te lancer dans ce jeu, ça a l'air dur à vivre quand même. Cela dit, on a interviewé le créateur et puis il nous expliquait qu'en fait, c'est pas ça le jeu. Enfin, c'est le jeu, il est très triste de base, mais en fait, c'est un jeu qui te redonne le goût à la vie. En tout cas, que c'est son envie derrière. C'est le but. Okay. Et que ça a aidé beaucoup de gens d'ailleurs, qui étaient en dépression et tout, ça les a beaucoup aidés. Il devrait être l'être qu'il a reçu. Parce que finalement, c'est un jeu positif. Mais du coup, il l'a peut-être pas vendu du coup. Il l'a plutôt vendu comme un jeu où t'as envie de te tailler les veines. Vraiment, c'est ce que j'avais compris. Moi aussi. Donc on peut se demander comment ils ont abordé l'équilibre entre l'humour du jeu avec un sujet aussi sombre que la mort. Et Marc, il dit « Je pense que le sujet de la mort et ses éléments sérieux vont un peu de pair. Comme... ces choses plus légères et comiques. Je ne sais pas si c'est quelque chose de britannique ou quoi,
Mais l'idée de dédramatiser une situation pour essayer d'en atténuer l'impact est une chose classique avec laquelle nous avons tous les deux été élevés et le jeu il joue sur cela tout le temps. C'est un truc assez britannique et tu vois, c'est comme je le disais, le but c'est pas de désamorcer les effets, c'est juste, c'est écrit comme ça. Parce que on en parle souvent, enfin pas nous, mais tu vois, de l'idée que Marvel ils font de l'humour et en même temps ils désamorcent leur propre effet à cause de l'humour. Okay. Et là, c'est pas le but, c'est pas du tout l'idée. Et il dit la juxtaposition des thèmes légers et sombres. Comme avoir tous les ennemis qui essayent de vous tuer, mais ensuite avoir ces petits esprits de la forêt trop mignons qui apparaissent dans le monde et qui courent partout, c'est un bon exemple. C'est vrai. Et il y a également la comédie et tout ça, c'est juste nos personnalités qui transparaissent dans le jeu, nous aimons faire des blagues tout le temps. C'était la principale chose que nous voulions mettre en avant par rapport à des thèmes ouvertement négatifs, car tout le jeu tournant autour de la mort, on pourrait imaginer qu'il prendrait cette voie sombre. Mais avoir cette sorte de contraste rend le jeu beaucoup plus digeste lorsque vous atteignez les moments les plus poignants dans le jeu. Bah oui, c'est clair. Et c'est clairement. Et il passe parfois du deux salles, deux ambiances, tu vois. Genre en termes de légèreté. Mais sans que ça fasse bizarre, tu vois. C'est ça qui est ouf, quoi. C'est pour ça que je trouve que l'écriture est vraiment très bonne parce que il arrive à manier la chèvre et le chou, mais de manière admirable, franchement. Oui, il y a vraiment un moment dans le jeu où ça m'a parlé. Sur le reste du jeu, je trouve que. C'est plus classique, ça marche, mais c'est plus classique. C'est quel moment du jeu ? C'est plutôt vers la fin. C'est un combat de boss. Voilà, c'est un combat de boss vers la fin. C'est un peu blanche. Voilà. Il y a un enchaînement où genre t'as une vanne qui pour moi marche trop trop bien, et juste après en fait le jeu fait « Et maintenant, changement d'ambiance !» Et t'as la musique la plus mélancolique du jeu. J'étais « Waouh, ok !» Et David, lui, sur le sujet, il dit « Je pense que les éléments mignons et positifs vous aide à vous motiver dans le jeu, car nous ne voulons pas que vous soyez lâché dans ce monde et que vous vous disiez « Oh, je dois surmonter cette expérience horrible et monumentale. » J'ai l'impression que le contraste fait ressortir quelque chose, car si tout était sombre, vous ne ressentiriez pas autant les choses sombres. Et ça, je trouve ça intelligent aussi. C'est vrai. Que le contraste, du coup, accentue aussi le côté sombre des choses, des éléments sombres, dans le sens où, en fait, ouais, ça, c'est... C'est sombre. C'est vénère. Donc moi, ma petite conclusion sur l'histoire, au final, c'est que ce mélange des genres, je trouve qu'il fonctionne vraiment extrêmement bien et qu'il donne à Death Door une aura et un mood totalement unique. L'écriture, elle est fine et elle fait souvent mouche. Et elle débouche sur une aventure qui est simple, mais qui est assez profonde et vraiment marquante dans ses grandes lignes, quoi. Oui, tu la retiens en fait. Vraiment, tu retiens au moins l'univers, tu retiens pas tout. C'est pour ça que je dis dans les grandes lignes, en fait. Mais en vrai, c'est vrai que ça se retient. Mais encore une fois, Je suis pas aussi dithyrambique que toi sur l'histoire, je trouve que ça marche. Histoire, univers, tout ça. Ouais, même l'univers. En fait, comme dit, moi, il me manque peut-être effectivement un dernier acte qui m'aurait amené ce truc en plus, qui m'aurait encore plus marqué. C'est bien, mais peut-être un peu plus. Ça suffit à ce que ça veut faire aussi, donc ça fait que... Je veux dire, l'histoire est top pour ce qu'elle veut faire, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être aussi ce truc de... on verra aussi, ça rejoint un peu mon avis. Un peu plus, tu vois. Oui. Un peu plus. Peut-être, mais en tout cas, c'est vrai que, comme tu dis, tu fais bien de le dire, il manque rien, quoi. Peut-être que vous en auriez voulu plus, mais il ne manque rien. C'est pas la même chose. Ah oui, bien sûr. C'est très important à noter, parce qu'il y a des fois où on va dire vraiment, là, il manque un acte, tu vois. Mais là, il manque pas un acte. Tout est très bien. C'est juste que on peut ressentir qu'on veut plus. Ce qui n'est pas la même chose. Et bien justement, on va aborder le game design en commençant par les influences et la structure du jeu. Et pour commencer à parler de la structure du jeu, on va forcément parler des influences. Et inversement. Je me demande quel jeu en Z on va citer. Marc, Marc nous dit les influences évidentes sont Zelda et Hyper Light Drifter. C'est en Z parce que c'est The Legend of Zelda. Je suis français. Et Hyper Light Drifter, puis je dis... C'était moins attendu quand même. Ouais. En même temps, maintenant que tu me le dis, oui. Genre complètement. Spontanément, je vois plus à quoi ça ressemble. Hyper Light Drifter, donc c'était un jeu pareil en vue isométrique, plus un peu en vue du dessus, qui était un jeu beaucoup plus nerveux en termes d'action, et où tu te déplaçais dans un monde complètement fait en pixel art. C'était un jeu qui était aussi énormément fixé sur ses combats, sur ses déplacements. Très cool, moi j'ai toujours voulu le faire, j'avais fait le Kickstarter, surtout qu'il y avait une histoire poignante autour où le réalisateur était atteint d'une maladie au cœur et que c'est pour ça le studio s'appelle Heart Machine, je crois. Le succès de ce jeu-là, ça a été un grand truc pour lui. J'espère qu'on aura l'occasion de tester ce jeu. Sûrement.
tout cas, la phrase n'est pas finie. Il dit « Puis je dirais également la construction du monde à la manière de Ghibli et l'humour britannique. » On y revient. De toute façon, jamais autant parlé d'humour britannique dans un week-end. De toute façon, Ghibli, c'était aussi une des inspirations des Hyper Light Drifter et il s'en cachait même pas, Oui, c'était évident. Et Marc, c'est aussi également un grand fan de Dark Souls, même si David, lui, n'apprécie pas autant la série et tous les deux adorent Zelda. Marc dit « On pourrait dire que Dark Souls est une suite du tout premier Zelda, en fait. » Il reprend cette formule, puis il a fait évoluer jusqu'à nos jours. On pourrait dire que les jeux sont tous liés d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que ça se défend. En termes de structure, le jeu, il se présente un peu comme en Zelda, justement, qui aurait trois donjons dont l'ordre ne peut pas être interchangé. Très important, il faut faire le premier, le deuxième. C'est ça. Moi, c'est un des premiers trucs qui m'a surpris, parce qu'en fait, quand le corbeau il te fait la démonstration au début, il te dit « Eh ben voilà les trois zones vers lesquelles tu vas devoir aller. » Et j'avoue que je m'attendais à pouvoir les faire un peu dans l'ordre que je voulais. Je me suis posé la question et j'étais tellement content que ce soit pas le cas. Alors moi, j'étais en mode « Bon, c'est dommage. » Bah, disons que ça m'aurait pas dérangé plus que ça. Après, il en fait usage dans son level design aussi, donc ce qui est pas plus mal. Mais disons que après la présentation, j'étais limite un peu déçu de pas pouvoir le faire. Bah en fait, à ce moment-là, tu sais pas aussi s'il y a que ça et après une suite, mais vu que tu te rends compte que les donjons ils sont longs, tu te comprends très vite qu'il va y avoir que ça. Oui. Et du coup, vu qu'il y a que ça, heureusement que tu peux pas les faire n'importe quel ordre, sinon l'équilibrage il est impossible. Puis pareil, le level design il serait moins bon. Et en plus, moi j'étais content parce que ça te permet aussi de te laisser porter par une histoire. Dans le sens où par l'univers. Moi j'avais envie vraiment, quand j'ai lancé Death Door, de me laisser porter, tu vois, par l'univers, etc. J'étais vraiment dans ce mood-là. Et vraiment pour ça c'était parfait quoi. Je me laissais porter par le jeu et j'avais pas envie de choisir où aller. Parce qu'en plus vraiment, on va pas se mentir, quand on te dit de choisir où aller, il y a un ordre toujours, tu vois. Enfin, oui, il y a un ordre qui est prévu. Il y a toujours l'ordre qui est prévu. Alors oui, tu peux ne pas faire l'ordre qui est prévu, mais ok, va faire le donjon 5 de Zelda 1 avant de faire le premier. Pourquoi tu fais ça, tu veux dire, enfin, donc c'est plus oui, tu peux. Toujours, mais globalement, il y a quand même un ordre qui est prévu et en fait, un gros pourcentage des joueurs vont de toute façon faire cet ordre qui est prévu là. Oui, dans tous les cas, en plus, de toute façon, c'est l'ordre dans lequel ça t'est présenté. Bah, voilà, et puis, et en plus de ça, c'est l'ordre logique dans le level design. Donc, je pense que quand même 80% des joueurs auraient fait dans l'ordre prévu par le jeu. Enfin, pour ce type de joueur, parce que tu prends un des Metroidvania type Hollow Knight, là, évidemment, tu peux aller à plus d'endroits et encore... Et encore, le jeu te fait des goulots d'étranglement. Ouais, t'as des goulots d'étranglement. Mais il y a des endroits où ça s'ouvre et où tu peux aller à plusieurs endroits. Mais après, le jeu te fait très vite comprendre que oui, tu peux y aller. Mais tu vas chier. Oui, il y a ça aussi. Je me suis même pas posé la question du fait que ça puisse être dans un ordre choisi, parce que je voyais pas ça comme ce type de jeu. En fait, tout simplement. Ouais. Même si Zelda, il y a eu quelques épisodes où c'était le cas, assez souvent dans Zelda, tu fais l'ordre qui est indiqué. Alors, en potentiel Zelda, il y a Zelda 1, puis après Breath of the Wild. Parce qu'après, c'est vraiment devenu extrêmement carré à ce niveau-là. Enfin, tu peux vite faire un peu dans Ocarina of Time, certains un peu le désordre, mais il y a quand même un ordre où on te dit fais ci, fais ça, après tu fais ce que tu veux. Après, tu pourras pas tout faire parce que t'as pas tous les objets. Et là, c'est un peu ça aussi. Du coup, quand vous dites que c'est utilisé dans le level design, c'est aussi qu'on va récupérer des items, des capacités au fur et à mesure. Oui, et puis en gros, t'as plus ou moins un pouvoir que tu vas récupérer par monde, en plus de nouvelles armes, etc. On va en parler quoi. Mais du coup, la structure globale, elle est assez linéaire, bien que le jeu il possède des secrets un peu partout, on aura l'occasion d'en reparler. Qui demande de revenir dans les niveaux avec ce qu'on va acquérir par la suite. Bah, enfin, certains demandent, pas tous quoi. Beaucoup. Oh bah franchement non, tu peux faire en vrai quand tu reviens dans les niveaux. Non mais là déjà on a vu pas mal de trucs. Ouais mais tu peux récupérer 80-90% des secrets du niveau la première fois sans le truc. Hein, mais après il va te dire reviens. Ouais, j'insiste dessus parce que c'est vraiment très différent de d'autres jeux où en fait quand tu fais un niveau la première fois, tu peux rien ramasser, c'est très frustrant. C'est pas du tout le cas dans Death Door. Tu peux vraiment récupérer je pense entre 80 et 90% facile de tout ce qu'il y a récupéré dans le niveau la première fois. Et ensuite, si tu refais le niveau avec juste après avoir battu le boss, tu peux tout récupérer. Et en plus de ça, je trouve que là où il est intelligent dans le level design à ce niveau-là, c'est qu'il te montre clairement les éléments que tu pourras venir récupérer par la suite. C'est-à-dire qu'il te dit clairement, hey, là, tu vois cet objet-là, bon, il y a un truc devant, tu peux pas le passer, ok, mais tu t'en souviens facilement parce que le level design le rend accessible. T'as pas à refaire. On parlera du level design après. Un exemple où c'était mal fait récemment, moi je trouve que c'était God of War Ragnarok, où t'avais un millier de trucs, tu pouvais que voir. Tu voyais que les trucs où tu pouvais pas aller et il y avait quasiment, dans certains niveaux en tout cas, les peu d'endroits où tu pouvais aller, c'était un peu chiant. Ouais, après, c'est pareil, c'est juste qu'il te manque un item pour un truc. Oui, mais en fait, le problème c'est que tu vois tout le temps que ça et tu l'as pas. C'est ça que ça m'a frustré. Ça t'avait beaucoup frustré. Ouais, d'autant plus dans le jeu où en fait,
Des fois, t'as besoin de plusieurs items pour plusieurs secrets, donc tu reviens dans le niveau, tu penses pouvoir débloquer et pas. De toute façon, on a déjà un test de 5 heures sur Forerunner Rock, donc on compte sur Death Door. Et du coup, les différentes parties du monde, elles sont toutes accessibles depuis le hub de la commission des faucheurs dont on a parlé dans le scénario. Et c'est également depuis ce hub qu'on pourra aussi parler aux autres corbeaux, faire son level up, son équipement, etc. Marc, il nous dit, l'idée originale du jeu, c'était que le joueur visite ces endroits différents en passant par une seule porte. Mais nous nous sommes rapidement rendu compte des défis que cela représentait du point de vue du développement, ce qui a conduit à mettre plein de portes finalement dans le monde principal. Je pense qu'effectivement c'était mieux comme ça, même ça donne plus de charme, je pense. Oui, il y a un petit côté des bonnes Souls, qui n'est pas désagréable. Ah, c'est vrai. Peut-être pour ça que j'ai bien aimé. du coup, on l'a dit, Death Door il possède 3 donjons principaux seulement, hors intro, transition scénaristique, outro, etc. Quoi. Et du coup, ça fait que le jeu c'est une expérience vraiment très condensée qui dure une 8aine d'heures. Pour en voir le bout en explorant bien, et 10-12 heures pour en faire le tour à 100%. Et franchement, à l'heure des jeux interminables, c'est une véritable bouffée d'air frais que d'avoir une expérience qui va droit au but, qui se concentre sur l'essentiel, et qui fait ce qu'elle fait sans rallonger artificiellement. Franchement, moi, ça m'a fait plaisir, mais vraiment quoi. Ah oui, normal. Et voilà, et ça fait plaisir. Et David, lui, il dit sur comment ils ont fait pour avoir une expérience condensée, il dit « Je pense que pendant environ la première année, on a simplement noté chaque idée qu'on avait et on a commencé à créer beaucoup de choses. Et puis il y a eu un moment où on s'est assis et on a eu une longue discussion sur la façon dont ce monde devait réellement être structuré et comment il devait être structuré en actes, etc. À partir de ce moment-là, j'ai l'impression que nous avons bien verrouillé notre plan. Et cela a vraiment aidé pour la nature concise du jeu, tout en veillant à ce que toutes les meilleures idées que nous avions, pour lesquelles nous étions excités, elles soient toutes entassées dans cette durée de jeu relativement concise. Donc voilà, ils ont vraiment dit voilà, le jeu ce sera ça et c'est tout. Et ils ont. Ben, c'est pas plus mal, ça leur permet aussi de pas s'éparpiller dans les idées, ouais, de pas aller trop loin. Ouais, ouais, et puis de pas faire. De pas itérer au fur et à mesure, un peu comme à la Lost, quoi, tu vois. Et d'avoir. J'aime bien parce que tous les ans, au moins, Lost prend une balle perdue. Tu... elle est pas perdue, elle est soigneusement. soigneusement alignée. Et il dit aussi le jeu a une introduction, 3 chapitres et une fin, et je pense que cela vous donne une meilleure sensation de dynamisme. Si vous aviez joué quelques heures sans avoir aucune idée de la structure du jeu. Et je trouve que c'est vrai aussi, c'est intelligent. Le fait qu'en fait, vu que la structure est très claire, tu sais vraiment où t'en es à peu près dans ta progression, et du coup, ça t'aide à avoir du dynamisme, alors que sinon tu sais pas exactement où t'es, bah ça tu peux... En tout cas, t'as une idée de ta progression, parce que, comme on disait, tu sais jamais dans ces jeux-là si tu vas avoir un 4... Oui, voilà, mais t'as quand même une bonne idée. Oui, voilà, tu sais que tu vois que t'avances... Tu doutes que t'es bien au-delà de 50% quand tu rentres dans le troisième donjon, tu vois, ou un truc du genre. Donc la structure... Il pourrait y avoir un Dark World, hein, et un peu. C'est vrai. 3 donjons supplémentaires. Ouais, allez. La structure, elle s'apparente donc à Zelda. Ouais, mais s'il y avait un Dark World, du coup, là, ce serait vraiment pour briser le rythme et faire un contre-pied, donc ça marcherait bien, tu vois. Donc la structure, elle s'apparente donc à Zelda, mais s'en différencie quand même par plusieurs aspects. Il y a certainement eu un processus pour déterminer comment notre structure s'inscrivait dans les fondations de Zelda. Ce n'est pas comme s'il y avait 8 donjons dans lesquels il fallait obtenir 8 objets magiques pour vaincre un boss ou quelque chose comme ça. Nous avons toujours beaucoup réfléchi à la façon dont notre jeu est structuré et à son mélange d'exploration autonome, mais aussi au moment clé à l'histoire que nous voulions raconter. Il y a toujours un élément de notre structure unique. Il y a toujours un élément de notre structure unique que nous avons ajouté. Donc voilà, ils disent vraiment comment ils ont essayé de s'approprier cette structure et de pas juste prendre la structure de Zelda qu'on connaît bien. Quoi. Et d'autant plus qu'en fait, contrairement à la structure de Zelda entre guillemets, disons que là, on est dans un donjon. Entre guillemets, première partie, puis on va arriver dans le manoir où ce sera un deuxième donjon. Ouais. Et dans ce deuxième donjon, en fait, il y aura encore un autre donjon. Et ça m'a surpris dans la construction, vrai, parce que je m'attendais qu'à la fin... Dans un monde, on va dire, dans un grand donjon, il y a trois petits donjons. Quoi. C'est ça, et en fait, parce que je m'attendais à la fin du manoir à y être. Et en fait, le jeu remet une pièce dans la machine, et j'étais « Ah, ok !» Tu vois, et du coup, c'était bien, parce que du coup... Alors c'était bien, je me disais en même temps, ah là j'aurais peut-être aimé un boss pour redynamiser un petit peu, parce que parfois je trouvais ces mondes un peu longs, mais dans l'ensemble c'était pas plus mal. Je peux comprendre, il y a vraiment un mood, moi c'était parfait pour moi, c'était vraiment le mood chill, le soir je me posais devant Death Door et genre juste j'étais chill devant, c'était tranquille, enfin en même temps les combats sont dynamiques et tout, tu vois, et en même temps le mood est chill et franchement ça me décontractait, et surtout ce monde là. Je me suis senti, mais genre, j'ai l'impression de faire une psychologie devant Death Door, quoi, tu vois. Non, franchement, c'était vraiment, c'était la relaxation, quoi, le truc. Alors que c'est des combats, attends, c'est tout pour toi, mais en même temps, il y a quand même un esprit relaxant. Mais c'est vrai que faut pas attendre forcément, enfin, faut être dans ce mood un peu comme ça, je pense, pour en profiter un maximum. Si on est dans un mood,
on veut jouer à DMC, ça va être plus compliqué. Et justement, c'est l'occasion de parler. Ça va, quand on joue, quoi. Voilà, ça. C'est l'occasion de parler un peu du gameplay. Là encore, on se rapproche de Zelda. Il y a seulement 3 points de vie. Alors, ils sont upgradables, mais quand même. 4. 4 points de vie, effectivement. Il y a un arc et des flèches, de la magie en quantité limitée, qui est aussi upgradable, et des ennemis à affronter dans tous les tableaux. Ça ressemble vraiment à Zelda. La majeure partie du gameplay, elle est centrée sur les combats. Et les combats, du coup, je trouve qu'ils sont vraiment rapides, nerveux, avec un super bon feeling. Et bah, toi qui as la manette en main, tu peux un peu nous expliquer comment ça se joue. Bah, très simplement, en fait, du coup, tu te déplaces basiquement. Après, tu as une touche d'attaque qui est la touche carré. Et tu vas esquiver avec la touche croix. Pour qu'il y ait un espèce la, de. La roulade, quoi. Mini dash, enfin, pas vraiment un dash. Mais dans l'idée, tu esquives et ça te permet aussi de sauter parmi. Ouais, c'est la roulette des Souls. Ouais, ça. Typiquement. Y'a pas de saut. Et sinon, y'a pas de saut directement. Par contre, tu as l'arc où tu te déplaces, enfin, tu le sors avec la touche L2 et après tu vises et tu vas charger ensuite ton tir avec la touche. D'ailleurs, je crois que. Voilà. Donc, sachant que l'arc c'est la magie, il y aura d'autres types de magie ensuite, mais ça se Pour recharger sa magie, il faut taper. En gros, un coup égale une flèche. Ce qui est hyper malin parce qu'en fait ça force le corps à corps régulier du coup. C'est, en fait, ils ont des patterns d'ennemis où t'en as qui sont à distance, il y en a qui sont au corps à corps. Et en fait, toi régulièrement, t'es obligé de revenir au corps à corps, tu peux pas faire que la distance et parce que très rapidement t'as plus de magie. Et il faut taper soit des ennemis, soit des éléments du décor qui sont cassables. Voilà. Donc c'est à dire que, en fait, si t'as des champignons là sur lesquels tu peux taper, en fait, t'as pas besoin de prendre des risques face à des ennemis. Tu vas prendre 2-3 champignons, hop, ça t'a remis ta barre jusqu'au bout et du coup tu peux repartir au combat. Et un truc qu'il faut dire tout de suite sur le gameplay du jeu, parce que souvent on ne le dit pas sur ces jeux-là, mais c'est important, c'est à quel point ils sont agréables. Direct, dès l'introduction, en fait, dès le moment où tu prends le jeu en main pour te balader dans les bureaux, j'étais « Oh, c'est smooth, c'est nickel, c'est très doux. » C'est un plaisir, je peux te dire qu'après Alan Wake, mais c'est donc ça un vrai jeu vidéo. Mais moi, j'ai trouvé ça hyper agréable tout de suite, même au niveau des combos. Et en plus, le jeu, je prends tout de suite la manette, c'est-à-dire que... le mec qui aime bien les jeux d'action. Genre, en fait, c'est très vite... Le coup, il part très vite. Et du coup, ça fait que ton esquive, elle est très vite aussi disponible. C'est-à-dire que tu te sens jamais floué par le jeu quand tu te fais toucher, parce que ton coup, en fait, tu sais quelle durée il prend. C'est pas que ça va très vite, c'est mieux que ça. C'est qu'en fait, le coup, il est instantané. Quand tu appuies, le coup est mis tout de suite. Et en fait, l'animation, du coup, elle est après. Elle est quand il remet l'épée, en fait. Et du coup, ce qui fait que ça donne un combat hyper dynamique, parce qu'à l'instant où tu appuies, tu touches tout de suite. Et t'as pas le côté qui est basé, j'en parle juste après, mais sur les animations comme dans les Souls, où en fait, t'as tout un truc de tu fais l'anime et c'est à la fin de ton anime que tu touches. Là, c'est pas ça, l'anime elle est après. Tu touches et après t'as l'anime. C'est pour ça que c'est un jeu d'action. Ouais. C'est ça, et ça dynamise le truc à blinde. Et donc, ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et dès le début, ils savaient qu'ils voulaient faire un jeu avec un rythme rapide. Et Dark Souls est un jeu beaucoup plus basé sur les animations et le poids de l'arme. Et là, le coup, il est vraiment instantané, comme je viens de le dire. Et c'est un choix stratégique aussi en tant qu'indépendant parce que c'est beaucoup plus coûteux de faire des animations, enfin un truc basé sur les animations, encore plus quand t'as plein d'armes différentes, chaque arme doit avoir sa propre animation, etc. Là, vu que c'est plus arcade dans l'idée, voilà. Il y a quand même plein d'animations pour les armes. Hein. Oui, mais c'est pas pareil que dans un Souls, tu vois. Oui. C'est dans le sens où... Il n'y a que 4 armes, alors c'est limite. Oui. Oui. Mais elles sont toutes relativement différentes. Je dis relativement parce que là... Je parle après des armes. C'est un peu plus des animations. Ouais. Et du coup, le feeling des armes, de l'impact et tout, il était là vraiment dès le début du développement. Et c'est vrai qu'on le voit déjà dans le prototype. On le voit déjà dans le prototype. Et en fait, ils se sont dit que... En fait, ils se sont dit dès le début que si ça, c'était pas au rendez-vous, personne n'aimerait le jeu. Et donc, en fait... Ah, ils ont raison. C'est hyper malin. Et il y a aussi l'utilisation de quelques frames de pause lors des impacts qui améliorent encore plus le feeling des attaques. C'est vrai que quand tu tapes, bam, t'as vraiment la... T'as la sensation. T'as un effet visuel qui marche bien. Et en plus, t'as vraiment le côté, surtout quand tu tues le dernier ennemi d'autant plus, où vraiment, il y a un petit ralenti qui est bien saisissant, même au niveau de la... Le sound design, c'est vraiment bien repris. Et d'ailleurs, Tunic reprend ça quasiment... Ça, c'est une école... C'est très bizarre. C'est une école très japonaise du jeu vidéo, cette façon-là de valoriser l'impact du coup. Qui, je trouve, est super bien maîtrisée par le jeu, en plus d'être hyper satisfaisante, et de faire en sorte aussi que, on verra après avec le bestiaire et tout, le jeu, il est, agréable à jouer en toute occasion, et surtout, tu t'en lasses pas jusqu'à la fin. Non seulement parce qu'il n'est pas forcément extrêmement long, mais aussi parce que, du coup, chaque truc te reste bien en mémoire.
Moi, là, on arrive vers l'arme que je préfère et qui, du coup, multiplie ce nombre d'impacts. Et du coup, j'étais papapapa et j'étais ah yes, yes, j'ai vraiment l'impression de mettre des tatanes. Quoi. Bah, il y a un côté effectivement assez cinématographique aussi. Ça, ce qu'ils disent en tout cas, que c'est un côté assez cinématographique au tout, je vois ce qu'ils veulent dire. Et toi, en gros, tu disais qu'au niveau des combats, Deathdoor, il réussit tout ce que Tunic ratait. Ah ben ça, on se l'est dit directement sur la conversation. Ça, c'est fou parce que oui, il y a beaucoup de points communs entre les deux jeux. Bon, on l'a un petit peu évoqué dans l'intro. Mais c'est vrai que les combats Tunic, c'était un peu vraiment le défaut du jeu. Enfin, un défaut. Disons qu'il y a quelques boss où ils essaient vraiment de faire du Deathdoor, mais c'est pas du Deathdoor. Bah, d'ailleurs, il y a même un boss, enfin, je veux dire, le boss cathédrale là, que t'as fait. Je pense que c'est un hasard parce que les deux sont à un an d'écart et Tunic a 7 ans de dev. Donc, je veux dire, bien sûr, mais je veux dire, ça permet de faire une comparaison directe entre les deux boss et la comparaison est clairement pas à l'avantage de Tunic sur la question. Quoi. Non, complètement, parce que du coup, vraiment là, le Tunic avec ce gameplay là, c'est. Un Gotti, enfin déjà c'est un Gotti, mais je veux dire, enfin, vraiment, il cartonne de ouf, quoi. C'est vraiment, ce serait le jeu parfait, quoi. Et ça rend jaloux que tu dis qu'il n'ait pas ce niveau de finition dans les combats. Il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde, ouais. Du coup, vraiment, c'est vraiment brillant, il est très très cool à prendre en main. C'est assez technique et pointu. Le challenge, il est agréable. Il n'est pas non plus. Oui, on reviendra dessus que c'est pas excessif. Une grosse partie dessus. Et par contre, du coup, tu voulais parler un peu du bestiaire, c'est intéressant, ça j'avais pas pris d'en parler, donc vas-y. Ouais. Bah, en fait, le bestiaire, moi je trouve qu'il est hyper intéressant dans le jeu parce qu'il est extrêmement varié. Déjà, chaque monde a son propre bestiaire. Ouais. Et en plus de ça, le bestiaire, la façon dont il varie, c'est que justement, tu vois, t'as ces mages qui t'attaquent à distance et qui en plus disparaissent. Tu peux renvoyer les projectiles. Et ça, c'est très cool aussi. T'as des ennemis qui vont te foncer dessus. T'as pas ces mecs. Non, les flèches, elles se renvoient pas. T'as des ennemis, voilà, les archers qui vont pas trop bouger, mais qui en même temps sont une présence dont tu dois vite te débarrasser parce que c'est eux qui vont rester loin de toi en mode. On va te niquer de loin. Vu que tu peux pas arrêter leurs projectiles, bah, ils sont particulièrement dangereux. Quoi. C'est ça. Et du coup, moi je trouve que le bestiaire au sein des mondes, il est varié. Alors, si on se penche un petit peu sur la façon dont les ennemis se battent, ce bestiaire se répète dans la façon dont il se combat au sein des mondes. Mais en réalité, la façon qu'il a de te mettre dans différents éléments de level design pour te faire combattre ses ennemis, et avec notamment les différentes magies qui vont s'accompagner, etc., au fur et à mesure du jeu, bah, t'as jamais l'impression véritablement de faire de la redite à ce niveau-là. Et du coup, je trouve que Deathdoor a un très bon bestiaire. Je suis d'accord, en plus, ils sont originaux à la fois dans le design, mais aussi dans sa mécanique. Ceux qui ont la grosse carapace sur le dos, je les trouve déjà hyper drôles. Enfin, quand tu les vois se rouler partout et se foncer entre eux. Et se faire des dégâts entre eux. Et ils te touchent pas et tout, mais c'est genre hilarant, je pense que c'est vraiment fait exprès dans l'humour. Mais en plus, c'est vraiment intéressant à jouer. Alors, c'est certes, t'attends qu'ils aient fini de rouler et après c'est bon. Mais en attendant, tu peux peut-être toucher que devant et pas derrière. Bah, tu peux les toucher derrière, mais il va falloir genre trois fois plus de touches pour les tuer que si tu les touches quand ils sont sur le ventre ou devant. Des ennemis qui sont vraiment très intéressants dans l'ensemble. Par contre, c'est vrai que le défaut, c'est que, comme tu disais, même s'il y a toujours du renouveau tout le long du jeu, malgré tout, à la fin, tu commences à constater qu'il y a quelques. Reskin de même concept. Bon, même pas qu'à la fin. Dès le deuxième monde, tu vois les archers, tu vas les retrouver, les mages aussi. Les trois types d'ennemis qu'on voit là, c'est des ennemis qu'on va avoir tout le jeu, avec, qui sont un peu reskinés, variantes et tout. Donc effectivement, on pourrait dire qu'il y a pas mal de redites à ce niveau-là, mais en même temps, comme tu dis, il y a aussi toujours des nouveaux ennemis de quoi battre, et puis donc en fait, tu t'ennuies. Et un level design qui change à ce niveau-là, donc qui te dit, maintenant tu vas avoir, avoir ces ennemis-là, mais avec le pont au milieu, en fait, ça met potentiellement en difficulté parce qu'il te les fait apparaître de chaque côté du truc, donc ça fait que tu as des archers, tu dois toujours bouger, avoir constamment en tête que. Je peux pas non plus bouger n'importe comment, faut que j'aille d'abord, est-ce que je me débarrasse pas des mages parce qu'ils sont chiants? Ah, en fait, l'archer de l'autre côté, il me casse les couilles aussi. Donc, tu réfléchis toujours, il y a un côté puzzle dans les combats où tu dis, bon, alors attends, parce qu'il y a quand même des ennemis qui sont prioritaires par rapport à d'autres sur l'échiquier. Et vu que tu as très peu de points de vie, même si c'est upgradable, ça rend les combats stratégiques. Quoi. C'est ça. Parce que les ennemis aussi, c'est un truc intéressant à dire, c'est que les ennemis se tuent très vite. Quoi. C'est pas du tout des sacs à PV. C'est 3-4 coups. C'est très agréable. Tu les désincres très rapidement, eux aussi te tuent rapidement, mais du coup, il y a ce côté qui vient aussi un peu de Titan Souls en soi, où c'était 1 et 1, bon là c'est plus, mais dans l'idée où toi t'es faible, eux ils sont faibles, et en fait, du coup, il n'y a pas de côté sac à PV. Ça, c'est vraiment agréable. La meilleure arme. On va aussi pouvoir du coup upgrader ses capacités. J'ai fait tout le jeu avec l'arme du début.
Ah ouais, ah ouais, moi j'ai utilisé celle-là et pour la fin du jeu. Les armes après. La dernière. On va pouvoir upgrader ses capacités au cours du jeu et ainsi ressentir du coup une vraie différence, que cela soit dans la puissance ou la rapidité des attaques ou des esquives, ou simplement pour le déplacement du corbeau. Moi je trouve que le déplacement du corbeau, quand je l'ai pris en main, je l'ai trouvé un peu lent au tout début. Et très rapidement, quand tu commences à l'améliorer la vitesse de déplacement, ça devient beaucoup plus agréable. En fait, j'ai même pas vu la différence sur le coup, mais en fait tu la ressens quand même. Mais c'est vraiment subtil la différence. Quand tu upgrades, tu vois pas trop la différence, mais petit à petit, tu commences vraiment à la sentir. Et bah du coup, forcément, c'est un avantage aussi en combat, parce que du coup, c'est aussi en combat. Donc, du coup, tu dis que tu peux améliorer les dégâts aussi ou pas? Tu peux améliorer. Non, t'as pas les dégâts. Hein. Si. Si, si, tu t'as les dégâts. Si, si, t'as les dégâts. Moi, c'est un de mes reproches, c'est que du coup, j'ai fait ça. Hein? J'ai amélioré les dégâts assez vite pour les tuer le plus rapidement possible nos petits ennemis. Mais en fait, j'ai remarqué que, puisque moi j'ai joué avec l'arme numéro 1, qui fait un dégât de 1, parce que sinon l'autre c'est 0,75, comme ça. Moi, c'est un dégât de 1. Bah, j'augmentais le truc là, mais il fallait toujours le même nombre de coups pour tuer les ennemis. Et ça m'a vraiment saoulé. Genre, t'as un ennemi, il faut 3 coups pour l'abattre. Bah, j'augmente mes dégâts, je re-augmente mes dégâts, et il faut toujours 3 coups pour le tuer le même. Je me dis, c'est pas sérieux. C'est quand j'arrive au quatrième palier que là, il en faut plus que 2. Ouais. Mais du coup, c'est l'impact, l'intérêt d'upgrade tout ça, il se ressent pas suffisamment vite. Et en même temps, bah, si t'améliorais trop, bah, le jeu serait. Là, on peut le voir. Attends, ça dépend vraiment des armes, donc là, je trouve que c'est pas tout. C'est ça, parce que moi je l'ai ressenti avec mes armes, j'ai clairement ressenti. À chaque fois que je upgradais, j'avais un coup de moins généralement, tu vois. Donc on a la force, on a la dextérité, on a la vitesse et on a la magie. Alors, dextérité et vitesse, parfois, c'est un juste, peu. Du coup, t'as bien ce que tu disais. Juste pour dire que je m'étais venu à avoir une petite théorie farfelu de ouf, en mode que c'est scénaristique, que tout ça en fait ça sert à rien, et que en fait c'est pour que tu donnes ta thune et tout, et à la fin ils s'en servent et contre toi, j'en sais rien, et ça en fait t'as aucun, ça ne change rien parce que la vitesse je le percevais pas trop, même si tu finis par le ressentir à la fin, les dégâts je vais pas la dire, je suis en mode mais ça change vraiment des trucs ou pas, ou est-ce que je donne juste ma thune au corbeau là, et à la fin il me dépouille, etc. Tu veux dire que c'est un point de vue consumériste sur la société? Bah, c'est... En fait moi voilà, je disais il y a force, dextérité, vitesse et magie. Moi, c'est plus la dextérité, où j'ai pas forcément ressenti une vraie différence, c'est-à-dire c'est la compétence du faucheur pour les attaques rapides et précises. J'avoue, j'ai pas forcément En plus, senti... c'est hyper confus. Enfin, oui, entre vitesse et dextérité, tu vois, des fois... Vitesse, c'est pour le déplacement. Voilà, et la dextérité, c'est pour la vitesse des attaques. Bah ouais, mais si, mais tu la vois. Enfin, mais parce que toi, tu utilisais l'arme la plus rapide. Bah, voilà, moi j'utilisais ça, donc... Forcément, là-dessus, même si t'augmentes de 20% à terme, je sais pas, imaginons que ce soit plus 20% le truc maximum, ou plus 50%, tu vas pas le voir tant que ça, tu vois, parce que par contre, moi qui utilisais beaucoup, enfin, en fait, moi j'ai changé d'arme à chaque fois que je pouvais, et du coup, j'ai tout utilisé. Le marteau, je peux te dire que quand tu augmentes la dextérité, tu vois la différence parce que c'est une arme qui est très lourde et qui est très lente. Donc en fait, plus de 20% sur le marteau, tu la vois la différence. Donc en fait, c'est ça, forcément, si tu utilises l'arme la plus rapide, en tout cas, c'est toujours cool d'avoir ce système là, effectivement. Chaque point améliore peu de choses, mais c'est parce que ça dépend de l'arme aussi, ça dépend de plein de choses. Mais c'est aussi pour que tu aies des choses à améliorer tout le long, quoi. Donc voilà, et puis les âmes, bon, ça c'est comme dans Dark Souls, quand tu tues des ennemis, tu les récupères. Peut-être le truc qui m'aurait pas envie de voir vraiment la diff, c'est de te montrer, genre, tu fais 1, mais non, il y a marqué vraiment 1,25 ou je sais pas, enfin, que tu te. Qu'il y ait un indice visuel qui te. Ouais, ça aurait pu être bien. Effectivement. Du coup, il y a les points de vie et de magie, en revanche, eux ils s'upgradent pas normalement, il faut trouver l'équivalent des cœurs de cœur dans Zelda, mais dans des sanctuaires dédiés. On en reparlera plus tard dans la partie level design, mais il peut se passer beaucoup de temps avant d'avoir sa première amélioration de vie ou de magie. C'est vraiment long. Hein. Je pense que j'ai fait au moins 2 donjons sans avoir aucune deux amélioration. 2 donjons sur 3 encore une fois. Oui, donc, moi j'étais, en mode, mais, j'étais quasiment nul, j'en ai raté, j'ai tout raté ou quoi, enfin, j'étais quasiment à la fin du jeu quand j'ai eu mon premier run. Je pense qu'on. Ils sont vraiment... Mais ils sont bien cachés, hein. C'est ça, ils sont vraiment bien cachés, et ce qui fait que même si t'en trouves pas beaucoup. Et voilà, on en parle un peu plus tard dans la partie level design. Mais en tout cas, tu peux améliorer, et quand tu arrives au boss final, si tu te débrouilles bien, tu peux avoir pas mal de trucs. Le fait d'avoir peu de points de vie, du coup, ça oblige à avoir une vigilance constante pendant les combats, car un combat peut vite mal tourner, même s'il est bien engagé dès le départ. C'est-à-dire que vu que des fois, tu as des combats qui sont longs, les ennemis meurent vite, mais tu as beaucoup de vagues, et bien en fait, tu peux maîtriser, et puis d'un coup, tout peut partir en couille très vite à une seule vague. Donc faut quand même que tu sois vigilant. Et puis les frames d'invincibilité quand tu t'es fait toucher sont parfois un peu déceptives, je trouve. C'est-à-dire que j'avais en fait des fois l'impression qu'elles étaient plus longues que ce qu'elles n'étaient réellement. Et du coup j'étais en mode ah là c'est bon, ils peuvent pas me toucher pendant encore, ah si, ils peuvent me tuer. Oui d'ailleurs ça fait que, la raison pour laquelle je me suis fait massacrer en boucle contre le boss, enfin mini-boss qu'il y avait tout à l'heure, c'est parce que c'est un de ceux où j'ai trop l'impression que mon esquive elle va...
Elle va passer, en fait elle passe jamais, il faut juste être patient. Mais du coup, je m'étais longtemps fait avoir et j'avais oublié comment j'avais fait pour la technique pour finalement l'avoir. Mais en gros, il y avait quelques esquives comme ça où j'étais pas sûr. Mais dans l'ensemble, en vrai, je trouve que les esquives sont quand même très claires. Rien à voir avec Tunic, oui, encore parce une que... fois, qui avait ce problème-là à 300%. En fait, Tunic voulait un truc d'esquive qui se comprend à travers le manuel. On vous renvoie vers le test de Tunic si vous voulez comprendre un peu plus ce qu'on dit. Mais en gros, Tunic, il fallait comprendre la mécanique de, et même une fois que tu la comprenais, fallait savoir timer proprement ton truc. C'est ça le problème, alors que là, tu sais que hop, dans ton saut, t'es bon. Il n'y a pas trop de soucis. Donc au moins c'est clair, c'est carré, c'est moins mystérieux, mais en même temps au moins et, tu sais ce que tu fais. Et il y a un truc qui est aussi hyper malin, c'est que la vie des ennemis, elle est indiquée par des fissures sur leur corps. Et ça c'est vraiment... C'est vrai que c'est vraiment bien. En fait, j'étais là, ah, c'est dommage, il n'y a pas de barre de vie, j'aurais bien aimé savoir, parce que j'ai pas compris tout de suite. J'ai compris au cours de ce monde-là, en fait. Il prend une couleur un peu rosée, l'ennemi. En fait, ouais, il y a des fissures, Roses. Non, parce que c'est les fissures, elles sont roses, en fait. Donc plus il y a de fissures, plus il prend une couleur rosée, quoi, forcément. Et du coup, bah, ça se voit forcément plus sur les gros ennemis, où tu vois plus les fissures, mais... Donc ça, c'est vraiment cool, quoi. Bah, ouais, moi, ça a pris, je pense, une ou deux sessions de jeu avant de vraiment le remarquer. Donc le jeu, il possède plusieurs armes, on y vient enfin, qui vont jouer sur des stats assez classiques, donc rapidité, puissance et nombre de combos. Je pense que tu peux montrer si tu fais juste start de... Hop. Là, tu vas avoir voilà, ta larme. Donc là, on peut voir en bas. Donc, on voit voilà. Ça. En gros, voilà, le nombre de dégâts, les coups, la portée. Hop, alors attends, hop, on enlève nos têtes. Voilà, les portées ou le temps de frappe. Et donc, ça, bah, tu sais que tu fais tant de dégâts ou tant de trucs. Et donc, bah, après, ça va multiplier tes upgrades, vont multiplier ça. Oui, c'est ça. Après, c'est pas forcément très clair dans le sens où tu vois jamais le nombre de dégâts exactement que tu fais. Tu vois jamais non plus le nombre de points de vie que les ennemis ont. Donc, c'est vraiment juste, c'est pour. Savoir un petit peu si tu veux faire du théorie crafting. Je trouve que c'est bien parce que ça permet justement de ne pas vouloir rentrer trop dans ce truc de précision qui serait pas utile. Tu comprends comment fonctionne l'arme, voilà, c'est ce tu choisis ce que tu préfères. Exactement, t'as besoin que de ça et ça fonctionne bien. Chaque nouvelle arme trouvée, perso je l'ai adoptée, du coup la trouve meilleure que la précédente, sauf le parapluie qui est un peu une arme blague. Mais du coup quand on a eu l'arme, voilà, les dagues, là, hyper rapide, bah, j'ai pris ça. Puis après plus tard dans le deuxième donjon, il y a un marteau qui est aussi qui est bien costaud, qui fait des très gros dégâts mais qui est plus lent, du coup j'ai joué que avec ça. Et ensuite, dans le dernier monde, tu peux récupérer une épée bah, qui est un peu le meilleur des deux mondes, puisqu'elle est assez grosse, assez puissante et assez rapide. Et bon, c'est la meilleure arme du jeu. Hein. Donc, mais ça, c'est si tu les trouves. Et ça, c'est si tu... oui, parce que c'est certaines armes, là, tu vois, on a été chercher les dagues. Mais celle-là était vraiment sur le chemin. Voilà. Alors non, parce que t'as même pas besoin de le faire, en fait. Non, c'est pas sur le chemin, mais bon. Si d'ailleurs tu bosses. Si t'explores un peu, tu la trouves, quoi. C'est ça, elles te sont montrées clairement. Mais c'est juste. Tu galères au boss et t'abandonnes. Pour être en plus, fais le donjon. Tu reviens pas parce que t'oublies. Raison X ou Y. Bah tu vas pas avoir l'arme. Oui. Et donc moi j'avais trouvé que celle-là dans ma partie d'ailleurs. Bon, au bout d'un moment, moi c'est pas trop mon style de jeu, le truc trop rapide, moi je préfère un peu plus lourd. Ouais, mais du coup t'as pas trouvé le marteau donc... Et j'ai pas trouvé le marteau, ni la dernière arme. Pourtant en fait, je voyais, très, bien où... Je voyais très bien où est-ce qu'ils étaient. Mais j'ai pas trouvé comment y aller, et puis en fait... certains, tu sais, le niveau est très grand et j'ai oublié qu'il y avait tel endroit où tu peux aller là, c'est pas forcément si lisible. Pour celui du deuxième donjon, on va dire. Le troisième, je pense que vraiment, j'ai pas été bon. Parce que c'était plus simple quand même. Et puis le troisième, plus tu peux l'avoir direct. Donc. Ouais, bah. Enfin, pas tout à fait direct. Non. Mais non, du après, coup, moi, c'est vrai que moi, tout fait avec l'arme du début. Moi, c'était vraiment un objectif d'avoir les nouvelles armes pour vraiment me grader significativement. Ah, mais j'ai voulu en plus, hein. Et du coup. Au bout d'un moment, j'abandonne, quoi. Je vous comprends. Marc, il dit l'ajout d'armes s'est fait plus tard dans le cycle de développement. Au départ, nous sommes basés sur l'épée principale. Mais au fur et à mesure du dev, nous nous sommes rendus compte qu'il n'était pas trop difficile d'en ajouter de nouvelles dans le jeu. Il s'agissait simplement de permettre aux joueurs d'avoir une plus grande liberté d'expression. Par exemple, si quelqu'un veut juste spammer des attaques, il peut jouer avec les dagues. Voilà, Yann. Bonjour. Si quelqu'un veut avoir une putain d'épée massive et frapper des trucs avec, il peut le faire. Yann. L'une des armes les plus amusantes pour lui à créer, c'était le marteau de foudre avec ses effets uniques. Il a toujours aimé frapper des trucs avec, parce que les sons et les éclairages sont bien meilleurs que n'importe quoi d'autre, il trouve. Donc voilà un peu pour les armes. Moi je trouve que c'est cool de les proposer comme ça, après c'est vrai qu'elles sont assez dures à trouver, mais bon, moi ça m'a pas... Bah, vu que je les ai trouvées, en fait ça peut être un peu... J'avoue que... Ouais. Sauf la dernière qui demande une petite énigme pour la trouver, en dehors de ça, je les ai pareil trouvées, mais moi le marteau ça m'allait pas. Donc, moi j'ai gardé les dagues pendant un long moment jusqu'à la dernière arme qui est faite pour le endgame. Je pense que varier les armes en tout cas fait vraiment partie, ça c'est la sorcière, fait vraiment partie de mon appréciation aussi dans Tunic, parce que du coup ça m'a permis dans Death's Door, parce que ça m'a permis de varier mon gameplay aussi, et donc de renouveler. Quand ça joue effectivement. En fait là, de toute façon le jeu vous laisse complètement la possibilité, donc si vous vous sentez de tester de nouveaux trucs, testez de nouveaux trucs, si vous vous sentez pas, vous inquiétez pas, le jeu ne vous force jamais. Enfin du coup il faut quand même les trucs.
Un petit mot du coup sur la difficulté et les boss, gros sujet, puisque la difficulté ça a été un vrai sujet au cours du développement, étant donné que leur jeu précédent, Titan Souls, était également réputé, bien comme en mal, pour sa difficulté. En fait, la difficulté de Titan Souls, c'est une des raisons pour lesquelles la réception était un peu mitigée, c'est que il y avait des boss d'une facilité déconcertante, et il y avait des boss d'une difficulté beaucoup plus accrue d'un seul coup en fait, et tu comprenais pas pourquoi ils étaient forcément l'un à côté de l'autre. Et en fait ça dépendait aussi de tes capacités en tant que joueur à savoir adopter correctement les mouvements et trucs comme ça. Ah, je pense que c'est forcément un jeu très exigeant de toute façon. Oui. Et du coup lors de sa sortie de Titan Souls en 2015, il y a de nombreux critiques et joueurs qui ont prononcé le refrain classique qui est devenu un peu une blague. C'est comme Dark Souls. Voilà, exactement, c'est comme Dark Souls. Donc David il dit bon, je veux dire on l'a un peu cherché parce que je m'appelle Titan Souls, tu vois. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il dit, en fait, ce titre-là, on l'a trouvé dans les 30 minutes avant la fin de la Game Jam, et en fait, on l'a juste jamais changé, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, c'est plutôt marrant. Mais en fait, tout comme Titan Souls, Death's Door, il a aussi été comparé à Dark Souls à sa sortie, cette fois en soulignant plutôt l'atmosphère gothique du jeu et les combats qui sont assez exigeants. Mais Marc, il dit, de toute façon, je pense qu'en vrai, chaque jeu maintenant est comparé à Dark Souls. Il y a toujours une façon de le comparer à Dark Souls ou à n'importe quoi, franchement. Vous pouvez toujours faire un jeu et le comparer à un autre jeu, parce que de toute façon, à la fin de la journée, c'était toujours, en fin de compte, c'est toujours des jeux, quoi. Et en fait, le truc, c'est que de toute façon, le jeu, comme le cinéma, comme tous les trucs, c'est des œuvres qui se parlent et qui donc s'influencent entre elles. Moi, la raison pour laquelle, au départ, j'ai vraiment cru que ça allait être un Dark Souls, c'est que déjà, le « tu es mort ». Oui. C'est quand même, C'est une référence. En plus de ça, c'est que je voyais les trucs où on met les graines depuis le début, on n'a pas expliqué forcément ce que c'est, mais tu mets des graines, ça, en gros il y a une fleur qui sort et tu récupères de la vie comme ça, je les voyais comme les points de feu. C'est pas du tout ça en plus, c'est pas du tout, ça, mais c'est comme ça que je les voyais, parce que le jeu t'explique pas ça, et du coup moi au départ je gardais toutes mes graines en mode oula attention, parce que je sais pas forcément ce qu'il veut faire par la suite. On peut expliquer vite fait, du coup si tu plantes effectivement, il y a plein mal de pots en fait dans le jeu, et si t'as récupéré une graine, tu peux planter la graine dans un pot et manger tout de suite le fruit qui va pousser ou le garder pour plus tard. Sachant que si tu meurs, le fruit va repousser. Ce qui est très important comme données, parce que moi au début j'avais bien compris la mécanique. Mais je pensais pas que ça revenait non plus. Moi je pensais pas que ça revenait non plus. Et en fait, je pensais que du coup t'en avais une. En fait, non, c'est pas du tout ça. C'est tu as une graine par pot dans tout le jeu. Même peut-être un peu plus de graines que de pots. Non, t'en as. C'est égalisé. T'as tout ce qu'il faut. C'est tout pile. Et voilà, en fait. Et du coup, ça fait partie ça fait en sorte que le jeu. Soit plutôt accessible, et du coup c'est justement ce que je vais développer là. Parce qu'en fait dans les faits, Death Door c'est pas un jeu qui est très difficile. Non. Les combats ils peuvent certes donner un peu de fil à retordre, mais en fait on reste jamais bloqué très longtemps, même sur les boss les plus difficiles du jeu. Et c'est entièrement voulu. En fait, Acid Nerve il voulait une expérience vraiment équilibrée. David il dit, nous ne voulions certainement pas que Death Door ait le même niveau de défi que Titan Souls. Cependant nous voulions nous assurer qu'il y avait quand même de l'intensité. Le scénario idéal pour nous c'est d'avoir des combats qui montrent dès le départ qu'ils vont vous challenger, mais en veillant soigneusement à ce que leur design soit toujours équitable pour que vous assurez qu'en général, cela ne vous prendra pas trop d'essai. Dit autrement, en fait, leur but c'est le suivant. Assez challenging pour que ce soit une expérience intense et pour transpirer un peu, mais pas décourageant comme pouvait l'être Titan Souls. En plus, Death Door il prend le contre-pied des Souls par certains, de Dark Souls sur certains aspects, ou de Souls de manière générale. On vise Zelda en un peu plus dur, pas Dark Souls, c'est un peu ce qu'ils disent. Voilà. Donc comment il prend le contre-pied? En fait, en surface, t'as l'impression qu'il a l'aspect et les attributs d'un défi qui va être assez agressif et punitif. C'est-à-dire le combat est difficile, t'as très peu de santé, tu collectes des âmes, des ennemis que tu tues, tu peux les échanger contre des améliorations, et lorsque tu meurs, t'as un énorme texte « Tu es mort, tu es mort » qui recouvre l'écran soulignant ton échec. Donc là, effectivement, c'est là que tu peux te dire que ça va ressembler à Dark Souls. Et quelques ingrédients. Plus les... comme des espèces de petits... de camp avec les points de checkpoint qui sont quand même figés à ces endroits aussi, qui sont, qu'il faut activer d'ailleurs, sinon le checkpoint n'est pas comme le feu de camp finalement. Et mais pourtant le jeu en fait il est beaucoup plus doux qu'il paraît, qu'il n'y paraît, et ce by design. En fait déjà on perd pas nos âmes rien qu'en mourant par exemple, et ça pour moi ça a été la première grosse surprise. La première fois que je suis mort, je m'attendais à perdre, enfin c'est Sekiro, tu t'attends à perdre 50% du truc, et en fait non, j'étais je m'attendais à Dark Souls, je perds 100%. Non, alors moi tu vois, je me doutais qu'il allait quand même pas être aussi punitif, ne serait-ce que par accessibilité. Et j'étais, en fait, non. Ah, bon, bah, ça va peut-être être tranquille. Et au final, bon. Et du coup, on revient
Il y a aussi, on revient à la dernière porte qu'on a visitée, qui est souvent très proche de l'endroit en fait où on est mort. Enfin, globalement, tu refais très très peu de chemin. Ça, au niveau du level design, c'est bien et, fait. Et le jeu, il est aussi très généreux avec les raccourcis. Donc, en fait, quand tu meurs, c'est rare de devoir vraiment recommencer beaucoup une section. En fait, le jeu, si on parle level design juste vite fait, c'est un S que tu fais constamment, tu vois. C'est tu fais un serpentin, un peu. Et du coup, en fait, une fois que tu as terminé un tour de serpentin, bon ben, tu débloques un raccourci qui fait que tu peux faire un tout droit depuis la porte au ouais, début. Un S ou un 8 ou ce oui, genre oui, truc. Enfin, on voit l'idée, quoi. C'est assez malin, ouais. Et du coup, bah, on expliquait comment ça se passait concernant la santé. Et bah, du coup, ça aussi, c'est un truc assez. Enfin, qui facilite le jeu. Là, on en a planté un. Donc, en fait, ce truc-là, ce qui fait que tu as tes points de santé un peu partout dans le jeu. Et en plus, d'un point de vue artistique, il y a aussi l'esthétique avec des personnages, des idées bah, qui rappellent parfois Ghibli. C'est une inspiration que Marc confirme. Et une bande-son qui est avec des mélodies de piano toutes douces. Qui font que bah, tout ça, ça rend le jeu plus doux aussi. C'est pas du gameplay à proprement parler, mais ça aide en fait à l'atmosphère un peu plus douce du jeu. Et en fait, tout ça, ça fait que Death's Door, à bien des égards, c'est un jeu qui est bien plus confortable au final que punitif. Tout à fait. Et c'est selon Marc entièrement intentionnel. Il dit que de nombreux développeurs, en fait, ils suivent instinctivement le modèle de Dark Souls qui fait tout perdre aux joueurs à leur mort parce qu'en fait, ça a bien fonctionné pour Dark Souls, quoi. Donc en fait, ils réfléchissent pas et ils disent, bon, bah, on va faire pareil. Mais en fait, lui, David, il déteste ce modèle. Et Marc, il n'était pas opposé à faire différemment non plus, donc c'est pour ça que bah, c'est pour ça qu'ils ont pris. Oui, mais c'est bien qu'il y ait une discussion entre les deux de réflexion bah, game design ouais. Derrière, de dire bon en fait qu'est-ce qu'on veut faire pour notre jeu. Bah c'est ça. Et ouais. Et du en plus, si tu veux, besoin, c'est, non alors non seulement t'en as pas besoin, et en plus je trouve que ça irait potentiellement contre la nervosité du jeu dans son système de combat, etc. Il y a le truc dans les Souls aussi, c'est que le combat, c'est pas aussi violent que ça, tu vois. C'est beaucoup plus bon, comment je vais aborder la situation, comment je vais essayer de me démerder, c'est de la débrouille. Mmh. Alors que là, c'est pas tout à fait de la débrouille non plus. C'est... Moi, en tout cas, à chaque fois que j'entreprenais un combat, c'est j'avais un plan d'action, je réfléchissais à ce que je voulais faire dans le combat. Vous êtes dans Death's Door ? De quoi ? Ouais, dans Death's Door. Ouais, t'es sérieux, hein, tu vois. Ah bah oui, oui, bien sûr, tu vois, là j'arrive. J'ai fait un business plan. Non, mais en fait, tu vois, par exemple, sur ce truc-là, moi je réfléchissais toujours en termes de, bon, je vais tuer d'abord les ads, donc c'est-à-dire les petits ennemis de merde qui arrivent, et je m'occuperai après du boss. Ah putain, moi c'était YOLO, frère. Voilà. C'est très réfléchi du tout. Je pense que la majorité des joueurs sont comme VG et moi. Ah ouais, là c'était toi, vrai. Après, là, toi, c'est, voilà, t'es le... Bah t'es un joueur de jeu de combat, de toute façon. Un joueur de combat, voilà. Et non mais c'est vraiment hyper intéressant de pas utiliser le système de Dark Souls de tout prendre, parce qu'en plus Dark Souls c'est quoi, tes âmes c'est pas que c'est toute une monnaie, c'est pas que pour level up, c'est pour acheter des trucs, etc. Ouais. Et dans ce jeu là ça n'aurait aucun sens de perdre, de toute façon il en faut déjà beaucoup pour te level up, oui, en plus, ça servira vraiment à rien. Et ce serait tellement frustrant en fait. Ouais, non, mais ça, parce que comme tu dis, t'en récupères pas assez pour que ça légitime que tu perdes tout une fois que t'as perdu un truc, d'autant plus que pas, comme on disait, ça va très vite au niveau c'est de pas la... en accord, ça serait pas juste pas en accord avec le design du jeu, donc en fait c'est cool, il est cohérent dans ce qu'il fait, quoi. Et Marc il explique que bien qu'il ait passé des heures à affronter des boss difficiles dans les difficultés les plus élevées de Bloodborne ou Dark Souls, difficulté les plus élevées, hein. De la normale, quoi. En fait, ouais, c'est ça. À mesure qu'il vieillit, il devient moins patient avec ce type de jeu. Et aussi, il dit qu'avec avec Titan Souls, c'était vraiment tendance à l'époque de faire un jeu vraiment difficile. Et qu'en fait, et ça, c'est très vrai, hein. Mais qu'en fait, avec Death's Door, il voulait juste créer un jeu qui prendrait plus, personnellement, plus de plaisir à jouer, quoi, tout simplement. Et vraiment, cette difficulté-là, accessible, m'a énormément surpris. Et du coup, moi, en fait, au début du... ça explique pourquoi, au début du jeu, je gardais toutes les graines. Oui. Je n'en utilisais qu'une. Là, j'arrivais au manoir, je te jure, j'avais facilement 10 graines. Parce que je ne les utilisais pas. J'étais en mode, attends, faut que je les garde parce que je ne sais pas ce que me réserve le jeu par la suite. En fait, moi aussi, je suis le manoir. C'est la raison qu'on l'expliquait avant. Voilà, c'est qu'on n'avait pas compris que c'est ça. Par contre, moi, par chance, après, je suis tombé sur un endroit secret où j'ai tout à fait comprendre qu'en fait, il y a clairement une graine par pot et qu'il faut tous, pour avoir le endgame, il faut tous les avoir. À ce moment-là, j'ai compris. Donc en fait, j'ai fait ça pour tout le reste du jeu, je plantais toutes les graines tout le temps. Mais j'avais pas trop besoin de les utiliser de manière générale, en fait. Oui, c'est un peu ça. Moi, je les gardais pour au cas où j'arrive dans une zone et j'ai besoin de me soigner, mais j'ai plus de graines. Je voulais éviter ça, mais au final, t'en ramasses. Non, en fait, si tu explores si bien, t'as tout le temps ce qu'il faut, quoi, si en tu graines. Tu explores suffisamment, c'est-à-dire pas forcément énorme, hein, mais si tu fais l'effort d'eux, parce que tu pourrais très bien vouloir tracer, eh bien, tu as toujours assez de graines. C'est assez rare que tu arrives sur un endroit où tu n'en as pas. Bah, clairement, moi, c'est jamais arrivé que j'ai un pot mais pas de graines, quoi, de toute façon. Donc à ce niveau-là, le jeu est aussi bien équilibré, quoi. David dit aussi, sur la difficulté, je pense que c'est souvent beaucoup plus facile de faire un jeu qui soit vraiment difficile. C'est quelque chose sur lequel nous sommes aussi tombés.
Parce que à chaque fois que vous créez quelque chose pour un jeu, vous le rendez toujours beaucoup trop difficile. Et puis après, il y a un art à essayer de comprendre à quoi ça va ressembler pour quelqu'un qui n'est pas aussi expérimenté que vous dans le jeu, et ensuite itérer avec ça à l'esprit. Et c'est quelque chose que nous avons probablement amélioré aussi au cours de la création du jeu, quoi. Oui, c'est un des trucs typiques, c'est une anecdote. Alors malheureusement, j'ai oublié le nom du jeu, mais en fait, Golden Age, il y a un Golden Age qui est sorti sur PS3. Les joueurs n'arrivaient pas à finir le premier niveau. Ah, les développeurs étaient tous en mode... Mais on comprend pas, pourtant c'est facile, tu vois. Et en fait, le directeur du jeu, quand il a eu ses premiers signaux là, on lui a dit, mec, c'est trop dur. Et lui, il disait, mais non, c'est pas assez dur, regardez, moi j'y arrive les doigts dans le nez. Sauf qu'en fait, quand t'as 500 heures de jeu, parce que tu développes le jeu, parce que t'as placé les ennemis et que tu sais tout faire... Voilà, c'est quand même très connu ça, quand tu développes un jeu vidéo, effectivement, que tu... Voilà, c'est ça. Mais en fait, il écoutait pas les playtesters. Donc forcément, il y avait un gros problème là-dessus. Moi, je dirais que limite Death Door est un peu trop facile. Moi, j'ai vraiment eu ce truc-là de... J'ai l'impression que le jeu m'a pas assez challengé. Ouais, mais parce que t'es trop fort aussi. Non, t'es pas tout seul aussi. Il y a plein de gens qui sont très déçus de Death Door parce qu'il est passé dur. J'ai vu ce retour à plein endroit. Les gens qui critiquent Death Door, c'est genre en mode « Non, mais en fait, on m'a vendu un Dark Souls et en fait, c'est... » c'est un jeu hyper facile, il n'y a pas de challenge. Alors, je dirais pas hyper facile. En fait, c'est un Zelda, quoi, c'est pas... Ouais, mais la communication, je sais pas si la communication ou si c'est les... Je pense pas que ce soit la communication, etc. Parce qu'en fait, eux-mêmes, quand ils en parlent, tu vois, ils sont saoulés du fait qu'on les compare à Dark Souls. Ça pourrait être Devolver qui l'a vendu comme ça. Pour moi, c'est la présentation du jeu. Oui, et puis en fait, non, on a tellement de jeux qui sont des Dark Souls-like avec plus ou moins cette présentation-là. Et en plus, c'est un jeu indé. Donc, tu t'attends presque à ce que le seul soit. Alors, vu qu'il a quelques ingrédients, du coup, tu te projettes. Et puis en plus, Death Door, ça a un côté tu vas mourir. Oui. Qui peut dégager ça. Je trouve que c'est un peu triste du coup, mais... Oui, je sais pas, j'ai pas dit que c'était une bonne chose. Beaucoup de gens qui pensent à un vrai jeu challenge et qui sont au final sortis très déçus. Alors après, tu finis par accepter ce qu'est le jeu et bon, voilà, mais si tu veux, moi pendant longtemps, le jeu m'a vraiment pas challengé, c'est-à-dire, on en reparlera au niveau des boss, mais je trouve que à ce niveau-là, tu vois, genre, les trois premiers boss du jeu m'ont pas touché et j'étais en mode, il manque peut-être C'est pour ça que tu vois, je dis, on peut pas écouter son avis. Mais tu peux l'écouter et ne pas être d'accord. mais c'est juste. Je suis d'accord avec ton expérience. C'est ton expérience. Oui, voilà, c'est ça. Il faut quand même recontextualiser que ce n'est pas l'expérience. C'est pas du tout. Typique. C'est pas du tout. Normal. C'est ça que je veux dire par là, quoi. C'est que. Je sais pas comment tu joues, mais. Enfin, si, tu l'as dit, tu fais un business plan, c'est peut-être pour ça. mais en vrai, voilà, c'est pas. En fait, le truc, c'est que je trouve que les. On en parlera, mais au niveau des ennemis, comme on a parlé du bestiaire tout à l'heure, les patterns des ennemis sont extrêmement lisibles et c'est aussi le cas pour les boss. Ce qui est un énorme avantage d'un côté, mais qui en même temps fait que, du coup, t'as très peu de surprises et que les boss ont aussi, je trouve, pour la plupart, pas assez de patterns. Après les boss, en fait. Mais en fait, voilà. Et ça fait que. Non, mais en termes de patterns d'ennemis et de difficultés. C'est ça qui explique aussi que j'étais un peu déçu, c'est que parfois en termes de pattern, j'aurais aimé des trucs un peu plus retors et qui m'auraient challengé, et le jeu, bah, c'est pas ce qu'il fait. Donc il n'y a pas de problème, mais... Moi je trouve qu'il est parfait dans l'équilibre qu'il cherche à faire, qui est de assez challengeant pour que tu transpires un peu. Alors moi c'est vraiment exactement ce que j'ai eu, quoi. Genre quand tu vas à un combat de boss, un combat sérieux, même un combat comme ça là, tu commences, tu transpires un petit peu, tu sais, oula, ça va être sérieux, et puis en fait, si t'y arrives pas du premier coup, en 2-3 essais, c'est bon, toi aussi, parce que t'as lu les patterns. Et je trouve que c'est ce qu'ils veulent faire, et bah moi je trouve qu'ils y arrivent très bien. Effectivement, c'est sûr que si tu veux un gros jeu à challenge, c'est pas ça, mais tu peux quand même vraiment avoir de la difficulté. En fait, le jeu n'est pas simple du tout. Justement, c'est que plus tu t'approches de la fin du jeu, plus justement il a des trucs un peu retors dans des espèces de patterns, où là je m'y retrouvais un peu plus et je disais, ok, là tu viens me chercher sur des choses où je suis peut-être un peu moins bon. Ouais. Et du coup, ça fait que j'ai une bien meilleure appréciation, enfin bien meilleure, bien grand mot, mais j'ai une meilleure appréciation de la fin du jeu que de ce début-là, où justement j'ai roulé et à la fin, le jeu était en mode... Attends, t'as roulé là, mais j'ai 2-3 trucs en même à te dire et à te confronter. Et à ce moment-là, du coup, j'étais en mode, ok, il va falloir que je puisse un petit peu plus dans moi ce que je veux faire et la façon dont je vais aborder les éléments. Et d'ailleurs, ça m'a même forcé vers la fin à changer d'arme. Tu vois, parce qu'il y a un boss où si tu le tapes beaucoup, en fait, il fait des trucs et c'est mieux d'avoir une arme qui frappe fort à ce niveau-là. Encore une fois, pas trop de spoil, mais voilà, il y a des trucs vers la fin où j'étais surpris en bien, et du coup, ça fait que je m'y retrouve. Okay. J'aurais pas craché contre un niveau de difficulté supplémentaire
où il y a des patterns en plus. Ah, tu oui. vois, pas oui. forcément des boss ouais. qui ont toi, genre toi t'as moins de c'est, points de vie. C'est et du taf, mais oui, ils auraient pu éventuellement avoir un mode challenge quoi. Voilà, enfin, c'est pour ça. Je l'ai oui, même oui, pas non plus. Ça, hein, alors... ça aurait pu contenter peut-être les. Alors niveau, c'est déjà très bien ce qu'ils ont fait. Des patterns en plus ou juste voilà. le fait qu'effectivement, par exemple, c'est un seul point de vie ou un truc vraiment un peu challengeant. Ouais, alors là, un seul point de vie, ça aurait quand même été. Ouais, mais bon, si les gens c'est ce qu'ils veulent, tu vois, de la difficulté. Oui. Tu peux effectivement peut-être que ça aurait pu les satisfaire. Moi c'est totalement l'inverse. Moi c'est tout le début du jeu que j'ai trouvé vraiment assez dur. Hein. Et après j'ai roulé dessus tranquillement. Quoi. De toute façon, Julien, t'as dit un truc super intéressant qui est que le jeu n'est pas facile. Enfin, non, je veux dire, c'est, pas ça, c'est que le jeu n'est pas utile. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve. Enfin, que du coup, je recontextualisais ton expérience qui n'est pas pour moi pas du tout normale et que les autres joueurs qui aussi trouvent qu'il y a pas assez de challenge etc. Le jeu, il en a du challenge. Genre là, moi je suis pas hyper concentré parce qu'on fait le test etc. Bah, ouais. Mais voilà, je meurs quand même pas mal de fois, tu vois. Et voilà, je suis pas non plus très concentré, je vais pas aller. Non, mais bon, quand même, le jeu est loin d'être facile. Tu peux pas donner ça à quelqu'un qui n'est pas un vrai joueur. Il n'y a pas de vrai et de faux joueur, mais je veux dire, un joueur un peu plus casual, à l'habitude, il va se faire massacrer. Le jeu est quand même dur. Hein, d'ailleurs, bah, moi, c'est un jeu que je conseille pas à ma copine, ouais, voilà. qui, elle, aime pas trop galérer, aime pas trop le challenge. Et pourtant, elle aime bien ce type de jeu. Quoi. Et oui, et elle a adoré Tunic, pour le reciter, parce que Tunic, il a un mode invincible. C'est ça, il a un mode d'accessibilité. Voilà. Oui, sinon, elle aurait jamais pu le faire, en fait. Elle aurait jamais pu le faire, effectivement. Ouais. Et donc, et là, Death Door, bah, l'univers est incroyable et tout, mais, eh bien, je peux pas lui faire jouer ça, elle va péter un câble très très vite. Ouais. Donc, parce que, du coup, c'est presque... Moi, les propositions que font comme des jeux comme Celeste ou, bah, du coup, Tunic... proposer l'alternative pour ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête. Céleste l'avait pas à la sortie, hein, ils l'ont. Si, Céleste l'avait direct à la sortie. Mais c'est quoi qu'ils ont rajouté? Ils ont rajouté un truc après. Non, ils ont rien. Enfin, c'est pas là-dessus qu'ils ont touché les trucs. Okay, vraiment, Céleste dès la sortie, et c'était d'ailleurs salué par tout le monde. C'était d'autres options en tout cas qui permettaient de vraiment faciliter le jeu. Là, t'as rien du tout. T'as quand même plusieurs modes de difficulté, hein, je crois que. Là, on est Non. T'as des paramètres d'accessibilité, mais t'as pas de fondamentalement de difficulté. Une expérience. Non, mais enfin, en vrai, faire plusieurs modes de difficulté, c'est beaucoup de taf. Ils sont oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Donc, non, mais du coup, c'est pas étonnant qu'il y en ait pas spécialement. Après, ils auraient pu l'ajouter après, bon, ça n'a pas été fait. Mais c'est vrai qu'on peut se dire que dans un monde idéal, il y aurait pu avoir un mode hardcore et un mode invincible, ou presque, pour faciliter. Voilà, après, je sais que. Je suis demandant là-dessus parce que c'est le genre de truc où moi ça m'aurait décuplé le plaisir, mais bon, comme tu dis, enfin, c'est du taf. C'est l'expérience que tu. Oui, bien sûr, mais après, je suis aussi totalement conscient du fait que c'est du taf. Ils ont déjà mis longtemps à faire leur jeu, ils sont contents de leurs difficultés et du design qu'ils font, donc à partir de là, je peux que respecter. C'est une proposition, après, tu l'apprécies. Et puis pour le coup, le jeu est 100% aligné et réussi par rapport à la proposition qu'ils veulent de base. Et ça, c'est assez rare aussi. C'est-à-dire qu'ils proposent ça, effectivement, ça plaît plus ou moins. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils veulent faire dans leur intention. Et quand tu joues au jeu, moi, c'est exactement ce que je retrouve. Donc, je trouve que ça, à ce niveau-là, c'est vraiment réussi. Et moi, c'était suffisamment challengeant pour moi. Enfin, pas parce que je voulais, ça a été ni trop peu, ni trop. Ouais, moi, c'était bien. Ni pas assez. Voilà. Et puis, genre, par exemple, il y a deux genre le boss final, je sais pas le temps. Donc, il y a quand même quelques boss final, moi, non, ça. Non, j'avais dit que je parlais pas des boss parce que c'est après. Ouais. Désolé, j'ai fait une autre sans ma propre règle. On y arrive. Avant ça, du coup, juste pour dire que cette philosophie, globalement, elle leur permet de créer des jeux. Ou le cas du joueur qui en fait va abandonner parce qu'il est frustré après 20 essais n'arrive pas. Alors sauf comme je disais, si t'es vraiment plus casual ça va arriver, mais si tu as un peu l'habitude de ce genre de jeu, ça va pas arriver. Et du coup ils trouvent ça aussi plus amusant de développer un jeu comme ça. Donc voilà, pour eux c'est un jeu qui est intense en son cœur, mais accessible malgré tout. Un autre petit point, du coup à la manière des Souls de cette fois, c'est qu'il y a aussi toujours moyen d'aller faire autre chose pour level up un peu si on bloque sur un passage en particulier. En réalité, c'est quand même assez limité, on n'en a pas forcément besoin, mais c'est toujours agréable d'avoir la possibilité si jamais... Ouais, comme on le disait, finalement, c'est pas si simple de level up, je veux dire, c'est assez long de farmer quand même les... Oui, c'est parce que t'as besoin de 600 âmes au bout du niveau 2 et les ennemis te donnent une, deux, trois âmes au départ. Ouais, mais si tu veux, t'as besoin d'aller augmenter d'un cran ton truc, tu vas pouvoir y aller, ou tu peux toujours en faire quelques trucs, mais je suis d'accord que c'est pas très développé, un minimum, là. Et, disons qu'il n'encourage pas ça à travers ses mécanismes. Surtout que si tu vois pas plus que ça la différence... Oui. Oui, en plus. Donc, l'investissement n'est pas nécessaire. Ouais. Donc, David nous dit enfin, nous vous offrons également toujours d'autres options si vous êtes bloqué sur un boss, une section particulièrement difficile. Vous pouvez toujours revenir en arrière et explorer plus de monde pour récupérer des âmes et des améliorations, augmentant un peu le niveau du personnage. Genre, par exemple, retenant les niveaux avec un nouveau pouvoir, si tu l'as pas fait.
Et à l'opposé, toute personne qui souhaite une expérience plus difficile peut jouer l'ensemble du jeu avec le parapluie. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Ah, mais non. Et là, le mode difficile. Ouais. Oui, parce que en fait, le parapluie, quand je l'ai chopé la première fois, je l'ai pris, je l'ai utilisé, j'ai fait. C'est nul à chier. C'est le but. Oui, bah du coup. Et en fait, du coup, ils ont vraiment fait beaucoup d'itérations sur la difficulté, notamment via des playtests pour que le jeu soit accessible. Et ils ont surtout nerfé les boss. Notamment Betty qui était bien plus difficile à la base. Alors c'est marrant parce que c'est le boss que toi t'as roulé dessus et moi c'est celui qui m'a un peu le plus tué. Bah justement les boss parlons-en, ils sont, moi je trouve qu'ils sont souvent hyper cool et ils sont clairement tous uniques. Personnellement par contre je trouvais justement que la sorcière c'était clairement le plus difficile des boss. Enfin à part des trois boss on va dire. De donjons. Et Betty, difficile, parce que tout le monde dit Betty, c'est le boss le plus difficile du jeu. Donc toi, tu es d'accord avec ça? Ouais. Et je vais expliquer pourquoi. Et moi, pas du tout pour moi. Je l'ai eu du deuxième coup et beaucoup trop vite et j'ai été vraiment hyper déçu. Ce qui fait que pour moi, c'est le seul boss du jeu que je trouve pas bien parce que bah, il m'a pas du tout challengé. Et pour le coup, là, je vous rejoins sur les boss, j'ai quand même envie d'être challengé. Et la sorcière m'a bien challengé. Le deuxième boss, bon, je l'ai first try, mais je trouve qu'il est quand même cool parce qu'il a plein de phases et tout. Donc. Et j'ai quand même transpiré tout le long du boss, donc j'ai vraiment apprécié, il est long. Mais alors Betty, je l'ai éclaté, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Quoi. Alors, donc, en fait, sur les trois boss, le truc de la sorcière et du deuxième boss, puisqu'on ne dévoilera pas plus que ça, fait, le truc, c'est que les patterns apparaissent tous les uns après les autres. Donc en fait, tu sais qu'après avoir eu cette attaque, tu vas avoir cette attaque. Et puis après, tu vas avoir cette attaque. Et en fait, ça rend les combats... pas forcément monotone, mais une fois que... En fait, moi, ce que je fais, la façon dont je fais les combats en général, c'est que j'attaque pas le boss sur ses patterns au début et j'essaye de voir quand est-ce qu'il est disponible pour que je puisse le taper. Trop intellectuel. Ouais, et donc que nous, on le tape, quoi. On va taper direct. Et donc, une fois en fait que j'ai la lecture de pattern, je fais « Ok, j'ai compris comment je peux le défoncer. » Et le truc, c'est que une fois que tu as vu les patterns des boss, bah, ils vont les faire dans le même ordre à chaque fois. Et donc, une fois que tu as cette lecture-là, c'est très difficile. Enfin, tu peux te faire toucher, mais disons que c'est très difficile de perdre face au boss parce que tu as une lecture générale qui est très claire. Oui, alors, comme je te dis, moi, Betty... Oui, c'est ça. C'est... Comme je te dis, moi, je ne fais pas d'erreur. Avant Betty, aucun boss ne m'a touché. Ouais, d'accord. Ouais, et le truc, c'est que Betty m'a tué deux fois et j'étais... Parce qu'elle a des mouvements plus aléatoires. En fait, elle est beaucoup plus rapide que les autres. Parce que comme je disais, là où les boss sont très bons, c'est dans la lecture de pattern. Ouais, et surtout, ils sont très bons là-dedans parce qu'il n'y a pas de décalage. Quand on parlait d'Elden Ring, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les boss, on disait que les boss, ils ont souvent tendance à faire et à attendre bien 50 ans avant de te toucher, c'est d'abattre le coup et tu sais jamais du coup véritablement quel est le timing qu'ils vont adopter. Or là, au contraire, c'est hyper lisible en termes de timing, tu sais exactement quand ils vont te toucher parce que ça va jamais changer. Mmh. Et du coup, c'est très lisible et parfois même un petit peu trop. Et c'est pour ça que j'aurais pas craché contre 2-3 patterns supplémentaires, voire un changement dans les patterns au sein des trucs ou une petite variation, parce qu'une fois que tu as cette lecture du boss, c'est... Du coup, ça devient, pour moi, beaucoup plus facile, peut-être même un peu trop. Ok. Et du coup, sinon après, il y a les deux derniers... Betty. Ouais. Oui, parce que toi, t'as douillé aussi. Ah, moi, j'ai douillé de ouf sur Betty. C'est... Mais du coup, t'as pas expliqué pourquoi t'as pu se douiller sur elle. Bah, parce que je disais, en fait, ses mouvements sont moins réguliers, un peu plus... C'est plus aléatoire. C'est un peu plus aléatoire. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, il les lisait moins bien et... Et voilà. S'est fait toucher. Je suis assez d'accord avec ça, mais c'est plus aussi qu'elle est pas facile à esquiver. Parce que sans trop dévoiler les mécaniques du boss en lui-même, c'est qu'en fait parfois il y a des roulades et elles sont difficiles à appréhender, je trouve, sur ce boss. Elles sont pas faciles à appréhender, pourquoi? Parce qu'en fait la direction dans laquelle le boss part à ce moment-là, c'est la direction dans laquelle elle part dans ta direction au moment où elle arrive sur le sol, c'est quand ça. Elle a fini de sauter. Et en gros, là, c'est pas intuitif parce que dans l'idée, toi tu vois le boss sauter. Mmh. Du coup, tu commences à esquiver pour que pas qu'elle part dans ta direction. Et en fait, en termes de timing, c'est quand tu termines ta roulade qu'elle commence. Et là, du coup, elle va directement sur toi. Donc après, une fois que j'ai capté ça, c'était assez facile à le battre, mais avant ça, je comprenais juste pas. J'arrivais pas. Je prenais trop cher. Par contre, je trouve que c'est le boss le moins intéressant visuellement. Visuellement, moi, je trouve que c'est le moins intéressant tout court. Même s'il m'a défoncé, j'ai pas trouvé intéressant. Oui, non, c'est pareil. En fait, tous les patterns sont déjà vus dans d'autres jeux, plutôt classiques qu'au classique.
C'est aussi vrai dans une certaine mesure pour les autres boss. Non, la sorcière a des patterns stylés quand même. Oui, mais ça reste ses patterns. Va inventer des nouveaux patterns dans les vidéos en 2020. Ses patterns sont plutôt classiques, mais la présentation autour l'est moins. Par contre, Betty, non seulement ses patterns sont classiques, mais en plus sa présentation. Moi je mets les deux ensemble. Donc ça fait que du coup. Le deuxième boss, c'est plutôt. Bah oui, c'est des patterns que tu as déjà vu dans le jeu vidéo, mais le tout fait que ça fonctionne. Moi je dis que je les aime bien celui-là. Mais puisque du coup Betty, c'est vraiment. Ouais, c'est une petite arène, pas très intéressante. Voilà. Le truc en lui-même est pas... Et en plus, c'est le build-up que je trouve moins bon du jeu aussi par rapport au boss. Vu que c'est 3ème sur 3, t'attends vraiment un truc trop cool et au final, c'est un peu décevant. Moi, je pense que dans l'idée, ça aurait pu être cool. Mais bon, voilà, je trouve que ça ne fonctionne pas trop. Par contre, il y a les deux derniers boss du jeu, heureusement, en revanche, qui eux sont sacrément stylés et qui comportent leur part de challenge. Et voilà, je sais pas si vous Alors, moi, l'avant-dernier boss, c'est clairement mon boss préféré du jeu. C'est lui qui, je trouve, a des patterns vraiment cool, stylés. Sa mise en scène est super, la musique... Enfin, en fait, tout l'enrobage est génial. Et en plus, c'est vraiment un boss qui, si t'es à 4 PV, challenge vraiment, quoi. Il rigole pas à ce moment-là. Et il y a justement un mix dans les patterns, dans la façon dont il bouge, etc. Qui m'a beaucoup surpris et qui, à plus d'un moment... c'est vraiment un boss... c'est le boss qui m'a mis le plus en difficulté. Contrairement au dernier boss. C'est pas Betty du coup. Enfin, non, c'est vraiment celui-là. Betty, c'est dans les trois premiers que j'attendais. Mais c'est lui qui m'a le plus mis en difficulté. Le dernier boss, par contre, lui, je l'ai trouvé un peu trop simple. Surtout par rapport à cet avant-dernier boss. En fait, je l'ai eu du premier coup aussi. Je l'ai eu du premier coup et il m'a touché qu'une fois. Donc j'étais un peu déçu par rapport à ça. Son build-up. En termes de boss, là par contre est super cool parce que il a vraiment beaucoup de patterns, il est long et surtout il utilise absolument toutes les techniques du jeu et pas de manière un peu putassière en mode maintenant fais ça, c'est plus comme t'es dans une espèce de fuite en avant pour battre ce boss et qu'il y a une véritable tension dans la musique, dans la présentation, etc. J'étais vraiment à fond dedans sur ce boss là, même si j'aurais pareil préféré un petit peu plus de... Pour l'avant-dernier boss, la mise en scène est insane. C'est fabuleux, enfin, direction artistique, mise en scène, c'est juste incroyable. Le boss est vraiment très cool à combattre. C'est un très bon moment de jeu vidéo, franchement. Le plus marquant du jeu, je dirais même. Et puis, tout simplement, c'est vraiment un excellent moment. Parfois, il n'est pas très facile à esquiver non plus. Parce qu'il est très ample, et parfois tu sais pas trop où est la hitbox. Donc ça c'est le petit reproche que j'aurais à lui dire, mais franchement c'est pour pinailler, parce que il rentre bien. Voilà. Et le boss final. Et le dernier, moi je suis pas sûr à trop galérer, mais j'ai quand même recommencé à quelques reprises, et heureusement il a beaucoup de checkpoints dans sa... Il a un seul checkpoint en fait, mais... Un ou deux. Il en a... Alors en fait, comme il est en plusieurs phases, si tu veux, certaines phases ont plusieurs checkpoints. Oui, c'est un peu ça. Mais comment tu sais, t'es même pas mort. Moi qui suis mort, je peux te dire, il y a un seul checkpoint. J'ai vu des gens y jouer. Tu recommences Alors, il y a peut-être plus avant le checkpoint ou le premier checkpoint que j'ai vu, mais je suis pas sûr. Et vraiment, tu recommences tout à chaque fois. On en parlera. Parce que vraiment, moi je l'ai refait, je pense que je l'ai bien fait peut-être une dizaine de fois. Donc, je peux te dire que t'inquiète, tu recommences tout à chaque fois. Et en fait, je mourrais. La dernière phase à chaque fois, tout à chaque fois, vraiment. Mais j'ai kiffé, c'est vraiment un très très bon boss. Pour le coup, moi je le trouve largement assez difficile. Moi ce qui m'embête dans ce boss, c'est plutôt qu'il reprend beaucoup de patterns des boss précédents. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça fait que tu connais, c'est pas très surprenant. C'est ça, c'est un peu le but, je pense, c'est un meeting pot. Mais je suis d'accord, ça aurait pu être sympa aussi d'avoir... Et par contre, il y a en endgame un autre boss. Qui est vraiment cool. Ouais, très cool. Plus difficile aussi, qui a des patterns vraiment inédits et qui challenge un peu. C'est ouf comme ça veut rien dire la difficulté, on a tous des trucs hyper différents quoi. Bien sûr. Toi tu dis plus difficile, moi je les one shot. Après. qui est plus difficile dans ses patterns, je trouve. Oui, pas forcément dans le boss. Du coup, moi je trouve. En fait, c'est parce qu'il arrive aussi tellement tard dans le. Tu peux pas te. À ce moment-là, t'es blindé. Moi pareil, l'avant-dernier boss. Oui, vous avez mis grave en difficulté. Moi, je pense que je l'ai eu peut-être troisième coup, tu vois. Donc en fait, c'est la preuve, nos trois expériences, qu'en fait. Bien sûr. La difficulté, c'est le truc le plus difficile à. Ouais, mais il y a des jeux où tout le monde est à peu près d'accord, mais là, d'abord, personne n'est d'accord sur le canapé. Donc, c'est ça qui est assez amusant aussi, quoi. Après, Yann, il est hors catégorie. Oui, c'est vrai. Mais il représente une frange de joueurs hors catégorie. Donc oui, parce que. En fait, c'est un des trucs aussi à dire. C'est-à-dire, en combien de temps vous avez terminé le jeu?
C'est vrai, c'est important. Parce que j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai pas parlé du fait que tu l'avais fini en 2 heures, mais oui. Non, alors moi j'ai mis 8h40 pour le 100%. Oui, mais c'est, le 100% c'est pas ça qui est important, c'est que t'as mis, je sais plus, 6 heures pour. J'ai mis, ouais, 5 heures, pas loin de 5, fin de 5h, début de 6h pour terminer le jour. C'est ça. Mais du coup, j'en ai parlé tout à l'heure, de la durée de vie normale qui est plutôt autour de 8-10h et 10-12h pour. J'ai mis 10-12h. Pour le 100%. Mais ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on va avancer. D'accord. Excuse-moi, j'étais passé à côté. Bah, moi non plus, moi aussi, et du coup, j'ai pas parlé de la. Cette durée de vie là. Moi, du coup, j'ai mis bien 10 heures pour finir le jeu et, et rajouter 2-3 heures, ouais, 15 peut-être, pour aller au 100% quand même. Voilà, donc c'est à peu près cet ordre d'idée là. Donc en gros, ce qu'ils disent pour les boss en philosophie globalement, c'était votre premier essai sur un boss doit provoquer quelque chose comme ok, c'est sérieux, ça va me challenger, mais dès que tu deviens plus habitué et que tu connais un peu, alors tu vas réussir à le battre. Moi, globalement, je trouve ça plutôt. Et leur but, c'est vraiment que les patterns soient tout à fait lisibles, c'est ça? Ça, ils le disent pas, mais. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui le, qui le mentionnait. Enfin, moi, j'ai vu une vidéo sur. C'est possible, hein. Parce qu'ils ont lu, ils ont eu énormément d'interviews, de trucs et tout, donc c'est pour ça que c'est un test 30 déjà. Et j'ai pas. Je suis probablement passé à côté de certains. Que c'est le but, c'est d'avoir des patterns aussi évidents, aussi faciles à comprendre, aussi découpés. C'était vraiment tout un travail qui était fait pour. Dans cette optique-là. Ouais. Et du coup. Et que oui, ça, le but c'était pas de te surprendre. Et du coup, c'est aussi le reproche que tu fais, mais derrière c'était. Ah, c'est une volonté de design, tu vois, c'est juste après. Moi j'ai des demandes. J'ai des besoins. Voilà, c'est ça. Ils me regardent plus, ces développeurs. On va parler maintenant du level design, des secrets et du endgame. Ce qui est un point hyper important pour ce jeu, le level design, ce genre de jeu, hein, le level design, clairement. Et pour cela, on peut commencer par le fait que bah, y a pas de carte pour se repérer dans le monde. C'est un choix qui peut paraître un peu surprenant de prime abord, mais en fait, on se rend très rapidement compte qu'il n'y en a pas besoin. Parce que les niveaux, ils sont assez condensés et assez compréhensibles visuellement pour pouvoir s'y retrouver sans carte. C'est ça, il y a plein de points de repère en fait qui te permettent très vite de te repérer. Ouais, et en fait, même, c'est, mettons, tu t'es paumé. En réalité, tu retombes très vite sur tes pas, c'est-à-dire qu'en quelques salles, tu te dis très vite « Ah oui, je suis là ». Totalement, mais c'est vraiment un choix qu'ils ont fait consciemment. Ils disent « Personnellement, je n'aime pas les cartes dans les jeux. Récemment, au cours des 2 dernières semaines, j'ai joué à Hollow Knight, parce que beaucoup de gens ont comparé notre jeu à celui-ci, et j'y avais jamais joué auparavant, alors je pensais que je devrais essayer. Et c'est génial, mais avec les cartes, la chose que je me surprends à faire, et c'est quelque chose que je me surprends à faire avec tous les jeux qui ont des cartes, c'est regarder la carte tout le temps en fait. » Et de ne pas vraiment intérioriser la structure du monde parce que je sais que je peux toujours me référer à la carte à tout moment. Et je pense que si vous n'avez pas cela, bah ça force le joueur à être plus conscient de son environnement et à faire une note mentale au passage, des monuments, des paysages et simplement des points d'intérêt où vous pouvez vous dire que où vous êtes à partir de là. Des jeux comme Dark Souls font ce genre de choses, ce qui est peut-être un peu plus difficile à faire dans notre jeu en raison de la caméra qui est isométrique, mais je préfère définitivement ce genre de style. Et puis il dit aussi, et puis avec la carte, l'avantage c'est que les joueurs ils peuvent trouver aussi les jeux, les secrets très facilement parce qu'ils se disent oh bah j'ai juste à aller ici pour avoir un nouveau pouvoir, machin, parce qu'en fait sur la carte ils voient où ils sont pas été, et etc. Donc en fait pour eux ça enlève un peu de l'exploration et de la découverte qu'on peut avoir de manière plus organique pendant qu'on joue quand t'as pas de carte quoi. Bon, surtout ce jeu là il en a pas besoin en fait. Oui, c'est beaucoup trop court et condensé pour qu'il y ait besoin de ça. Bah, Hollow Knight, ça me paraît vraiment nécessaire. Oui, bien sûr, clairement. Mais c'est vrai qu'en fait, quand t'as une carte, tu passes ton temps à la regarder. Quoi. Ouais, enfin, dans un jeu où t'as besoin, tu passes ton temps à la regarder. Quoi. Dans un jeu où t'as pas besoin, tu la regardes assez peu. Enfin, dans Tunic, tu la regardes pas trop souvent la carte. Hein. T'en fous un petit peu. Hein. T'en as besoin quand tu veux aller à un endroit spécifique, tu regardes un peu ton chemin de loin, mais sinon, tu. Tu regardes pas quoi. Ouais, moi je la regarde quand même assez régulièrement, pas autant que dans un Hollow Knight évidemment quoi. Et pour parler des secrets, bah, c'est vrai qu'ils sont pas faciles du tout à trouver. Alors entendons-nous bien, on va en trouver plein tout le temps, si on cherche bien, tu trouves des secrets un peu partout tout le temps, et c'est très rewardant. Tu n'es plus moins français. On nous récompense assez facilement. Récompensant. Mais par contre, les sanctuaires qui te permettent d'augmenter ta vie, ils sont vraiment bien planqués, et il y a aussi parfois de vraies belles trouvailles de level design. Genre comme par exemple dans la salle de bain du manoir ici, il y a un truc à faire, c'est hyper malin. Et il y a plein de trouvailles comme ça, de trucs qui sont vraiment. Et c'est pas forcément caché de manière méchante, tu vois, c'est juste. Non, c'est juste, c'est malin. Si t'arrives à regarder, en fait, faut observer. Ouais. C'est pas genre, faut que tu fasses ceci, cela et cela, et c'est caché. Non. Et comme je le disais à un moment, bah, le jeu il est malin dans le sens où bah, là tu fais le manoir, à la fin, enfin à un moment dans le manoir. Tu vas récupérer la possibilité de balancer des boules de feu et en fait, si tu refais tout de suite le niveau avec cette capacité-là, bah, tu vas pouvoir le 100% le niveau. Mmh. T'as pas besoin en fait d'avoir tous les trucs du jeu, ce qui fait que ça t'évite, comme dans certains jeux, où tu vas te dire bon bah allez, je vais refaire le niveau, puis après tu vas devoir le refaire une deuxième fois et en fait finalement, moi ce que je fais, c'est que je les refais jamais
Parce que tu te dis, je vais retourner plus tard à la fin du jeu, et en fait, soit t'es motivé par le jeu et tu le fais vraiment à la toute fin, soit t'as la flemme. Voilà. Mais même si le monde là de la sorcière, avant ça, t'as besoin du dernier pouvoir pour pouvoir 100% lancer. C'est juste le manoir en lui-même. Voilà, je parle vraiment du donjon, c'est vrai que voilà, t'as quelques petites exceptions probablement à ce que je viens de dire, mais elles sont vraiment petites. Globalement, c'est une belle mise en scène. Donc voilà, ouais, ça c'est assez malin. Et c'est aussi un autre truc qui est plutôt cool, c'est que tu peux tout accéder à tout depuis le hub central et donc aller très vite un peu partout. Globalement, il y a assez peu de il y en a forcément un petit peu, mais il y a assez peu de backtracking quand même, c'est quand même assez limité. Et un truc que je trouve vraiment hyper malin, c'est qu'il y a des personnages qui vous donneront des indices pour trouver tous les sanctuaires et toutes les graines du jeu. Ouais, oui. c'est et ça, c'est vraiment trop bien parce que ça m'a permis de tous les trouver sans regarder une solution en fait. Et c'est génial parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe quand t'as envie de 100% un jeu et que t'as pas, qu'il te manque 3 sanctuaires, 4 graines, mais tu vas regarder une solution évidemment. Mmh. Et du coup, à ce moment-là, en fait, le jeu il part du postulat implicite. Hein. Bah, plutôt que les joueurs regardent une solution, on va aller leur donner des indices. Et c'est trop bien parce que le mec il va te dire, ah par exemple, est-ce que t'as regardé à côté de, à gauche de l'entrée du manoir ou là où le soleil se couche, tu vois. Enfin, alors, et du coup, tu t'y vas, tu vas voir, et en fait, tu fouilles un peu plus à cet endroit, et bam, tu tombes sur le secret. Et t'as pas que ça, en fait, t'as même des objets dans ton inventaire qui t'indiquent où sont les trucs, si t'en es proche ou non. Ça, il y en a très peu, c'est un truc que j'aurais aimé. Il y en a deux. J'aurais aimé que, mais en fait, tu ramasses plein d'objets un peu qui servent à améliorer le lore, enfin, à approfondir le lore. Et ça, c'est un de mes regrets, par contre, j'aurais aimé qu'en fait, il y ait beaucoup plus de trucs comme ça, notamment, il y a un objet que tu trouves ici qui te permet de débloquer un secret, etc. Et j'ai trouvé ça hyper cool, c'est vraiment trop cool et j'aurais voulu qu'il y en ait plus comme ça. Ça m'a un peu manqué au niveau des énigmes, que ce soit un peu plus poussé à ce niveau-là, je pense que c'est un truc sur lequel ils peuvent s'améliorer. Mais en endgame, il y a quand même de belles énigmes, il y a de beaux trucs, etc. Attends, on n'est pas encore sur le endgame. mais là, vraiment, je parle vraiment des secrets du jeu. Et je trouve aussi que c'est dommage que, pour tous, notamment les objets à trouver, il n'y a pas un personnage qui t'indique où ils sont aussi. En fait, ils poussent pas cette mécanique le plus loin possible parce que les objets, pour avoir le 100%, j'ai regardé sur une souffle, où ce qui c'était, tu vois, lesquels qui m'ont manqué 3-4, j'ai regardé où ils étaient parce que j'allais pas me refaire tout le jeu pour les trouver. Même si à la fin tu refais les niveaux très vite, au bout d'un moment c'est chiant quoi. Non, clairement. Après, cela dit, le jeu t'indique clairement où il reste des trucs. Oui, il t'indique le personnage. C'est ce qu'on fait en musique only parce que ça, je trouve ça très cool. Tout à fait. Ça, c'est quand même un grand moment de mise en scène du jeu quand tu penses que tu vas récupérer le pouvoir que tu attends, parce que t'es pas bête, tu sais très bien que tu vas récupérer un pouvoir. Et en fait, même si tu t'y attends pas, t'as un coffre là. Et le coffre, on connaît. C'est Zelda, c'est une convention. Zelda, il l'ouvre à la Zelda, tu vas forcément récupérer un super truc dedans. Et puis en fait, ça avarice. Et en fait, tu te fais bouffer. C'est trop drôle. Et ce coffre qui te bouffe. Et c'est incroyable parce que là, t'es dans le fond du coffre et du coup, t'as la serrure et tout. Enfin, j'aime pas tilter ça en fait. Bah oui, c'est la serrure du. En fait, t'as tout un jeu. T'as souvent des jeux autour de des portes et des. C'est vrai. Là, tu vois, les ennemis apparaissent via des portes. Des portes et des serrures, t'en as partout dans le jeu. Et donc là, t'as la serrure du coffre comme ça, c'est magnifique. Et t'as la musique qui se déclenche, qui est incroyable, on parlera de la musique après, mais... Et du coup, ce coffre-là, en plus, moi, ça me fait penser à tout ce qu'il y a dans les Ghosts and Goblins et Maximo, moi, c'est ça que je connais, parce que c'est le successeur spirituel. Oui, où t'as des coffres qui pouvaient te bouffer. Et t'as plein de coffres qui pouvaient te bouffer, tu sais jamais ouvrir les putains de coffres, c'était... Les mimiques. Et du coup, ça, c'est plutôt cool de revoir des trucs qui sont des hommages à plein d'autres jeux. Ça me fait penser à un jeu où t'as cette mécanique, mais je me rappelle pas lequel. Après, c'est un peu dommage qu'il varie pas à ce niveau-là. Oui, c'est-à-dire que le jeu fait vraiment ça jusqu'à la fin. Oui, après, tu le sais, ça devient un peu mécanique. C'est trop cool, parce que moi, j'adore ces moments. C'est un moment de challenge, de combat, en plus. Franchement, j'adore vraiment ces moments. C'est pour ces moments-là que le jeu, tu mets pas entre les mains de joueurs plus casual. Oui, totalement. Parce que ces moments-là, ça, tu peux rester bloqué. Ouais. Mais c'est aussi pour ces moments-là que... Alors moi, ça fait vraiment une expérience mémorable. C'est genre le truc clairement qui... Vraiment... Moi, ça me correspond. Oui, totalement. Ouais. Du coup, pour revenir vite sur les secrets, le fait de pouvoir les trouver un peu de manière organique comme ça, c'est vraiment très gratifiant. Et ils disent, pour moi, c'est plus intéressant de simplement regarder une carte que de simplement regarder une carte et de cocher des cases. Donc, c'est juste que... David et moi, on préfère faire ça globalement, que les jeux coulent de manière plus organique. C'est Marc qui dit ça. Et David, il complète.
J'aime penser que ce jeu est assez guidé au début, et puis grâce à la façon générale dont les niveaux fonctionnent, vous débloquez divers raccourcis, ça va vous aider à maîtriser les zones, et puis toute l'exploration approfondie elle vient plus tard, quand d'une part c'est facultatif, mais aussi si vous y... une fois qu'on est déjà, vous êtes déjà investi dans l'histoire en fait, et vous commencez déjà à connaître le monde, et c'est à ce moment-là qu'on va approfondir avec les secrets et tout. Et que tu as la compréhension de toutes les mécaniques. Et donc c'est un bon moment pour faire l'exploration approfondie, et vous laisser explorer partout, et voilà, donc c'est plutôt intéressant aussi. Et donc on a pas mal parlé des secrets et de comment ils s'imbriquent dans l'expérience, mais que vaut le level design globalement de l'aventure? Bah moi je trouve qu'il est assez scolaire, mais vraiment très bien foutu. Comme on l'a dit, il comporte des nombreux secrets et raccourcis, mais aussi de belles idées, bah comme celle-ci par exemple. Rien de révolutionnaire, mais on passe à un bon moment à parcourir les donjons du jeu. Moi le truc par contre, c'est que je pense que personnellement, le jeu il est jamais aussi bien que dans le manoir des urnes. Personnellement, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur dans le jeu pour ce niveau, artistiquement, musicalement, niveau design, ambiance, inventivité, gameplay. Il avait tout. Enfin, pour moi, c'était parfait. Vraiment 20 sur 20, quoi. Alors, moi, c'est pas tant le manoir des urnes, c'est le... Et derrière, le jeu, il fera totalement autre chose, mais je trouve qu'il atteint jamais cet état de grâce de nouveau. En tout cas, voilà. Vas-y, après, je suis entièrement d'accord avec ça. Vas-y. Avec ça, parce que, en fait, le reste est cool, mais pas aussi plaisant à parcourir que celui-ci. Et en plus, je trouve que, notamment, bah, le dernier donjon est beaucoup moins... bon dans l'ensemble que le précédent, qui était moins intéressant que le précédent aussi, donc le premier, et en fait, toutes leurs meilleures idées sont là, tout est plus organique, etc., et à la fin, c'est bien, mais c'est... tu connais aussi leur formule, et du coup, ils s'en démarquent pas, peut-être pas suffisamment par rapport à ce qu'on a déjà fait. Alors moi, c'est pas tant le manoir des urnes que là où on va aller juste derrière, où je trouve qu'il est plus retors, il a plus de pièges, plus de trucs un peu inventifs, etc., où il essaye de te piéger, que j'ai préféré. Le manoir des urnes, je l'ai trouvé bon, mais moi en fait j'ai beaucoup aimé les idées qu'il développe après, c'est-à-dire qu'il ne se repose pas sur cette mécanique très Zelda de va trouver les clés pour débloquer la pièce, etc. Oh, oui. En fait, il va plus loin, enfin il va plus loin, il va ailleurs par la suite plutôt que plus loin, et notamment dans le deuxième, il propose une fuite en avant dans un environnement que moi j'ai beaucoup aimé, parce que c'est vraiment un gauntlet de combat à ce moment-là, et faut y aller quoi, tu vois, le jeu il te met un rythme, il te met un truc, moi ça, j'ai enchaîné les combats à ce moment-là, j'étais à fond dedans, c'était, j'ai trouvé ça super plaisant. Enfin, moi j'ai bien aimé le truc, hein, surtout artistiquement et tout, c'est très cool. Mais par contre, ça m'a moins intéressé parce que mon intérêt pour le jeu est plutôt dans l'exploration, les énigmes, c'est vrai que dans les combats. C'est vrai que en fait, ce dernier donjon avant le deuxième boss, il est juste après une phase un peu plus d'exploration, un petit peu plus tentaculaire, effectivement, qui ressemble plus au manoir et qui du coup en reprend les idées et est un peu moins original. Ouais, après c'est une question. Ouais, voilà. Pour moi, c'est vraiment que le manoir il est très très original, quoi. Et du coup, forcément, bah, c'est difficile de topper ça parce que les deux autres donjons sont quand même plus classiques, quoi. Il y a aussi quelques énigmes, on en a un peu parlé, elles sont souvent assez simples, mais permettent de diversifier l'expérience. Donc voilà, j'ai parlé de celle de tout à l'heure que j'avais beaucoup aimé, et je pense que là-dessus, ils peuvent encore un peu s'améliorer. On va parler du endgame aussi, parce qu'il faut vraiment en parler du endgame de ce jeu. On ne parle pas toujours, mais là c'est très important, parce qu'en fait, une fois qu'on pense avoir terminé le jeu, et que techniquement bah, il est terminé, hein, on donne une clé, qui nous donne accès à une section du jeu bah, qui va rabattre complètement les cartes. Et là, il y a de nouveau tellement de choses à voir, c'est vraiment une très très grosse surprise. Moi je me suis repris une claque à ce moment-là en mode wow, en fait il y a un jeu dans le jeu, presque pas à ce moment-là, mais un peu quand même. Et bon, on va pas détailler pourquoi ni comment, mais pour qui restera un peu sur sa fin après avoir fini le jeu, on l'a dit un peu en filigrane, c'est vrai que quand tu finis le jeu, enfin moi j'ai fini le jeu, j'ai tellement adoré que j'ai voulu faire le endgame parce que je me suis dit bon, vraiment, j'ai envie de jouer un peu plus, j'ai envie d'en faire un peu plus, clairement. Et puis, et en fait, quand au pire, t'as pas raté grand-chose, donc tu te dis, je peux aller faire assez vite. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, clairement, je vais voir, et là, je fais, wow, mais en fait, il y a tout ça à faire et tout. C'est beaucoup plus que ce que j'espérais. Et voilà, et en fait, le truc, c'est que c'est assez long, comme on avait commencé à le dire déjà dans le test, de faire ce endgame. Alors, c'est assez long, oui ou non, ça dépend. Moi, ça a été assez court pour moi, en vrai, parce que j'avais déjà... quasiment, bah déjà les graines par exemple, typiquement, j'avais quasiment tout fait puisque j'avais deux donjons sur trois où j'avais planté mes graines. Bon, il restait le premier et c'est pas le plus dur ni le plus long, donc voilà. Et globalement, il y a pas mal de choses à faire. Là, pour le coup, par contre, j'ai utilisé une solution parce que sinon, il n'y a pas que ça à faire, c'est quand même assez dense et assez compliqué. Il y a des trucs qui sont un peu perchés, mais c'est cool, ça te permet. Il y a vraiment des surprises hyper intéressantes, je trouve, dans ce endgame. Il y a des trucs qui sont très cool, des trucs qui sont moins intéressants, mais globalement, ça t'en donne pour ton argent.
t'as clairement de quoi faire, et après, t'as assez mangé, quoi, clairement. Et je trouve qu'il se fout pas de ta gueule sur les énigmes, c'est vraiment, t'en as des compliqués, t'en as des plus simples, donc en fait, au fur et à mesure, de toute façon, le jeu est là pour t'aider, il est jamais retort parce qu'il veut l'être, il est toujours retort parce qu'il veut te faire développer, enfin, il veut développer une idée, et du coup, je trouve ça bien, et non seulement c'est bien à ce niveau-là, mais en plus, le jeu t'indique où tu as besoin d'aller et où il te manque des trucs. C'est ça, et ça, du coup, à quelle porte, quoi, les portes, elles sont surlignées quand il y a un truc à aller voir, donc ça, c'est vraiment hyper intéressant, et puis si vraiment t'as la patience de tout vouloir trouver tout seul, tu peux aussi, parce que c'est faisable, il faut juste un peu de patience. Moi, je suis un peu mitigé sur ce endgame, dans l'ensemble. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments que j'ai trouvé super cool, notamment il y a tout le truc avec le chef cuistot, etc. C'est hilarant, et puis t'as tout le truc à ce niveau-là est vraiment méga cool, tu fais des découvertes qui sont très très chouettes. Mais aussi pas mal de petites énigmes, des trucs qui sont beaucoup moins fun, t'as un truc pour ramener des personnages à certains endroits. Ouais, celle-là c'est la plus longue. C'est vraiment assez galant. Et en plus, il t'empêche de faire du voyage rapide à ce moment-là. Donc, mais ça c'est trop cool ça. Ah, le voyage rapide, moi je m'en fous, c'est pas le problème, c'est plus que genre du coup. Enfin, c'était long parfois et je le trouvais pas, et enfin ça m'a vraiment pris la tête, j'avoue, ce truc-là. Ah ouais, ah, moi j'ai kiffé. Le truc des... Faut amener les personnages, tu dois amener un personnage une fois à un endroit. Ah non, tu dois en amener 7. Ah non, ça, ce truc-là, ok, ça je suis d'accord. J'ai dit, le chef cuistot, c'était très bien. D'accord, très c'était bien. C'était le premier exemple. Oui, bah oui, mais du coup, ça me semblait contradictoire, c'est pour ça que... Oui, non, non. Non, le truc, t'as 7 trucs à amener des endroits, oui, ça, oui. Je trouve ça vraiment ça, pas... Ça, oui, ça, c'est et pas ça que c'est très barbatif. Non, non, ça, c'était trop bien. Du coup, et donc t'as des trucs comme ça, et puis moi j'avais pas compris qu'il fallait planter toutes les graines. Enfin, ouais. C'est après, erreur personnelle ou pas, parce que l'information elle est cachée derrière un truc, une très bonne énigme au demeurant, mais qui est volontairement faite pour que tu la trouves pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors tu peux la trouver tout de suite, et voilà, c'est faisable. Moi je l'ai trouvé tout de suite au final. Tu vois. C'est faisable. Mais je veux dire, c'est comme un petit peu retort, parce qu'il faut penser à fouiller un peu dans votre inventaire, il y a peut-être des infos, ce qui est pas... immédiat, enfin moi j'aurais jamais pensé, jamais regardé une seule fois les objets de mon inventaire quoi. Donc en fait, c'est pas du tout un réflexe que j'avais acquis, donc en fait même si j'avais trouvé l'objet, j'aurais jamais compris. Mais c'est parce qu'en fait quand tu ramasses l'objet, ils te le disent. Quand tu ramasses l'objet, ils te disent « Oh, il semble qu'il y a marqué quelque chose dessus. » Ah mais peut-être que j'aurais juste dit « Ah, il marque un truc dessus. » Ouais mais du coup, moi j'ai compris, j'ai été voir ce qu'il y avait marqué, il y a un indice. Il te le dit, il y a un indice quand même, il y a un indice qui est quand même évident, tu vois. Mais après derrière, oui donc on peut trouver, mais en tout cas c'est quand même assez caché, et du coup cette information-là fait que j'avais pas planté toutes les graines surtout au début du jeu, et après il fallait que je revienne partout pour planter toutes les graines. Ça c'est chiant. Et ça... Après les pots sont pas cachés, donc ça c'est un avantage. Non, heureusement. Quand t'en manques un, de toute façon c'est l'enfer pour retrouver. Même si il te dit basiquement où est-ce que c'est, mais il faut quand même faire la démarche d'y aller et tout. Donc moi, en fait, tiens, j'ai pris beaucoup de temps à faire ce endgame, plus qu'il n'aurait fallu. Et au début, autant ça m'a apporté la petite friandise en plus dont j'avais besoin parce que j'étais un peu resté sur ma faim, comme je l'avais déjà dit. Et j'étais très content d'y rejouer, il y avait plein de trucs que j'ai kiffé. Mais sur la long terme du endgame, à la fin, disons que je continuais à jouer au jeu, et c'était cool parce que j'aime bien ce jeu, mais c'était clairement les heures les moins fun de ma partie, quoi. Ouais, Et du coup, vu que ça s'est un peu duré, ça fait que ça m'a laissé rester un peu mitigé, parce que d'un côté, c'est cool qu'il soit là, c'est important, parce qu'on en a besoin, parce que il y a besoin de contenu, et en même temps, c'est un petit peu épuisant. Et du coup, j'ai l'impression qu'il m'a un peu gâché le jeu au final. Ah ouais ? Et... C'est triste quand même. C'est dommage. Moi, comme je me suis pas éternisé sur le endgame, c'est-à-dire que ça m'a pris à peu près 2 heures... Mais de toute façon, t'as fini le jeu en 5 heures. C'était pas pareil. Oui, mais en fait, même si tu veux, par rapport à ces 5 heures, j'ai passé un tiers de mon temps à faire du endgame et à chercher les derniers secrets, etc. Que, donc mine de rien, ça pourrait être... Plus que nous, quoi. Voilà, ça pourrait être important. Mais... dire de pas éterniser sur 2 heures, parce que c'est un tiers... Enfin, je veux dire, c'est... On a compris. Oui, voilà. Voilà. Mais moi, le fait est que j'ai trouvé le endgame assez simple, en plus correctement expliqué et... Pour des jeux comme ça, on a l'habitude que des fois le endgame ce soit hyper cryptique pour pas grand chose, pour que tu. Ah, pour trouver la porte de truc machin. Non, non. Là, ils évitent ça. Donc, ça fait que moi, pareil, j'ai plutôt une bonne expérience avec le endgame. J'en ressors relativement content. Même si c'est pas non plus. C'est peut-être pas mon endgame préféré. Le reward n'est pas.
Oui, donc, voilà. Faire à la fin, pas forcément après, l'effort. Après, ouais, faut le faire si t'aimes le jeu, pas pour avoir le payoff. De toute façon, moi, c'était pas pour le payoff, mais donc, oui, t'es quand même content de. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends et... vraiment le côté que ça a pu devenir. Enfin, ça devient lassant, c'est sûr. Quand tu dois tout refaire pour les graines et tout, c'est pas très intéressant. Donc, en fait, c'est normal d'en avoir marre au bout d'un moment, mais t'as quand même envie de continuer, donc t'es un peu pris au piège, quoi. C'est ça, c'est le problème. Ouais, c'est je comprends. Tu sais que t'es un peu en train de te cacher le truc, mais tu le fais quand même. Et du coup, quand on leur pose la question, comment ils ont conçu ce contenu endgame, et est-ce qu'ils craignaient que les gens participent pas au jeu, enfin à ce contenu, parce que il est forcément accessible qu'après avoir terminé le jeu, quoi. David y répond, je pense que le contenu post-jeu et juste les secrets en général ont toujours été la partie de la création de jeux qui nous passionne le plus. Ce sont les parties que nous mettons dans le jeu uniquement pour notre propre plaisir. Dans tous les jeux que nous avons faits, nous incluons ce genre d'éléments post-jeu. Celui de Death's Door est en fait assez fortement inspiré par un jeu Flash, pratiquement le premier jeu sur lequel Marc et moi avons travaillé ensemble. La moitié du jeu était après les crédits. Et c'est cette grande chasse au trésor, tout devenait mystérieux, et en fait c'est le même concept qu'ils avaient utilisé, et tout devenait mystérieux, et nous avons aimé créer cette partie-là pour ce jeu. Je pense que la joie de cela réside dans le fait que si seulement 5% de vos joueurs, vos plus grands fans, sont les seuls à avoir vécu cela, cela rendra le jeu d'autant plus spécial pour eux. Et ça, c'est vrai aussi. Et Marc lui dit plutôt autre chose à ce sujet. Je pense que c'est bien que la plupart des gens ne verront probablement pas ce contenu non plus. Nous y avons mis beaucoup de choses amusantes que nous avons apprécié créer, comme l'a dit David. Mais je pense que c'est bien de simplement faire en sorte que les gens jouent au jeu principal, et s'ils aiment ça, c'est cool. Et puis s'ils veulent aller faire des trucs supplémentaires, ils en ont l'option, mais s'ils le font pas, ça leur donne quand même l'impression que ce monde est plus grand, plus vaste, et qu'il y aura toujours des choses à découvrir s'ils veulent revenir plus tard dans le jeu, ce qui est intéressant aussi. Et enfin, David nous dit, c'est vrai que c'est bien que lorsque vous avez terminé le jeu, et vous avez décidé de passer aux autres choses pendant un moment, vous avez ce sentiment que si jamais vous décidez de revenir dans le monde un jour, vous pourrez toujours faire plus. Voilà. Et un dernier petit fun fact sur le level design, les niveaux, ils les ont entièrement construits en utilisant Unity Pro Builder. Pour la majeure partie, c'est un outil de level design très puissant, que d'ailleurs j'aimerais bien essayer un jour, j'ai jamais eu l'occasion, parce que je fais pas ce genre de jeu. On enchaîne sur la direction artistique et la technique du jeu. Alors artistiquement, le jeu il est vraiment magnifique, il possède une direction artistique de folie. Il envoie vraiment régulièrement du rêve. À ce niveau, le hub et son noir et blanc, percé de quelques rares nuances de couleurs, c'est vraiment particulièrement frappant à quel point c'est beau, quoi. Tu prends une claque dès que tu lances le jeu, en fait. Ouais, c'est ça. Le manoir des urnes, je trouve que c'est vraiment une tuerie aussi. La forêt, c'est un peu plus classique, mais elle fait vraiment le taf, elle est vraiment très jolie, quoi. Et la montagne, je trouve que c'est la direction artistique peut-être la moins marquante, mais elle possède aussi quelques fulgurances à certains moments. Oui, c'est exactement ça. Il y a quelques endroits où c'est très chouette, et d'autres où c'est... Plus attendu. Plus attendu, oui. En fait, ça ne démarque pas par rapport à ce style-là, où on a déjà vu ça dans d'autres jeux. Ah, c'est ça, ouais. Même si les jardins, tu vois, on a vu ça en plein de jeux, mais il est particulièrement charmant. Ah non, il est vraiment très différent de ce que tu vois usuellement, quoi. Ouais. Alors que la forêt, c'est ok. Ouais, il fait un peu un labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles, tu vois, dans l'idée. C'est vrai. Donc, la direction artistique, elle participe avec la musique à créer, du coup, une ambiance absolument unique, forcément. Et David, il nous dit, je pense que le cœur du jeu, cette fois-ci, ce n'est pas tant une mécanique de jeu comme dans Titan Souls. Mais c'est vraiment une sorte d'ambiance dans le monde que nous avons créé. Nous avons beaucoup travaillé sur le décor pour le rendre unique et distinctif, pour avoir cette ambiance très cohérente, où il y a un joli contraste entre des choses sombres et sinistres, mais aussi entre l'humour des personnages mignons et attachants. Pour moi, je pense que c'est le cœur de ce que nous recherchons cette fois-ci, plutôt qu'un cœur mécanique. Et c'est intéressant, tu vois, vraiment le cœur du jeu, c'est l'ambiance, quoi. C'est pas une mécanique. Ouais, c'est pas design. Voilà. Même si derrière, il y a tout le design qu'on a expliqué, eux, ce qu'ils voulaient, c'était un mood, quoi. Et le style artistique du jeu, il a été influencé par une multitude de médias, de Zelda à Dark Souls, en passant par les studios d'animation Ghibli, comme on en a déjà parlé. Il nous parle notamment de Baba Yaga, la vieille grand-mère du voyage de Chihiro, a clairement inspiré la sorcière. Et Pothead, c'est un hommage au chevalier oignon de Dark Souls. Et évidemment aussi. C'est vrai. J'y avais pas pensé, mais c'est évident une fois. Moi, j'ai pensé dès que j'ai vu. Ah ouais. C'est vrai que c'était... évident dans un sens. Et pour cette inspiration-là, Marc, il dit c'est venu plutôt de manière organique. Nous avions un lore bien établi sur le fait qu'il a un pot pour tête, et notre concept artiste a créé un design qui fonctionnait bien, comme un bel hommage à Dark Souls. Et la personnalité du personnage a également fini par avoir quelques clins d'œil à ce personnage-là aussi. Et
Il dit aussi sur le style artistique s'inspire des jeux avec lesquels nous avons grandi en jouant sur PlayStation et sur Game Boy, avec quelques influences issues de films et séries animées. Les environnements s'inspirent de la nature, mais sont également stylisés et réarrangés de manière inhabituelle pour rendre le jeu intéressant à explorer. Et techniquement, c'était un challenge pour eux de passer du pixel art 2D à la 3D, forcément, parce que bah, du coup, c'est pas du tout ce qu'ils faisaient avant et ils connaissaient pas quoi. Donc en fait, eux, ils aiment vraiment bosser avec des artistes, comme je vous l'ai dit plus tôt dans le test, c'est le seul truc qu'ils font pas, c'est vraiment la partie artistique. Donc ils aiment bien s'entourer d'artistes, et pour les jeux précédents, pas que le Titan Souls, mais tous les autres, c'était des artistes spécialisés dans le pixel art 2D. Et donc pour la 3D, ils avaient besoin d'un peu plus de monde, donc ils ont pris deux concept artistes à temps plein et un modeleur à temps plein. Deux artistes concept artistes à temps partiel, pardon, et un modeleur à temps plein. Donc ils ont galéré à vraiment éplucher tous les ArtStation pour trouver des personnes qui comprenaient et qui partageaient immédiatement leur vision du jeu. Pour eux, c'était vraiment très important, quoi. Donc le premier concept artiste, c'est Fritz Olsen, qui est aussi crédité en tant que directeur artistique d'ailleurs. Au moment de le recruter, David et Marc, ils avaient une idée très précise, assez précise et similaire du look and feel du jeu dans leur tête. Et après deux semaines de boulot, Fritz a rendu ses premiers artworks et en fait c'était dingue pour eux parce qu'ils ont tout de suite compris qu'en fait ils voyaient le jeu qu'ils avaient dans la tête pour la première fois sur ces concept art, quoi. Donc c'est plutôt rigolo. Et Marc il nous dit passer à la 3D ça a vraiment été un défi parce que en fait le workflow et la taille de l'équipe ils devaient vraiment changer. Et du coup sur ce jeu ils ont travaillé avec plusieurs artistes talentueux comme je viens de le dire. Et ils ont vraiment tout fait des concept art à la modélisation 3D, puis l'animation, implémenter le tout. Et du coup, c'était très différent du style pixel art de Titan Souls. En fait, une seule personne dessinait tout. Là, vraiment, il fallait un workflow de travail complet pour ça, quoi. Il dit, avec Titan Souls, nous avions un artiste qui dessinait tous les pixels et je modélisais moi-même les aspects 3D. Mais c'était du bricolage, alors que le processus actuel consiste à demander à un artiste de dessiner un objet, puis un modélisateur de modéliser et ainsi de suite. Donc voilà, ils ont aussi essayé de bosser avec un animateur au début, mais ça rendait le processus d'itération et de prototypage beaucoup trop fastidieux. Donc en fait, ils ont appris à faire l'animation eux-mêmes. Donc toute l'animation, elle est faite maison aussi. Parce qu'en fait, pour tester des trucs avec l'animation, fallait demander à l'animateur, non, change-moi ci, change-moi ça. Et en fait, vu que, comme on a dit, ils prototypent beaucoup, voilà, ils ont besoin de prototyper, de faire les animations, etc. Donc c'est pour ça, oui, ils ont appris ça eux-mêmes. Voilà, on en a rapidement parlé, mais du coup le jeu est développé sur Unity, donc c'est clairement une belle vitrine pour le moteur. Et techniquement, il propose un 60 FPS quasiment sans faille sur console, avec des temps de chargement inexistants. Encore heureux, j'ai envie de dire, vu la gueule du jeu, mais bon, ça fait quand même plaisir d'avoir un jeu qui est aussi propre. Ouais, des fois c'est pas le cas, hein. Tu te dis, putain, ouais, ce type de jeu. Toi, tu joues sur PC du coup, Yann. Ouais, moi j'ai joué sur PC. Moi, sur PS5, j'ai eu quand même quelques chutes de frame, mais après. Dans une certaine mesure, dans soit un boss, quand il y a beaucoup de. Moi, j'ai pas remarqué, mais peut-être que je les ai vus, mais sans remarquer. Ou alors j'ai oublié. Des faits à un moment donné, mais. Ouais. Après, en même temps, quand tu tapes des trucs, le temps se ralentit aussi, donc t'as tout un truc où il y a plusieurs ralentissements d'un coup, ce qui a l'impression que ça. C'est lié au final. Peut-être lié aussi. Ok. En tout cas, voilà, il possède vraiment un niveau de polish assez élevé. Et un exemple qui a retourné internet, c'est qui est assez marrant, c'est qu'en fait, quand tu coupes un panneau indicateur en deux, t'as le texte qui est également coupé en deux. Et c'est pas aussi simple à faire de couper un texte en deux. Il y a vraiment un gros niveau de détail dans le jeu et ça se voit en fait, hein, tu vois à tous les niveaux, le jeu c'est un jeu qui est polish. Ouais, t'as tout de suite envie d'y jouer parce qu'il est grave polish, quoi. Donc voilà pour cette partie là, on peut rapidement passer à la musique. Je suis d'accord pour dire que c'est magnifique. Oui, ouais, clairement, j'ai pas rien cité dessus sur le fait que c'est vraiment top. Ouais, c'est top, et puis plein d'environnements différents, les animations sont superbes, en plus d'être ultra variées et fluides. Et super mignon, dans l'ensemble, il y a plein de trucs mignons partout. Aussi. Même les ennemis, tu vois, t'as pas envie de regarder dessus. Aussi, ouais. Un peu. Et donc pour la musique, elle participe énormément à l'ambiance du jeu, elle est vraiment centrale, elle est entièrement composée par David, dont on a longuement parlé. Qui avait déjà fait la musique de Titan Souls. Ouais. Et lui, il a fait des études en sound design, mais toujours avec l'intention de faire de la musique pour les jeux. En fait, il a jamais vraiment eu l'intention de faire des albums ou quoi que ce soit, sauf pour faire dans le jeu vidéo. Quoi. Et la musique, franchement, elle est vraiment juste trop trop bien. Enfin, dès le début du jeu, elle m'a mis en transe, que ce soit de la relaxation comme le manoir des urnes, de l'épique comme le menu principal, ou encore de la tension épique comme dans la musique Avaris qu'on a très légèrement entendu. On fera entendre la musique du manoir des urnes juste après, avant la conclusion, parce que pour me faire plaisir. On verra. Et j'insiste. On verra. Et voilà, enfin non, bah, vraiment, cette musique, je l'adore, mais c'est clairement une de mes OST préférées de la décennie. Hein. J'insiste. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, bon, oui.
Bon, elle vient de commencer la décennie. Donc voilà, mais si on considère que c'est la décennie 2010-2020, moi, j'ai fumé l'OST, enfin à tel point que dans ma rétrospective Spotify de cette année, David Fenn est mon deuxième artiste le plus écouté. Ah ouais. Donc pourtant, tiens, on y a plutôt court, ton on y a joué vers la fin d'année en plus. Hein. Ouais, en septembre. Oui, bah c'est plus vers la fin d'année. Oui, oui, non, mais clairement, du coup, il y a deux mois quoi. Enfin, deux trois mois. Mais alors effectivement, vu que les morceaux sont assez courts. Et que quand t'écoutes l'album, bah, t'en écoutes beaucoup, ouais. Ça participe à ça. Et, si t'écoutes l'OST de Mirror's Edge Catalyst, le morceau font 20 minutes en moyenne. Oui, c'est ça. Tu peux l'écouter toute la journée et ça te fait 3 écoutes. Oui, c'est ça. Du coup, voilà, mais non, vraiment, enfin moi, j'adore cette OST. Elle est hyper variée, elle est hyper inventive, elle est surprenante, relaxante, épique. Enfin, il y a de tout, quoi. Il n'y a pas une seule fausse note, franchement, c'est... Ouais. Je la trouve vraiment, vraiment top. Et... Alors, moi, j'ai quand même des petites déceptions par rapport à l'OST, notamment du fait que j'avais déjà bien poncé celle de Titan Souls, ouais. Et notamment la musique qu'on a entendue tout à l'heure, qui est Avarice, qui est tirée d'un boss qui s'appelle Avarice dans Titan Souls, et qui était un des boss sur lesquels j'ai le plus galéré. Donc, c'est une des musiques que j'ai le plus entendue déjà à l'époque. mais en même temps... Telle quelle ou elle a été remixée? Elle est... Alors, non, elle a été un petit peu remixée, ouais, mais disons que... La base de la musique. Le trauma, il est là, forcément. Ouais. Alors, pas forcément le trauma, mais disons que vraiment la base musicale est tellement la même que clairement, tu vois, j'ai aucune surprise quand j'ai entendu Avarice, j'ai fait ah tiens, c'est juste, ah il l'a refait ici aussi, donc voilà. Est-ce que je retourne dans le manoir? Ou est-ce que. Ouais, vas-y, retourne dans le manoir, comme ça on va faire écouter la petite marche. Musique on du va manoir éviter... et je serai heureux. Ça marche. On veut te rendre heureux, on est comme ça, nous. Non, mais moi, la musique, t'as ça comme reproche ou t'en as d'autres? Alors, je trouve qu'en fait, non, il y a pas mal de thèmes qu'on a déjà entendus, et surtout que le style de Fern, il est hyper distinctif entre Titan Souls et Death Door. Finalement, il y a beaucoup de mélodies où son style, je le retrouve peut-être un petit peu trop. Okay. Alors, du coup, ça fait que c'est une... déception sans trop l'aide puisque la musique est quand même fantastique avec de super morceaux, mais disons que j'attendais parfois peut-être un petit peu plus qu'il aille. Moi, je le découvrais ici donc forcément. Voilà, c'est... mais ça joue énormément évidemment. Et du coup parfois j'attendais à ce qu'il se challenge un peu plus sur certains morceaux, tu vois, plus que reprendre ou au niveau de la rythmique, au niveau du thème, et on est vraiment tellement proche que j'étais. Ouais. Il est très bien ce thème, c'est dommage que je l'ai déjà entendu. Ouais, je comprends du coup. Allez, tu fais à côté. Allez, vas-y. Hop, excuse-moi, c'est parti. Et voilà, on est trop bien, c'est de la relaxation. C'est beau. Et si cette OST fonctionne aussi bien, c'est parce qu'en fait, elle est là depuis le tout début. En fait, David, il dit qu'une grande partie de l'ambiance centrale et de la bande sonore, de l'atmosphère particulière du jeu, elle est connue depuis le tout premier prototype en fait. Et la musique ainsi que le sound design étaient déjà assez polish dès ces premiers prototypes. Et ça leur permettait d'avoir directement le mood du jeu dès le début et de le maintenir tout au long de la production. En fait, c'est pour ça que tout marche aussi bien en tant que tel, quoi. Et le développement, il a commencé en 2018, mais il savait déjà que le thème principal du jeu, ce serait un thème que David, il avait déjà composé en 2015. Donc, tu vois, c'est pour Titan Souls. Non, je déconne. Pour ça aussi, peut-être que ça se ressemble s'il a composé les musiques déjà des années avant, tu vois. Ouais. Ah, oui, le thème, en tout cas, le thème principal sur lequel va tourner. Ouais, c'était voilà, ils avaient déjà cette idée de mood et tout en tête, donc voilà. Et ils disent lorsque nous avons commencé à ajouter des illustrations au jeu, les artistes disposaient d'une grande quantité de musique à écouter dès qu'ils commençaient. Et la musique a inspiré l'orientation de l'art, et il en va de même pour l'art qui après a inspiré la musique, forcément, quand tu voyais une fois que les artistes commençaient à faire produire des choses. Il arrivait que nous ayons une pièce artistique et que je crée un nouveau morceau parce que j'avais l'impression que la pièce artistique apportait une ambiance unique. Donc voilà, et l'OST dure 1h42 en tout et elle est disponible sur Spotify et tous les trucs. Et moi, affiliés. Une autre déception que j'ai, c'est que ma musique préférée de boss préférée, elle dure que 40 secondes. Et ah du bon coup, ouais. Ah, c'est... Et du coup, j'étais trop triste parce que je voulais l'entendre plus cette musique. Ouais. Tu vois, c'est une musique ultra mélancolique que je trouve vraiment superbe. Et en fait, elle boucle même pas. Alors ça, c'est un truc, c'est que l'OST ne boucle pas. C'est-à-dire que t'as qu'un seul, t'as qu'une seule dame musicale, alors que d'habitude dans les jeux, en tout cas, on a l'habitude d'avoir au moins une boucle compris dans la même musique. Okay. Voilà. Donc bon, on en a fini avec ce test. Toutes les sources qu'on a utilisées sont disponibles dans la description. Et je propose que Yann, tu commences avec ta conclusion. Attends, musique. Non, il a le droit de parler. La musique est vraiment cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Elle m'a surtout plu in-game. Genre in-game, elle m'a souvent transcendé. Je dirais qu'elle sublime la majorité des environnements, voire la totalité. Et puis en plus, les musiques de boss, etc. Enfin,
Il y a plein de moments qui sont ultra marquants avec la musique. À écouter hors jeu, je trouve que c'est vraiment très cool. Après, hors jeu, j'ai plus de mal à boucler dessus. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est pas que j'ai du mal, c'est juste qu'au bout d'un moment, je m'en lasse. Peut-être parce que du coup, elle est plutôt courte et les thèmes sont plutôt courts. Du coup, bah, si j'ai l'album en boucle, bah, ça sert. Et surtout, l'ambiance de l'OST peut-être est relativement toujours la même. Oui. Donc, à partir du moment où en fait t'as écouté l'OST une fois, t'as écouté l'OST. Moi je l'ai écouté très régulièrement, mais je me la fais vraiment deux fois de suite. Quoi. Oui, voilà. C'est, tu l'as fait une fois, après c'est cool, tu passes à autre chose et le lendemain tu l'as vraiment. Oui, ok, ça. C'est plus comme ça qu'à la suite. Parce que sinon, je suis d'accord, effectivement, le mood, au bout d'un moment, 1h42 c'est suffisant. De toute façon, c'est vraiment un excellent. C'est une bande son et on vous recommande l'écoute si jamais vous comptez pas jouer au jeu. Ouais, oui, c'est-à-dire que même sans le contexte du jeu, il y a plein de morceaux qui font bouche. Ah ouais, totalement. Ouais. Clairement, ouais. Donc voilà. Eh bien écoutez, effectivement, je vais commencer à la conclusion. Death Door m'a mine de rien un peu déçu quand j'en suis sorti, où j'étais en mode ah, c'est dommage parce qu'il y a plein d'idées où je vois le jeu aller plus loin. Et en même temps, bah forcément, quand t'entends les devs qui en parlent, etc., tu sens que c'est leur vision complète du jeu est là. Ouais, c'est ça. Mais ça ne m'empêche pas de regretter qu'à quelques moments, ils aient pas poussé un tout petit peu plus loin. Voilà, tu vois, là, par exemple, la sorcière, bon, bah, elle lance ça, et puis après, elle va aller dans son pot, et puis elle bouge, et trucs et machin. Et un pattern de plus ici, tu vois, et peut-être un petit donjon de plus à la fin. Je sais, je suis chipote, je suis là pour ça aussi, de toute façon, et on a tous des attentes différentes par rapport au jeu. Et forcément, moi, au début du jeu, je m'attendais à quelque chose qui me confronte un petit peu plus en termes de difficulté. Mais quand j'y repense là maintenant, parce que ça fait du coup 2 mois que je l'ai fait, j'en garde quand même un très bon souvenir de Death Door, un jeu qui est assez charmant, qui, je pense, me marquera moins que Titan's Souls, qui a un concept tellement puissant, en fait. Et que j'aime moins, au final. Et que j'aime moins, mais qui a un concept aussi tellement puissant. Ouais, c'est sûr. De un boss, une touche... Enfin, c'est tellement fort. Même si c'est pas parfait, au moins, il y a une vraie proposition. Ici aussi, il y a une proposition, mais qui est peut-être moins radicale et aussi moins unique. Puisque, ben, comme on a dit, hein, on a fait Tunic aussi, qui propose à plusieurs égards plus ou moins la même chose. Pourquoi Tunic sortir après Non, mais je sais, mais on y a joué avant. Oui, oui. C'est toujours le problème. C'est ça. Peut-être que si j'y avais joué avant Tunic, j'aurais trouvé Tunic moins bon. C'est possible. Y a tu pas vois qui font... Oui. Peut-être. Parce que Tunic m'aurait encore plus frustré sur ses combats, du coup. Ouais. mais voilà, écoute, moi je trouve que c'est quand même un bon jeu. Mais pas la claque que j'aurais voulu prendre, alors que normalement c'est right my alley, tu vois, c'est complètement le type c'est de jeu. Ton domaine, quoi. Voilà, c'est le type de jeu qui me parle. Et du coup, peut-être qu'une difficulté un peu plus accrue m'aurait permis de. Après, voilà, c'est un très bon jeu, n'hésitez pas à le faire. N'a pas meet my expectations all the way. Partons-nous en anglais sur la description. Donc forcément. Tu peux dire en français, s'il te plaît. Non, justement, enfin. C'est que tu n'as pas atteint tes attentes partout. Merci. voilà, tu vois, putain, même moi, j'ai beaucoup plus dormi que toi. Et donc, voilà, pour moi, ce sera un bon 15, mais ce sera un 15 quand même. Ok. Par contre, un truc qu'il faut dire, c'est que avant de jouer à ce jeu, tu avais perdu le goût en l'humanité. Ou plutôt ouais, vidéo. C'est vrai que en fait, je venais de terminer Baldur's Gate 3 et du coup, j'étais un peu fatigué et surtout, c'était un grand jeu. Donc, à partir de là, j'étais bon. Sur quoi j'enchaîne? Et je l'ai fumé en 3 jours, Death Door. Donc voilà. Tu étais là, ouais, je pense que je le ferai pas, ou on verra, machin, etc. Puis t'as le jeu, 3 jours après, tu vas finir. Voilà, en 8 heures. Donc à partir de là, c'est effectivement. C'est quand même que ça veut dire depuis, quelque chose. Depuis, ça t'a relancé dans ta vibe de jouer à plein de jeux. Donc, même un peu trop. Il a refait 3 jeux en 3 jours après. Oui, donc c'est vrai. Quand même que c'est. Il y avait quelque chose, il a de redonner le goût. C'est vrai qu'après, j'ai enchaîné comme un fou. T'enchaînes, J'enchaîne, mais je te passe pas un Etienne sans te faire la fumée sans te prendre un coup, et c'est le but. je sais plus. Moi, Death Door, ça a été sur le coup une vraie petite claque. J'ai adoré l'univers vraiment, et j'ai adoré plein de choses en fait, les donjons. Enfin, vraiment, c'est le type de jeu auquel j'ai envie de jouer. C'est suffisamment. En fait, c'est un peu scolaire comme on le disait, mais pas forcément dans un mauvais sens du terme. C'est-à-dire que tu sais ce que la formule propose, ça le fait bien, il y a suffisamment d'originalité et de personnalité pour que ça se démarque et que ça reste à l'esprit. Donc ça, pour ça, c'est vraiment top. C'est un jeu, selon quoi tu penses, basiquement,
et il le fait très bien, donc tu passes un vrai bon moment. Le niveau de difficulté, moi, c'était pile poil ce que j'en attendais, ou en tout cas, j'avais pas besoin de plus. Mmh. Et donc, j'ai passé un excellent moment sur le jeu. Mais voilà, quand même, il manque, je pense, un petit truc de fin, parce que quand c'est terminé, c'était dommage qu'il manquait... En fait, ouais, c'est assez bizarre, parce qu'il est bien rodé. Il est complet. Mais quand t'arrives sur la fin, déjà, un peu frustré, perso, que le dernier donjon soit moins bon que les autres, en tout cas, pour moi, ça joue, je pense, beaucoup par le fait que tu connais la majorité des ennemis, et que du coup, tu es moins de surprise, même s'il ajoute de nouveaux ennemis, tu restes sur beaucoup d'ennemis que tu connais depuis le début, avec des variantes, du coup, à ce stade-là du jeu, il est peut-être un petit peu mal à se renouveler. Donc du coup, s'il avait fait un quatrième donjon, ça aurait été peut-être pire, tu vois. Ça, je peux pas le dire, mais du coup, finir sur un donjon qui est peut-être le moins bon des trois, et fait que, déjà, ça c'était un petit peu dommage, et vraiment, j'avais besoin de, pour moi, qu'il aille, qu'il y ait un petit truc en plus, qui m'offre le petit truc jusqu'au boutiste qui me plaisait vraiment, tu vois. Parce que, voilà, pour finir vraiment sur une apothéose, parce que j'étais clairement pas sur une apothéose quand j'ai terminé le jeu, je pense, c'était ça. Après, j'étais content de continuer en endgame, mais pareil, le endgame, il m'a pas transcendé, voire même, il m'a fini par me lasser un peu. Donc, ça fait que je suis, en fait, à la fois hyper enthousiaste et hyper mitigé, c'est trop bizarre comme sentiment. Pour moi, à la base, c'était genre un 16 qui tend vers un 17 au début du jeu. Et à la fin, c'est plus un 16 qui tend vers le 15, quoi. Donc c'est un peu... je partageais, si je m'écoute, vraiment, je pense que je mets 15,5. Ah ouais. Un peu dur, mais après, je mettrais... je sais pas, je vais mettre 15,5 si je m'écoute. Après, dans les deux cas, c'était 16. Hein. Bah oui, 16 qui tend vers le 15, mais en vrai, c'est plus parce que genre... Si tu fais la moyenne des deux, ça fait 16,5 plus 15,5. L'autre qui essaye de prêcher pour sa paroi, ça fond, c'est clair. Non, mais on pourrait mettre 16, mais après, c'est plus que. J'ai plus peur que mine de rien, me marque pas suffisamment. Ouais. Parce que, je sais pas, même s'il y a plein de trucs qui sont hyper marquants, beaucoup de personnalités, etc., j'ai l'impression que même là, je l'oublie plutôt vite, alors que pourtant, j'ai adoré le faire et tout. C'est assez bizarre, mon sentiment. Non, mais mon sentiment est plus. C'est bien. C'est une bonne note. Très bien. Tant pis pour toi. Bah c'est vrai, hein, tant pis. Ouais. Bah, moi, Dev Dor, en vrai, c'était le bon jeu au bon moment. Et ça, des fois, ça joue aussi. Hein. Ah, ça joue à fond, même. Malheureusement, c'est le hasard, des fois. C'est ça, c'est-à-dire que des fois, tu fais un jeu, et il est très bon, mais c'est pas le bon jeu dont t'as besoin là, et du coup, tu vas moins l'apprécier. Ça, c'est sûr. Ça arrive. Et il y a des fois, c'est l'inverse. T'as un jeu qui est pas plus que ça, et tu vas vraiment l'apprécier parce que c'est bon moment. Bon, là, c'est un jeu que je trouve de toute façon excellent. Et en plus, c'était le bon moment, donc j'ai vraiment passé un très très bon moment sur ce jeu. Même si, effectivement, je suis d'accord avec vous que la toute fine... Il aurait pu être peut-être un peu meilleur, mais je sais pas vraiment comment, parce qu'en fait, il est tellement condensé, tellement... Il fait tout ce qu'il fait, il le fait presque parfaitement, en fait, dans le sens... pas parfaitement, mais vraiment de manière très 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 bien, quoi, dans le sens où tout ce qu'ils ont voulu faire, ils l'ont fait, tel quel, ça fonctionne tel quel. Après, on apprécie plus ou moins la proposition, on apprécie plus ou moins... Ce sera trop dur pour certains, trop facile pour d'autres, parfait pour certains. Moi c'était parfait niveau difficulté. Donc, mais voilà, c'est ce qu'ils voulaient faire. Et ils l'ont fait et ils se sont pas ratés là-dessus. Et donc vraiment, c'est une super proposition. Contrairement à Yann, moi j'avais pas des attentes démesurées parce que déjà, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Il me faisait de l'attente de l'œil depuis longtemps, mais c'était plus pour son côté artistique. Niveau gameplay, je m'attendais à ce qu'il soit bien, mais voilà, je sortais d'Alan Wake. Donc autant dire que... Encore une fois, hein, j'aurais pu lui donner des balles perdues, j'aime bien Alan Wake, j'ai mis une bonne note, mais au niveau gameplay, c'est une play, tu vois, c'est une tannée, et c'est ce que je voulais, c'était un truc vraiment qui me fasse... Je retrouve le goût à tenir une manette entre les mains, quoi, vraiment à jouer à un jeu... non mais au sens pur de jouer, non, quoi, je comprends, vois, et pas juste au sens de suivre une histoire, quoi. Et ça, vraiment, il me l'a vraiment apporté, quoi, le feeling du jeu, il est incroyable, et il est hyper inventif, et voilà, c'est un jeu vraiment qui m'a vraiment beaucoup plu, auquel du coup bah, je mettrai la note de 17 sur 20. Moi, je pense que moi, yes. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur ce jeu, et c'est un des jeux préférés de l'année 2021, quoi, clairement, là-dessus, aucun doute. Quoi. Il a dépassé Kena, qui tu as mis 17 aussi, je crois. Ouais, qui était 3e du coup, 3e. Ouais, c'est 3. Voilà, donc voilà, actuellement, du coup, il prend la 3e place du podium en 2021. Bravo donc, à lui. Donc félicitations à Death Door, en attendant peut-être un autre challenger, on verra, mais voilà. Donc c'est pas rien, c'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup apprécié et que forcément je vous recommande chaudement, surtout si vous l'avez vu gratos sur le PS Plus, et sinon même si, sinon il est sur Game Pass, tu l'as fait via le Game Pass, et enfin, du coup il y a plein de raisons de le faire, et si, même sinon vous pouvez bah, de toute façon l'acheter. Je pense qu'il est intéressant même pour plein de raisons. Je sais pas, écoute, j'avais noté, mais...
Il coûte pas très cher en tous les cas. Mais c'est pas très cher. C'est un prix plutôt abordable. Ouais. C'est 20 euros. Hein, donc pour 20 euros, c'est du vol. Hein, allez-y. Mais c'est gratuit, c'est encore plus du vol. Alors allez-y si vous avez les moyens de jouer gratuitement. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker si c'était le cas et à vous abonner si ce n'était pas déjà fait parce que c'est évidemment super important. Hein, vous le savez. Vous avez l'habitude que tous les youtubeurs le martèlent, et bah ici on martèle aussi, mais voilà, vous savez. Abonnez-vous, et surtout, bah, laissez aussi des commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé, vous, de Death Door, parce qu'on sait qu'il a eu beaucoup de joueurs. Donc c'est l'occasion de donner votre avis, est-ce que vous êtes, dans quel team vous êtes, parce qu'il y a trois avis qui sont quand même plutôt éparpillés, je dirais, sur ce canapé, qui se ressemblent pas. Et donc vous, comment est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous avez un avis qui est encore complètement différent d'une autre? On attend tous vos retours, et surtout, bah, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. Plein de bisous. Ciao. Ciao. Salut à tous.